Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour la Bonsoir. reprise des émissions sur la Ça Gotaga fait TV. longtemps. On est de retour le lundi soir, peut-être pour un bon moment, on l'espère pour vous. En tout cas, un gros programme de prévu ce soir. En plus, les invités, Ouais. ils ont été communiqués à l'avance. Ça a ravi déjà énormément de personnes pour deux raisons. Les invités d'un et le fait qu'on va devoir sur Fortnite ce soir. C'est vrai, bah c'est grâce à nos invités, hein, parce que faut dire un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent du Fortnite, etc. Mais c'est très dur d'avoir des invités de qualité Oui. qui veulent jouer à Fortnite. Et ce soir, on a la chance de pouvoir reprendre la saison. Alors, Doug m'a dit une stat, je savais pas que c'était véridique, mais dites-vous qu'on n'a pas fait d'émission en physique depuis décembre. Oui, mais ça, je pense qu'ils s'en souviennent, hein. Mais Vous pas qui êtes. moi, moi je pensais que c'était genre vers mars, avril, tu Non, vois. non, depuis Et après, décembre. On a mais en eu fait, quand même les petites on a voulu émissions en reprendre, il me semble, confinement. la saison. Et puis, bah, il y a eu le Covid en même temps. Oui. Et puis, bah, on a fait quelques émissions chacun de chez nous. Mais ça fait giga longtemps, C'est les gars. ça, du Donc, coup, on c'est est de retour. incroyable. Quel plaisir de revenir en plateau, de Ouais. pouvoir reprofiter de toute cette installation. Vous l'avez vu sûrement, hein, ça a été un petit peu amélioré, Ah, bien on a de la évidemment, place, pour les la nouvelle gars. Là, saison. je peux aller Mais loin. ils On ne a s'en rendent pas de. compte sur Ouais, c'est la pour ça, c'est pour caméra, ça. mais nous, on est Mais bien, ouais, quoi. du coup, on pourra vraiment se lever, etc. Ça va être cool. Ça va être cool parce que c'est vrai qu'avant, on était un peu serré. Ouais. Forcément, il y a eu des coups de peinture et des choses qui ont été Ah, refaites c'est stylé. Et puis il y a des trucs cachés que vous allez niveau lumière. Ouais, découvrir. de toute façon, il y aura une vidéo récap, un de ces quatre. Là, alors, bon, pour pas changer, on est en retard. Pour Ça, vous c'est dire, joué à rien. on voulait Ça, même c'est joué à lancer, rien. ouais, on voulait même lancer plus tôt, vous faire une surprise en mode ça y Ouais, est, les gars, on est à c'est l'heure. vrai. Au dernier moment, on voit que les. Voilà, pour vous, pour être C'est totalement ça le live. transparent. C'est ça le Ouais, mais en vrai. fait, genre, au moment de lancer le jeu en mode vous êtes prêts, 3, 2, 1, on se rend compte que tous nos écrans sont en 60 Hz, que Nvidia fout la merde, des problèmes de partout. Bref, on voulait commencer à l'heure, mais je pense que on a une malédiction un peu comme Kakashi dans Naruto, genre Mais c'est la on se doit spontanéité, tu vois, ça nous met d'arriver dedans. en retard chaque lundi et Ouais. on commence la saison en retard Donc comme venez à d'habitude. 20h05 semaine prochaine. Non, non, en vrai de vrai, excusez-nous bien évidemment pour les minutes de retard, même si vous le savez, c'est le live, c'est Ouais. les aléas du direct. Ça nous remet dedans, ça nous remet les réalités en face. Donc on est reparti pour vous faire kiffer le lundi soir. Deux invités incroyables, en plus c'est un jour particulier, vous allez comprendre. On a prévu plein de choses, dont ce Master Kill qu'on attend depuis quand Ah, même ça un fait bon longtemps. moment. Mais il n'y aura pas que ça, il va falloir rester branché. Et je vois le chat qui engage directement. Mais avant ça, là, Ouais, c'est des attendez, vous malades, allez des vite. malades. Mettons à l'aise nos invités. On reçoit aujourd'hui Michou de la team Crouton, mais Michou, l'un des youtubeurs Yo les les plus gars! en forme en ce moment. Comment tu vas? Bah ça va super et vous? Première ici là. Hein? Ouais. Première ici au Première fois studio. ici. Eh les gars, le local il est T'as incroyable. vu, hein? Je suis choqué, vraiment. Ça va te donner des C'est un petites truc idées, de toi, fou. peut-être, pour le Merci pour développement? l'invite, hein. Ça donne envie peut-être aussi d'avoir un peu un local pour accueillir les copains, parce que toi t'as Après il est un beau bien lui, studio il a aussi, son hein. studio, il est Ouais. stylé. Moi j'ai mon studio pour l'instant, je suis bien. Parce que là c'est une organisation. Ouais, tu l'as vu en direct et tu n'es pas seul. On reçoit aussi Valouz qui est avec nous. Valouz, On est là. il passe à travers les générations, C'est ça, hein, l'ancien. toujours à la mode. Incroyable. Beau gosse en plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, on fait du sport quoi. Ah ouais, ça y Je est, suis Yes footballeur. Life. Ah ouais, ça y est, ça t'a Non. signé là. Non, une belle équipe ce soir pour nous accompagner sur Fortnite. Comment toi ça se passe Fortnite? Ça te stresse un peu le Master Kill? Bah je t'avoue, le BR, c'est pas trop mon fort, hein. Pourtant, le créatif, vous en avez fait avec la team Crouton. Ah mais du créatif, c'est pas du BR. Ah non, non, par contre, Ouais, non, en c'est vrai. créatif, il est. Créatif? Mais il m'a dit il est godlike, c'est juste que par contre, en Battle Royale, déjà ça le chauffe pas Bah, je tant que suis pas ça. trop godlike, je voulais me la péter devant toi, Bah, il est mais. champion Bon, d'Europe, quoi. c'est carré qu'on est champion d'Europe. L'effet a marché, j'étais C'est en mode, vrai oh qu'il putain, il va être trop chaud, y hein, a pas trois du fait. champions d'Europe ici, Ouais, hein. t'es le seul. T'es le... En fait, on a fait un tournoi européen sur le mode C'est créatif vrai, Fortnite il y a ouais. quelques semaines. Et avec Michou, Valouz et Jean-Fils, on a gagné Je sais face pas quoi vous dire les gars, vous attendez que le jeu à des ait monstres. moins de hype pour gagner le tournoi, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, les cash prizes n'ont pas changé. Ah T'inquiète pas, ça nous a régalé. Du coup, le Master Kill, on est prêt ce soir et on va vous régaler, bien évidemment, avec des beaux multiplicateurs. Mais j'ai pas trop envie de faire peur à nos invités. Michou, on va voir si tu suis Oula. l'actualité. Ouais. C'est un jour particulier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire Ah de ouais, non, Oh les gars, là genre là, j'ai peur qui. Bravo, Oh la perche Michou. qui lui tend, moi je m'attendais à un autre truc, tu vois, je me suis dit non, Allez, il va le pas lui chat, faire là, ça, c'est c'est le simple. moment, On c'est le fait quoi? Bah, moment. on doit chanter Oh, ou joyeux on, non. anniversaire C'est la d'Oda? fête. En plus, il aime pas ces moments-là, Ah moi ça le j'aime pas gêne. ces Ça fait moments. quel âge? Je sais pas, 22. Ah ça va, Il ça va. est proche de Michou, hein. Il y Non, ça fait croit. 25, putain. Regardez le chat, 27. là. Ah ouais. Bah alors Tiens, peut-être là. qu'il a fait le matin, il a Mais fait je suis plus Hein? vieux. Oh non! Je suis plus vieux que Rends-toi! toi, j'ai 28. Ouais, voilà, 28. 28. Ouais, Comme ouais. moi. Attends, t'as 28 toi? Ouais, mais je suis à 91, t'es à 92. 92, ouais. Ouais. Ouais, 27, Je suis un t'es un faux gros 28. daron. T'en fais 40. Master Kill, ça commence. Tu pourras te venger. En tout cas, la Ouais. musique est lâchée. Joyeux anniversaire, Gotaga. On a eu des gros Merci débats, mais les on va gens. Depuis pouvoir tout à en l'heure, vous reparler de spammez dans le ça. chat. Un grand merci à vous tous. Michou, toi, ça te stresse un De donner autant de la peu ce soir, ça fait De plaisir, les quoi? gars. Le fait de prendre de l'âge ou pas encore là? T'es encore. Non, là, Ouais, il est j'en ai bien. pas compte. Là, c'est l'âge où t'es bien. Justement, tu veux Je vais grandir. avoir 19 ans, tranquille. Vraiment? T'imagines? Ouais, je vais avoir 19. Ah ouais, C'est putain, sa c'est première année marrant. où il n'y a pas eu école. Là, Ah ouais, pendant ça un an, il y n'y a est. pas eu Ouais, école. Et ça y l'année est, là, dernière, t'es. j'ai pas eu cours, du coup. Alors?
Bah franchement, moi j'ai kiffé. On s'y habitue, hein. Ah ouais, moi j'ai kiffé. Du coup, tu te lèves un peu quand tu veux. Ouais, c'est trop bien. Tout le monde me disait, ça va te manquer. Après, on oublie après, vite. Quand tu commences à avoir 27 ans, 28, ça commence à manquer. Même pas, menteur. En plus, 28, je pense. Ouais, je pense 28. Moi, je suis pas encore dans ce stade-là. Ouais, non, non, ça manque pas. Toi, ça te manque, Malouz. Ouais, moi, ça me manque. Hein, de te lever à 9h pour aller en cours, frère. Je me réveille encore tôt, moi. Non, ouais, par contre, vrai. Moi, il y a des délires, j'avoue que tu sais que potes, tu te rappelles de certains trucs entre potes. Ouais. Que tu sais, ça me fait des souvenirs. Ça met des putains bons souvenirs. J'avoue que. Il est déjà nostalgique, il se fait vieux, ça y est, le gota. Mais du coup, ouais, bon anniversaire. Qu'est-ce que ça te fait? Un petit discours quand même. Aux prises des émissions, une belle année en perspective. Je suis bien content. En plus, on a tout level up, etc. Et puis même, les gens sont en rendez-vous, ça fait plaisir. On va même rejouer à Fortnite, putain, incroyable. Le jour de ton anniv. Ouais. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Et non, sinon, au niveau de l'âge, j'ai l'impression que les années, maintenant, elles passent trop vite. À partir de genre 21-22, après... ça se compte en semaine, gros. Hein. Donnez votre âge sur le chat, soyez honnête, arrêtez là, j'ai 84 ans, là, de toute façon, on sait très bien quel âge vous avez quand vous écrivez ça. Mais voilà, donnez votre âge sur le chat et il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans ton discours parce qu'ils sont à peu près dans la même tranche. Il y a tous les âges, hein. Il y a des darons qui vont peut-être aussi nous donner des vraies leçons de vie, allez-y, c'est le moment. Et il y a des petits jeunes qui vont être en mode ouais, j'ai le time parce qu'on disait pareil à l'époque. Après, hein. On leur a annoncé Fortnite, donc déjà, il y a peut-être un peu plus de jeunes que d'habitude. Mais regarde, non, entre 16, 29, ouais, 13, 36, Silbar, 04, on t'a vu. Ça, non, il y a une belle moyenne d'âge là. Il y a un peu tout le monde. Après, il y a la commune Michou quoi. Aïe. Bah, ils sont jeunes quoi. C'est normal, les gars. Je savais pas comment dire. C'est le futur. Michou, il est. De me tailler, là. Non, mais en vrai, maintenant, Michou, il est suivi par tout le monde. C'est devenu un phénomène. Et mais ça, c'est un truc de fou. C'est fou. J'avoue que c'est incroyable. Dans la rue, genre, quand je faisais que Fortnite, il y avait vraiment que des petits. Et maintenant, il y a des gens, ils sont plus vieux que moi, ils me reconnaissent, ils sont trop contents. C'est un truc de rien. T'es devenu une tendance. Tu vas grandir avec les gens. Et ça, c'est beau. Parce que moi, il y a des mecs qui me citent des trucs quand en allant là, on avait 17-18 ans. Et aujourd'hui, bah, on a grandi ensemble, on a le même âge et eux, ils ont un vrai travail. Moi, je suis là toujours en train de jouer, en train de tirer sur des gens. Gros. J'ai l'impression que j'ai pas level up. Tu vois. Eux, ils ont avancé dans leur vie. Ouais, je te jure, il y en a, ils font ouais, moi je vais avoir mon deuxième enfant. Je suis en mode, ok. Ouais, bah moi je joue avec Dwag. Je vais avoir mon deuxième contrat de Shadow, moi. Je commence à Smurf. Non, mais en vrai de vrai, après, voilà, chacun sa vie. Est-ce que t'es heureux? C'est ça le principal. Ah ouais, moi je suis heureux. Par rapport aux années précédentes, est-ce que c'est une année que tu trouves. Enfin, en tout cas, t'es dans une période de ta vie que tu trouves. Agréable. Là, c'est la rentrée. C'est-à-dire que moi, j'ai chill un peu là, les derniers mois. J'étais en mode vacances. Tu vois, Shadow, après, il y a eu le confinement et tout. Donc en plus, ouais, en plus c'était après le confinement, tout ça. Et bah, là, c'est la reprise, tu vois. Et non, tu vois, ma vie, elle est cool. Je peux faire des projets, je peux faire des machins. Maintenant, même j'ai une commu, tu vois, qui me suit un peu sur tout. Tu vois, ça peut faire peur au début. Ça avait stressé, toi aussi, l'après Fortnite. Bah, j'ai une très grosse année Fortnite, tu vois. Genre, je pense que je suis une des personnes qui en a le plus bénéficié. Et bah tu sais, prendre un autre virage. Créateur Michou Croûte. T'inquiète pas, voilà. On a lâché le mot-clé. Attends, tu vois tout ce que tu vois autour. Moi, c'est mon code créateur. Mais moi, quand je me dis que t'as au minimum, je pense au moins fait le triple. On n'est pas là pour parler d'argent. Au moins. À un moment, je sais qu'il avait mis un screen. J'étais en mode. Ouais, 700 000 soutiens. C'était le record. 700 000 soutiens. Après, ça veut pas dire qu'ils ont tous acheté. Mec, mais 700 000 soutiens, frère. T'es un monstre. J'ai été très fort dans la communication. 300 000 soutiens. C'était un mois Gucci. Alors, lui, gros, c'était toutes les marques Gucci, Louis Vuitton, tout en même temps, je pense. Non, mais c'est incroyable. Après, c'est le fruit de votre travail. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez volé l'argent de personne. Et je trouve ça cool. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Epic Games, au moins, avait pris cette initiative de reverser aux créateurs. Ils avaient eu le choix de ne pas le faire. Et là, maintenant, vous avez vu que tous les éditeurs ont fait ça. Qui s'y met. Ça, c'est lourd. Hein. Ça donnait Warzone l'a fait. League of Legends l'a fait avec le partenariat. Tout Super le monde a suivi. Dans les jeux mobiles. Exactement. Ouais, oui, tu peux rajouter maintenant le code. Donc, ça, c'est très, très bien finalement. Et ça a été Epic Games qui a été les premiers à mettre ça en place. Code créateur qui existe de ton côté. Ouais, carrément. Ouais. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Bon, je peux pas avoir des locaux comme ça, mais. mais au moins, tu te fais plaisir. Ouais. Des bons barbecues, on a vu sur la chaîne. Non, mais toi, c'est dingue, même la reconversion que t'as fait, etc. Bah non, j'ai toujours été un petit peu là-dedans, moi. En fait. Ouais, en mais tu sais, moi, je te voyais, tu sais, Daron Eclipsia. Et puis, tu sais, je vois maintenant des vidéos qui pop en tendance. Alors, faut expliquer ce que c'est Eclipsia. Non, mais il y en a certains qui connaissent pas Eclipsia. Mais c'est là de voir qu'il est là. C'est-à-dire que tu peux lui parler de n'importe quel streamer de genre il y a 5 ans, il les connaît tous, tu vois. Ah et bah, toute la nouvelle génération, il les connaît tous aussi. Il les a formés, hein. C'est même pas ça, c'est qu'il les conseillait. Hein. C'était, et comme quoi, finalement, tu fais la même chose, techniquement, juste que tu le fais autrement. C'est les petits qui me donnent des conseils. Après, elle est folle cette génération. Hein. Ils savent tout faire, ils touchent à tout. Vous avez grandi dedans. Même les plus jeunes, maintenant, ils s'habillent en Inox Tag Michou dans la rue. C'est... Ouais. Mais c'est ouf de voir à quel point vous êtes tendance. Tu vois, vraiment, c'est. Ils sont un phénomène. Mais genre, tu fais des vues, mais c'est insane. Même Squeezie doit être jaloux. C'est vraiment. Je confirme, il est jaloux. S'il passe par là, il confirmera sur le chat qu'il est jaloux. T'aimes pas, je sais qu'il y a des haters, il y a des gens qui sont un peu en mode dissident, en mode oui, vu que ça marche, je déteste ça. Mais en soi, tu peux qu'admirer, genre, le. Bah à quel point ça a réussi, à quel point ta communauté elle est super gentille. Et cette émission mais ouais, mais c'est trop lourd. Mais c'est trop bien parce que ils suivent à ce niveau-là, partout où je vais, ils me suivent.
Ouais, t'as créé vraiment quelque chose autour de toi, mais c'est ce que je dis, t'es un phénomène de société et je pense que t'as inspiré aussi beaucoup de jeunes et il en faut. Et c'est ça qui est bien, c'est que cette émission, vous l'avez vu, il y a plein de sujets intéressants quoi, à pouvoir évoquer au fur et à mesure. Vous êtes déjà extrêmement nombreux, 50 000 viewers sur le live pour cette reprise dès lundi soir. Merci à vous tous. On vous l'a dit, gros programme de prévu et peut-être même des petits cadeaux pour nos invités. Je crois qu'on leur a prévu quelque chose. Ah ouais, ouais. On va pouvoir en parler maintenant, messieurs. On va les sortir pendant qu'on vous envoie la petite vidéo. Regardez ce qu'on vous a prévu. Vous êtes les premiers. On vous ramène un petit cadeau d'ouverture. Après, avec l'argent qu'on va déverser ce soir, finalement, tu la payes. Tu la payes. Regardez ce qu'on a de sortie. C'est grâce à Scuff. Hein. Ça, tu en parles juste après la vidéo, Gotha. Oh, on en parle un petit peu après. Vas-y. Tu nous expliques un peu comment ça s'est fait. On envoie ça. Regardez cette magnifique manette. Nouvelle manette. Une manette qui illustre mon passé, la carrière que je réaliser, créer, innover, partager, ce sont ces valeurs qui établissent notre monde. On s'est basé sur ces mêmes principes pour établir cette nouvelle manette. Une manette qui illustre mon passé, la carrière que je me suis forgée à vos côtés, pleine de passion, de travail, de sacrifice et de volonté. Aujourd'hui, avec cette nouvelle manette, je comprends à quel point toutes ces années ont été incroyables pour moi. De ma première compétition à un show sur l'un des plus beaux monuments du monde. Je réalise le chemin parcouru et ce sont toutes ces étapes qui ont façonné ma vie, mon existence. La mission était claire, conceptualiser une manette qui soit à notre image, à l'image d'une génération créative, débrouillarde et critiquée. Une génération qui utilise chaque espace pour créer, s'exprimer et se révéler. On peut. Elle est magnifique cette manette, les mains, Michou aussi, Valouz aussi, et vous partirez avec, vous êtes les deux premiers à la posséder France messieurs. J'en suis fier, c'est-à-dire qu'il y a tellement de rêves dessus genre par rapport à tout ce qu'on fait, il y a le Game of Corp, il y a la petite abeille, il y a les mobs, il y a machin de ceux qui suivent depuis longtemps, genre forcément ils vont kiffer. Il y a la petite tirelire de Master Kill. Ah ouais, il y a énormément de références. Du coup, là, toute l'équipe a bossé sur cette vidéo et elle a plu à beaucoup de personnes. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans le chat. Mais ouais, j'en suis assez fier de la manette. Et puis, c'est un sponsor qui l'a depuis le début. Tu vois, ils ont pas attendu Fortnite pour. C'est l'un des plus historiques de ta chaîne, même de ta carrière. Ouais, clairement. Continue. J'ai commencé à bosser avec eux, genre quand la boîte s'est formée, limite. J'étais à ça d'avoir des parts, putain, j'ai le seum maintenant. Sérieux? Non, mais quoi, tu vois, genre, j'avais un teammate qui s'appelle Daredevil. C'est lui qui a. Au début, il y avait les premières manettes Daredevil et tout, il était dans les bêta-testeurs, tout ça. Et maintenant, quand je vois comment ça a évolué. Les sorts que ça, c'est incroyable. Genre, c'est trop cool de pouvoir aujourd'hui toujours faire plein de trucs avec eux. Donc, je crois que vous pouvez maintenant, vous en procurer une, mesdames et messieurs. Ouais. Elle est disponible pour tout le monde, cette manette-là. Toi, t'es un bon vendeur, c'est trop bien. À chaque fois, je vais faire un truc. Non, mais parce qu'on m'a dit, parce que moi, je me suis renseigné, on m'a dit que les 100 premiers qui allaient la commander recevront en même temps un sac cadeau. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, non, il y aura plein de trucs. Mais il y a des petits trucs comme ça pour ceux qui commandent. Mais là, je pense que t'aurais pas dû le dire tout de suite parce que là, ils vont se ruer dessus. Ouais, ils vont même plus nous écouter. Ouais. Non, mais revenez après. Il y a plus personne. Prenez-la, revenez. En plus, on va faire quoi au début là d'ailleurs On veut la tester. Et exactement. Le meilleur le jeu truc, pour la c'est tester. Que, bon, je vous cache pas les gars, on va être exécrable sur la test sur Fortnite. Je pense qu'il y en a aucun d'entre nous qui jamais joué à la manette. Ouais, on est d'accord. Mais par contre, en ce moment, il y a un jeu qui est assez cool, je pense que vous le connaissez tous. Et en plus, vous, je crois que vous y surtout jouez pas lui, mal. Là. Attention à lui, j'ai là. Pas mal joué, moi. Enfin, toi, t'es level combien, toi? T'es level 16? Attends, que je regarde 34. Ici. 34, toi, t'es quoi? Ok. T'es 20? Attends, moi, je vais te montrer, mec. Tu peux montrer l'écran de Gotha en même temps. Moi, je suis level 23. Ah, je suis 31, moi. 31. En fait, tous les deux, vous avez bien ce qu'on Il dit qu'il joue pas. Bah, écoute, ok, nous, on est dans le lobby, il manque juste une personne, il me semble. C'est moi. Que Valouz va inviter. Un petit peu de Fall Guys. Qu'est-ce qu'on fait? On se met dans l'ambiance. Est-ce qu'on se met un défi? Est-ce qu'on se met un gage? Je pense que ça va être marrant. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Je pense que ça va être marrant de trouver un truc. Le site est done. Ah, vous avez mis le site done. C'est déjà. Bah, super, les gars. Ils ont été trop forts. Bravo, les gars. Trop vifs.
Non mais c'est cool, continue à mettre le sit down comme ça je revois mon contrat plus tard à la fin de l'année. Regardez ce qu'on a réussi à faire, hein. Même les Américains l'ont pas fait. Est-ce que Scuf il vous met votre sit down? Je crois pas les gars. Il y a Scuf Gaming sur le chat, regarde, il y a Scuf Gaming sur le chat. Ah, hey, Scuf Gaming, vous êtes là, je vous prends en otage. Est-ce qu'on peut débloquer deux manettes à faire gagner sur le chat comme ça? C'est l'impro, c'est le live. Scuf Gaming, vous êtes là. Tiens, ils vont disparaître. Ouais, hein. Ils vont disparaître. On vous a vu, vous êtes là. Est-ce qu'on peut offrir deux manettes tout de suite au chat? C'est vous qui validez sur le chat, non, parce que c'était pas prévu. Mais j'ai envie de faire des cadeaux là. Je les prends en otage à ces bâtards. Alors, ça dit non devant la commune. Scuf a quitté le chat. Ah. Non, quand même pas. On attend la validation. On a Jericho, bien sûr, qui est avec nous, qui check le chat, surtout pour ban les gens, mais voilà, aussi pour les choses positives. Jericho, tu me confirmes si Scuf valide. Et on va peut-être envoyer deux manettes gratos à la commu, histoire aussi de fêter ce retour là. On a envie de vous régaler. Il y aura le Master Kill pour vous régaler dans un deuxième temps. Mais comme tu l'as dit, Fall Guys, petit défi. On part sur quoi? Est-ce qu'on irait pas sur les Insta là? On a tous des gros Insta, je crois. Combien d'abonnés sur Insta, Michou? 1,8 million. Gotha. Ouah, mais monsieur, putain. Gotha, combien d'abonnés? Je crois qu'on. Je sais pas, tu sais quoi, je sais même pas. Ah, t'as quand même plus d'un million cinq, non? Un million trois? Je crois pas, mec. Non, moi je suis à. Oh, un million en vrai, je pensais pas mais que j'étais non. un. Si? Ah, tu savais même pas? Non? Bah, GG. Ah ouais, merci pour les 1 million, les gars. Le bravo million. Bah, non, je suis à 1 million aussi, et toi, mon cher Valos? 950 000. Mais voilà. Putain, voilà, on a tous des Insta assez équilibrés. Je pense qu'on va lâcher 1 million. Ouais, putain, mais toi aussi, tu veux que je te fasse un peu de pub? Ouais, je te fais une petite promo. On me dit que c'est bon pour les deux manettes. Les deux manettes vont être offertes sur le chat. Jericho, tu mets une commande en place. Merci Scuf. Dès que Jericho vous dit que vous pourrez la taper, tapez-la. On se fait combien de games de Fall Guys? Bah, en fait, je sais pas. Est-ce que genre, c'est au premier qui fait un top 1? Est-ce que. Moi, je sais pas. Genre, j'avoue que si je joue 2 heures, je suis pas sûr de faire un top 1, tu vois. Ah ouais? Ah ouais? Bah, après, en vrai, même moi. Oh, oh, regarde comme il prend d'eau. Ah ouais? Ah ouais, moi, je vais mourir directement en plus. Hein. Michou, Screamer Battle, c'était l'homme, si l'homme fort. Le problème, c'est que si tu veux faire un. Comment dire? Si tu veux faire un gage, c'est comment? C'est celui qui meurt en premier, c'est nul. Bah, soit. Est-ce que c'est pas en gros, celui qui c'est celui qui meurt premier round. Tu sais, c'est le round Bambi, tu vois. Ah non, attends, il y a un round avec les portes. Ah ouais, mais c'est réussi. Ah, mais c'est toi et ta chance, hein, mec. Normalement, c'est ça. Tu meurs au premier round, c'est-à-dire que tu fais pas. Celui qui meurt en premier. Non, sinon, on fait 3 games. On fait 3 games et c'est celui qui a le moins bon ratio. Non, le premier qui meurt en premier 2 fois. A perdu. Pas mal. Et attends, si tu meurs en premier la première fois, tu. Ah, en fait, on se met une pression chacun. Tant que c'est pas mal. C'est pas mal, Gotha. Il a trouvé le concept. Attends, mais on a pas trouvé le gage. Ça va être sur Insta, c'est sûr. Ouais, mais quoi? On va trouver une photo sale à faire. Ok. Ça va être un pose en dur de toute façon. Faut qu'elle soit un truc qui reste, qui marque la reprise de la saison. Ah ouais. Ça va être du sale. Moi, je sais qu'avant, j'ai dû mettre une. Comment ça s'appelle? Une. C'était un photo d'un cheval, non? Hein? Un âne, non? Non. Tu m'avais tagué dessus en plus. Je crois que ma fait Carito m'ont fait mettre une poire à lavement. Ah oui, ça c'était lors du Call of Duty en Show. Ouais, tu devais en mettre 13 de base. Hein. Je crois que je l'ai pas supprimé en plus. Toi, il devait mettre 13 poires à lavement. C'est incroyable. Histoire de bien pourrir. En plus, t'as pas le droit de préciser pourquoi, que c'est un gage ou quoi. C'est genre, tu la bosses comme ça et t'as un mode. T'as l'impression que tu t'es fait hacker. Voilà, les gars. Ok. Non, on va faire une photo bien dégueulasse où tu fais la pire grimace au monde et tu dois la mettre sur Insta sans expliquer pourquoi. En mode genre comme si c'était ta photo du jour. En mode salut les gars. Normal. On va faire ça. Donc vous serez dans la confidence, vous qui êtes sur le live, bien évidemment, jouez le jeu. Et très très bon concept de Gotha. Le premier qui meurt pour la première fois, 2 fois d'affilée. a perdu. Si, deux fois d'affilée? Non, non, pas 2 fois d'affilée. Sur les 3 games qu'on va faire. C'est celui qui aura le moins bon résultat. Non, c'est pas ça. Vous êtes nuls. Écoutez-moi, bordel. Le premier à 2 lose. Genre là on lance 2, ça se trouve ça peut se finir en 2 parties d'affilée. En fait non. Ça, non. Attends, ça peut se finir en 2 parties, c'est-à-dire là je meurs premier truc, on relance une game, je remeurs encore en premier, j'ai perdu fin de tournage. Mais pas premier round. Fin de tournage, on va en Master Kill. Voilà ça, tant que les autres sont en vie, faut rester en vie frère. C'est le premier qui est mort 2 fois en premier. Ouais, bah, c'est ce que j'avais dit. Mais pas dans ma tête. Comment ça se passe quand on est sur le même niveau mais qu'on meurt tous les deux? On joue, et bah tu ça te met un point. Celui qui est le plus loin. Non, ça te Est-ce met un point. Est-ce qu'on a un bonus okay, sur un quelqu'un. Point tous les deux. Non, il n'y a pas de vie. Ça y est, j'ai mon cœur qui commence à battre. Pour ça, il fallait lancer à 19h30 pour le bonus. Allez, c'est parti. On y va, messieurs, ça commence dès maintenant. Il n'y a pas de game de chauffe. De toute façon, on a tous un peu spammé Fall Guys. Voilà, le premier qui tombe 2 fois d'affilée en premier, il perd. Et du coup, il met un sale bail sur Instagram. Non, mais ça se trouve, tu peux perdre en demi-finale et quand même avoir le point en loose. Exactement. Hein. Si les autres sont encore debout, ils vont en finale. On est tous en finale. Mais comment ça se passe? Bah, on a tous perdu. Le premier qui tombe, au pire, si c'est les. Ouais, si on est tous en finale, c'est le premier qui tombe. On verra. Mais on verra, si jamais tu gagnes, ça t'enlève un point, t'avais fini dernier. Mais si bon, si tu gagnes, t'es le boss. Hein. Si tu fais un top 1, t'essayes. Non, je pense que si tu fais top 1, t'arrêtes de jouer. T'es immunisé. Top 1, t'es immunisé. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire chier les gens. C'est pas mal. Putain, on a un vrai concept. Top 1 immunisé. Oh, c'est trop cool. T'es immunisé, mais tu continues de jouer. Tu fais top 1, la première game, t'es immunisé du Master Kill même, carrément. Non. En fait, on va pas jouer à Fortnite. Lui, c'est qui va faire top 1. Mais Michou va faire top 1, gros. Je pense que tu n'es pas prêt pour voir Michou. Arrêtez les gars, vous me
estimé là. Il faut lui mettre la pression, les gars. C'est pour ça que Michou est très très fort. Après, Michou, c'est le favori, les gars. Mais on regarde Michou, on regarde bien ce que fait Michou. T'inquiète, il y a que 60 000 personnes qui te regardent. C'est pas l'habitude, toi, à faire beaucoup de duvers. Et balançoire, c'est random. Polo, j'ai zéro son. N'hésitez pas à juger le niveau de Michou. Moi aussi, je veux bien un peu plus de son du jeu, s'il vous plaît. Je vais mourir premier tour. Le premier qui a un point, il va être en stress, frère. Et on joue bien évidemment avec les nouvelles manettes SCUF. Ok, Polo, j'ai zéro bonne son, chance. Polo. Un petit peu moins fort, Polo, je veux bien. Non, 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 mais là, c'est tout, on est tous des connards. Je vais pas me qualif. Fallait que ça commence comme ça. Oh, j'ai eu de la chance. Je peux pas plonger, les gars. Ma touche, elle marche pas. Yes. Comment ça? Désolé de me réjouir de ça, frérot, mais... J'avoue, c'est méchant. Tous les coups sont permis, là. Oh, c'est qui la nanas, là, qui est... Bah, c'est moi, mais... Oh non, je suis pas bien, là. En vrai, là, c'est vraiment en fonction de ton classement de départ. Allez, on... C'est qui la canette, là, qui essaye de... C'est toi, Michou? Ouais, je suis le petit check, mais non, mais je suis obligé de perdre si je peux pas plonger, les gars. Attends, mais j'ai l'impression que Valouz, il est trop bien. Ah ouais, on parle pas et on se met bien. En vrai, il y a pas forcément besoin de plonger sur la première épreuve, enfin sur celle-là, mais... Ouais, mais imagine, c'est l'épreuve où, tu sais, les trucs... Ouais, les prochaines, tu vas en avoir besoin. Non, bah, faites redescendre le violet. Oh non. Faites redescendre le violet. T'as testé les palettes? Ouais, palette et même le bouton... En fait, je croyais que c'était la palette peut-être qui dysfonctionnait pas du tout. Même le bouton B marche pas. Comme ah, si elle était désactivée. C'est bien, il y a des cerveaux. Peut-être que quelqu'un a joué et oh, putain, pas de pression pour moi, les gars. J'ai l'impression que ça sabote. Attends, attends, de base, c'est... Attends, pause. C'est quelle touche pouce, de base pour plonger? Je suis en full pression. Pouce. C'est quoi la touche de base pour plonger? Carré. Let's go. Je suis arrivé. Je vois Doig comment il non joue. Je suis en pression, mec. Je suis stressé là. Non, mais faut juste pas être éliminé, on est d'accord. Ah, Doig, comment il est? Il est c'est mal, comme ça. Je suis crispé, gros, je suis crispé. Attends, pause. Je suis en train de choper. Mais oui, mais moi aussi, juste derrière Doig, au taf, faut qu'on se qualifie. Ah, je suis sur Doig là. Je suis sur Doig. Ah ok, je peux pas plonger. C'est quoi parce vos qu'en skins fait, j'ai pas changé. Ananas, c'est les deux ananas. Ah, ananas pirate qui est bien derrière. Waouh, ce qu'il vient de faire le cheval. L'ananas pirate là, je suis pas sûr qu'il y a... Oh, oh Doig B. Doig déjà 18 qualifiés non, sur non, 43. Doig B, moi je dis rien, mais je veux pas dire, mais devant toi il y a plus de 20 personnes. Non, non, menteur, non, menteur, en vrai, menteur. Non, en vrai, je suis bien, je suis bien. Les deux, je passe 37ème, il reste plus que 3 places pour. Eh, c'est moi, c'est devenu dur. Les mecs étaient forts quand même. Faut changer de touche, putain. C'est qualifié. Ok, ça passe. Ok, tout le monde qualifié là. On est qualifié là. GG. Tu sais, ils ont là, ils ont le temps de se faire un café et tout. On est trop nazes. Excusez-nous, les gars, pour ralentir. Comment change la touche? Ah bah, compte pas sur ton côté là. Je crois que tu peux pas changer en plein game. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, moi. Normalement, j'ai changé ma touche carré à B normalement. Parce que là, c'est pas mis. Ah merde. Je pense que ça marche changer pas, les gars. Ah mais ouais, en fait, okay. Parce que normalement, du coup, sur la palette, je plonge, tu vois, en dessous. Mais là, avec carré, tu peux quand même sauter. Ouais, j'ai essayé après, dès que vous m'avez dit la touche. Et... Point d'exclamation SCUF pour rentrer dans le concours. On fait le tirage au sort juste après cette game là. Donc vous avez le temps de la partie pour participer. Point d'exclamation SCUF. Ouais. Deux personnes seront tirées au sort. On envoie les deux manettes exclusives, justement Gotaga X SCUF. Elles sont magnifiques hein, avec bah, justement les boutons en rouge, le fond blanc, les références. Et justement derrière, c'est quoi ça? Grippe, hein, c'est bien ça. Moi j'aime oui bien. Parce que c'est pas ça, y a pas ça sur les palettes de base. Mais ça se voit que ouais tu... ah oui, mais Michou aussi découvre. Hein. On était comme des fous, on regardait. Les palettes, moi je connaissais pas. Ouais, hein. Moi, tu peux en enlever si jamais, par exemple, celle du milieu, je les enlève. Ah ouais, c'est incroyable. Et moi je mets A et B okay du coup. Ouais, bah ouais, pour jump. Ok, là, moi je comme là, ça, t'as jamais besoin normal, de quitter ton joystick. Exactement. Mais attention, c'est une habitude à prendre. Ouais, c'est ça. Là, je t'avoue. Eh, Valouz, il parle pas, il est focus, frère. Non, non, on est là, je vous écoute en fait. Mais Valouz, il l'a dit, il était là pour gagner. Pas du tout. Bon, je sais que sur Fortnite, je suis dans la D du coup. Oh non! Faut que je prouve là. Je suis tombé. Ah, tous tombés. T'inquiète. Non, je suis tombé. Mais aussi, attendez, parce que celle-là en deuxième, je l'ai jamais eu. Hein. Et celle-là en deuxième, elle est punitive, les gars. Moi je le dis, si vous tombez contre les boules là, vous êtes. Oh, y'a Doigby qui m'a doublé. Eh ouais, mon pote. Oh putain. Et ce jeu est vraiment. Ça pousse un petit peu trop là. Et oh, ouais, mon pote. Je suis passé sur la fin. Oh, je suis très peur. Comme un monstre. Eh ben écoutez, c'est une qualification de mon côté, je non sais pas pour vous. Ne je suis tombé dans la fosse, les gars. Ne parle pas y a trop vite. Aucune chance. Non, t'es tombé dans la fosse, les gars, non. Oh, j'ai l'impression que Valouz va pas se qualifier. Non, 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 non. Pour ma part, oh, non, Valouz est éliminé, les gars. Let's go. J'ai passé pris la dernière. Let's go. Mais j'étais sûr, c'est parce que la manette est trop fluide. C'est parce que la manette est trop fluide. Elle est trop fluide, ça marchait trop bien. Ok, Valouz. Yes. Un point pour Valouz. On continue quand même pour le plaisir. Ah, bien sûr, mais il y a les minutes à aller chercher. Ah oui, une petite immunité, Michou, on te la laisse. Allez, Valouz qui aura un point. On rappelle s'il repère pour la première fois du groupe sur une prochaine game.
Je vais vous dire un truc, les gars, je supporte pas la pression. Je peux le dire. Je supporte vraiment pas la pression. Ah, bah ça va être un bon master kill. Ça va être un bon master kill. Moi, ça m'a mis la pression de voir son level. Là, il est pas à la maison avec les chaussons. Oh, on l'a jamais ce jeu normalement. Moi, je l'aime pas. Observe, apprends du coup. Celui-là. Les gars, ne parlez pas. Je vais te regarder, je vais te regarder. Ne parlez pas. Là, dans tous les cas, vous passez soit. Nous, c'est bon. Nous, il y a aucune pression, frère. Bah, un jeu collectif, il y a pas de pression là pour le coup. Plonger, on va mettre. Putain, mais gros. Arrêtez. Voilà, les gars, c'est bon. Rond et mi, c'est bon, en fait, je suis inarrêtable. Ah, mais les gars, on est les jaunes, on va se faire. Ah ouais, non, on va perdre. Ah, on est les jeunes. Non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, je suis l'ananas, je vais m'infiltrer chez les rouges et ils vont penser que je suis dans leur équipe. Ah, pas bête, pas bête. J'y vais, je pars en infiltration, les gars. Attends, y'a full de gens chez nous, c'est chiant. Ils nous ont focus. Mais en fait, tout le temps, les jeunes ils se font focus sur mais ce jeu. Mais pourquoi? Parce que c'est l'équipe des. C'est après, les victimes, là, c'est parce qu'on est devant, on a 17, hein, on est bien. Moi, je vire les heures. En fait, le focus, ça serait d'aller dans les gars, je suis un rouge infiltré, je répète, je suis un rouge infiltré. Les gars, faut focus les rouges, c'est ceux qui ont le moins, faut les mettre à zéro. T'inquiète, je suis en train de les vider là. C'est toi l'ananas là? Non, moi, je suis un ananas là. Mec, ils ont plus rien. Incroyable. On est bien en vrai là. Venez réceptionner, moi je les sors des rouges et quelqu'un vient réceptionner. Vas-y, je passe à la maison. Vas-y, moi j'essaye de ramener des œufs. Tu vas juste devant le truc des rouges et je te les envoie. Je te vois, je suis à droite là. Ok, moi je défends. Ah mec, fais des passes. Y'a plus rien chez eux. Si, il ramène un doré là, revends le doré là qui vient de tomber. Mais celui-là il est dur. Non, en fait celui-là il se fait focus par tout le monde du coup. Les gars, je défends. C'est bien, continue. Ah ouais, le doré il est en place hein. Ça va Valous, tu prends du plaisir? J'ai le seum. Non, je te comprends mec. Bah c'est chiant parce que du coup t'es trop chaud à l'entraînement et quand ça compte. Non mais le pire c'est que j'étais dans les tops et j'ai pris la confiance hein. Aïe. Ah ouais les rouges. Ah, on est en train de se faire racketter hein. Mais je suis un rouge infiltré, je te dis, le skin ananas il est trop cheat. En vrai là je suis un rouge, je pleure. Parce que là ils peuvent penser que je suis un défenseur chez eux. Ouais, c'est vrai que l'ananas on sait pas trop. Il est rose. Alors toi mon pote, c'est comme la banane elle est orange. Merde. Mais j'avoue l'ananas il est rose. Le petit œuf doré là, c'est pour nous. Bon les gars, ça va Michou, ça se passe chez nous? Carrément, on peut arrêter de jouer hein. Oh les pauvres. Ouais, ça se passe tranquille. Ils ont arrêté de jouer, ils font quoi les pauvres? Les rouges ils se battent entre eux hein. Là ça fait mal hein. Point d'exclamation Scuff. Regardez comme elle marche bien la manette. Regardez les gars, si sur Fall Guy vous galérez à prendre les airs, regardez. Si on fait top 1 c'est grâce à la manette les gars. Bien sûr hein. Uniquement grâce à la manette. Bravo, beau travail. Mais je me sens plus à l'aise depuis qu'il y a plus Valou, je sais pas si. Bah c'est vrai que là on dirait qu'il y avait une cohésion hein. C'était flic mec, mais l'équipe rouge avait un œuf à la fin. Bah tant mieux. C'est non mais bonne strat. Avec Valou, je suis pas sûr qu'on serait passé quoi. Très bonne strat. Ah putain, t'es à toi de me suivre. Ça passe. Première game, je la rate, quoi, j'en reviens pas, les gars. Valouz, il va faire une photo Insta tout nu. Commencez à réfléchir, hein, on va lui faire du sale là. Valouz. Attends, non, pas ça. Il avait désactivé le micro à ce moment-là? De quoi? T'as pas entendu au début avant qu'on lance? Que c'était la vie, que c'était tout nu si. T'as pas entendu? Je vais plus parler, les gars. Franchement, si je prends une immunité, je suis heureux. Immunité, c'est bien. C'est vraiment chill. Immunité du coup, genre même après si tu perds deux fois l'affilée après tu peux troll du coup, après tu peux te focus les autres. Tu peux attraper les autres et tout. Le mec a l'immunité, il focus Valouz techniquement, comme ça on passe vite à Master Kill. Pardon de fou. Non mais les gars, laissez moi jouer à Fall Guy s'il vous plaît. Moi c'est le seul jeu où il va être bon. Mais c'est vrai, du coup tu joues pas du tout au Battle Royale. Non. J'ai pas joué de la saison là. Oh. Gotha, vas-y, y'a tellement de gens. Hein. C'est toi qui m'aggrave en premier. Ouais, mais c'est un réflexe. Je crois qu'il y a un cheater, non? Non, on l'aurait vu. Non, je pense pas. Y'en a pas un qui fait des slides chez lui depuis tout à l'heure? Tu sais que maintenant y'a des cheaters. Y'a des cheaters, ils se cachent jusqu'au dernier round. J'ai fait me prendre un coup de karma. Ah, Michou, c'est quoi ton skin? C'est le multi. Oh, j'ai eu de la chance. Tiens, et pour ceux qui veulent nous rejoindre et qui veulent revoir la vidéo justement d'explication de la manette Scuff, elle est disponible sur le Twitter de Gotha, je crois. Tu l'as tweeté, je t'ai vu. Donc allez-y sur son Twitter, n'hésitez pas à mettre le lien sur le chat, les modos vous connaissez. Et on rappelle qu'il y a deux manettes là à faire gagner. C'est la participation juste durant la première game. Et pour l'instant bah ça se passe bien. Bah Gotha ça tombe. Mais non. Oh l'enculé. Bien pour karma. Ouais j'ai très peur là, je t'avoue. Oh, j'ai carrément sauté au-dessus du truc gros. Oh qualifié. Okay. Mais attendez, mais on va aller tous en finale là. Sauf un, ouais. Sauf un, ah oui, c'est vrai. Je suis en PLS. Le pauvre. En plus, t'es morto, du coup, t'as l'attente et tout. Là, tu chauffes pas, tu vas être froid. Valouz, t'es un peu un viewer. Je suis un peu un viewer privilégié en vrai. Et en plus, j'ai une scuff. C'est régalé quand même, un viewer. Oh yes. C'est stylé le Fall Guys quand même. Même en groupe, il est cool. Franchement, il est tellement bien. Oh, c'est la finale. Bonne chance, messieurs. C'est la course. J'ai jamais gagné cette map. Jamais gagné. Il m'a dit tout à l'heure c'est sa map préférée. C'est ma map.
Oh bah non, je commence derrière, j'ai le seum. Par contre, j'ai vu que c'est Dwag qui commence bien là, non? Ouais, mais je crois que Dwag et Gotha, vous commencez très bien. J'ai jamais gagné tous les deux. Hein. À chaque je suis fois. Un débile, faut aller à droite. Boule. Non, non, à chaque fois on me dit ça, c'est les infos de chat. Ça. Je te jure qu'il faut aller à droite. Non, je vais aller à droite, je vais me prendre deux boules, je vais faire ah dommage, pas de chance. Ouais, voilà, c'est ça. Okay, bah là, faut sauter ou pas? Non, je suis tombé. Ah non, mais fallait aller tout droit. Non, mais pas tout de suite à droite, Gotha. C'est d'abord tu vas tout droit et ensuite tu tournes un petit peu. Oh, c'est R2 ou L2? C'est R2 ou L2? C'est triangle. Non. Oh, ah, c'est mort. C'est mort pour moi l'immunité. Là c'est Michou. Ah, j'ai qui envie de te bloquer bien, Michou, gros, j'ai juste une envie de t'agripper là. Non, on veut du top 1 là, ça peut être bien du top 1. C'est pour te laisser briller mais. Allez Michou. Allez Michou, mais tout le monde croit en toi. Il va la rater, t'inquiète, il va la rater. Oh t'es bien, t'es bien. Allez Michou, t'es deuxième. Aïe, non, ils l'ont. Oh, je me suis dit, en plus, Valouz, il l'a dit, hein, tu peux, faut y croire. Mais faut y en croire. Fait, je l'ai vu sauter, je, me suis dit, vas-y, je sais pas, je saute et non, fallait pas. Cette épreuve-là, il y en a beaucoup qui te choquent. Moi, des fois, je la gagne alors qu'il y a 5 mecs devant moi. Et les 5, ils se foirent. Bah voilà, comme quoi, faut toujours y croire, ça sera la leçon de cette première game. On fait le tirage au sort, comme ça, nous, on récupère le chat pour la suite, s'il vous plaît. Donc, on va annoncer les gagnants à l'écrit sur le chat. Je les dirai aussi oralement, comme ça, voilà, vous savez à qui partiront sur les manettes. Et nous, on repart direct, Valouz, ah oui, attention. Hein. Tu repères une game. Non mais repère les gars. Qui a quitté? Ça a bugué je crois. Je pense que bah c'est Dwag. C'est Dwag, c'est pas moi. C'est moi les gars, j'ai plus envie de jouer. Non, tu peux me réinviter Gotha. Fais triangle. Invité Dwag B, attends, je t'invite là. Oh le boss. Ok. Donc ouais Valouz, moi je te le dis Valouz, j'ai envie qu'on s'entende bien toute la soirée, même sur Master Kill. Putain mais t'imagines je la première je... première gros, j'ai trop la pression. Eh les gars, je vais pousser Valouz. Je vais le pousser. Voilà. Moi je te fais aucun mal, Tu vois, je rentre pas dans les complots des autres. Je... Allez, c'est quoi ton skin Dwag B. Gotha il me regarde avec les yeux, de gros, j'ai peur là. Non t'inquiète. Bah, en fait, moi je suis en train de me dire, si je l'emporte avec moi. On se prend tous les deux un point, sauf qu'il lui passe à deux. C'est ça. Ah bah non, oui, mais vas-y, ça reste. J'ai trop aussi. C'est ça. Trop mais smart. Après, il y a le Master Kill, donc attention. Non, sinon, Pierre, si on est deux exécutifs. Bah après, Valouz, c'est pas un très gros adversaire. Vaut mieux, sur Master Kill, vaut mieux avoir tout le monde. En fait, je me fais bully. En mode pote. Fallait pas prendre le premier point, parce que ça serait tombé sur quelqu'un d'autre, ça aurait été la même strat. Ah ouais. Là, c'est. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, ça fait peur quoi. Ouais, j'ai trop peur, bordel. Tu peux monter la voix de Gotha juste un petit peu dans mon casque? Je sais pas si ça va pour vous. Mais sinon, moi, c'est nickel. Ça fait plaisir de reprendre en plateau. Ouais. Tu vois, c'est pas la même sensation. Parce qu'on a quand même beaucoup joué ensemble, là, c'est dans les temps online. Ouais, bah coup, mais en fait, en vrai, on a fait des trucs insane quand on était online. Du coup, on a eu des pilotes de F1, on a eu des joueurs de NBA, on a eu des joueurs de foot. On a tout eu, en vrai. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un feeling quand même différent. Ah ouais. Tu vois, en vrai, c'est quand même... On les recevra. Et d'ailleurs, Pierre Gasly, hein, qu'on avait reçu au confinement, qui a marqué la F1. Ah ouais, c'est insane. Avec ce Grand Prix d'Italie. Moi, je suis trop content pour lui. Hein. Franchement, en plus, il toi, c'est un collègue. Ah, mais. Trop gentil. Mais il était venu au loco jouer. Bah, je crois que c'était la dernière fois, justement. Avec Charles Leclerc, lui, il était lui là. Il était venu en physique, justement. Moi, je jouais de mon bureau et lui, il jouait en bas ici. Ça va aller, Valouz, cette map? Bah, c'est celle où j'ai été éliminé. Je sais, c'est pour ça que je m'inquiète. Donc, pour toi. Je t'avoue, là, je suis encore plus stressé. T'inquiète, je suis premier pour le moment. T'es deuxième, tu vas dire. Je me vois premier. Cette émission, elle démarre bien. Salut, les gars. Salut, mon pote. Ah, non, les gars, attendez, je suis dans le cafouillage. S'il vous plaît, poussez pas trop vite. Oh non, j'aurais pu pas. Oh, je suis bien. C'est vous? Non, je suis dans le cafouillage. Par non. Contre, j'ai vu un ananas derrière. Qui c'est qui m'a attrapé? Je suis passé. Mais je suis très très bien là. Ah, mais Valouz, t'es en stress alors que t'es vraiment. Bah ouais, je suis trop en stress là. Attends, mais t'es où Valouz? Mais gros, je panique frère. Attends, mais t'es où Valouz? Non, tu vas gagner. Non, il va se qualifier, il va se qualifier, il est bien, il est bien. Ah, c'est bon. Tout le monde est qualifié là? Ouais. Et ok, tranquille. J'étais tout devant, mais c'est la pression qui m'a fait faire n'importe quoi. Souffle un peu, mec. Détends-toi, on est là pour ça. Mais vas-y, c'est pas un joueur de LAN. On l'a perdu, non, frère. Non. C'est pas un joueur de LAN. Moi, je suis juste un petit rigolo. Hein. Bah, Valouz, là, la prochaine, il va perdre, c'est sûr. Non, t'inquiète. Est-ce que la manette sera dispo pour le format Xbox? C'est vrai que c'est une bonne question. Bah, normalement, la Xbox PS4, là, tu vois, par exemple, c'est la Impact. Tu vois, du coup, moi, elle a un design plus Xbox que la tienne, tu vois. Ah, c'est vrai. Moi, c'est parce que moi, je préfère les plus larges. Même moi aussi. Ouais. Maintenant, je me suis habitué avec. Ah oui, t'as la version comme moi. J'avoue. Ok. Oh, attends. Moi, j'ai la version PS4. Ouais. Ok, bah voilà. Vous avez votre réponse. Elles sont compatibles pour les deux consoles. Les gars, si on perd tous, ça se passe comment là, du coup? C'est un jeu d'équipe. C'est un jeu d'équipe. Tout le monde prend un point, mec. Ah ouais. C'est moi, je crois que j'ai jamais gagné. J'ai premier infecté en plus. C'est un signe.
Ah, t'es infecté là? Je crois que c'est moi qui l'ai jamais gagné, les gars, voilà, je vous préviens. T'inquiète, tu vas le gagner. T'as un 11 dans ton équipe. Mais tu sais, mais attends, mais tu. Je sais pas, moi je trouve random ce mode de jeu. Du coup, là, il y a un infecté bleu, un infecté jaune, c'est ça? Ouais, il ouais, faut infecter toute l'équipe adverse, quoi. C'est ça. Du coup, les jaunes ne peuvent pas infecter des jaunes. Non, je crois pas. Non. Ouais, enfin, je pense pas. C'est débile, quoi. Ouais, ça serait bizarre. T'inquiète, là, je fais mon taf. Hein. Et pour infecter, faut grab le mec. Tout simplement. Tu l'attrapes, ouais. Ok. Il est assez rare ce mini-jeu en vrai. Hein. Ouais. C'est ouais. Vrai qu'il est rare de fou. Attends, je suis quoi? Je suis bleu? Ah non, parce non, que là, on est jaune. On est tous jaunes. Troll pas, Gotha, troll pas. Bah non, mais moi je crevais la zone. Ouais. Après, des fois, c'est peut-être mieux de se faire infecter très vite pour être en. Ouais. Si tu sais bien infecter les gens, ça peut être une strat. Je suis infecté, messieurs. Oh, je me suis fait infecter, merde. Faites gaffe, 7 contre 4, hein, faut trouver les 4 là. Ils sont où les bleus là? Ah, mais j'ai vu un jaune, grave si Gotha. Si vous voyez quoi. Un bleu pas infecté, ah, les bleus infecté, putain. 3, 3. Oh là 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 là. Faut les call, okay. Faut les call, devant messieurs. Devant moi, y'en a un. Je l'ai eu. Au tout milieu, tout okay. Milieu. Oui, je l'ai eu, il en reste un. On est dessus, derrière toi. Nice. Let's go, les gars. Comme ça. Propre. Oh, vous dites tous à la queue-le derrière lui, le pauvre. C'est la première fois que je gagne ce mode de jeu, à chaque fois je le perdais. On a gagné en étant jaune, les gars, putain. Tu sais qu'il y a des mèmes sur Twitter sur ça, ça me fait tellement délirer. Ouais, c'est vraiment l'équipe maudite. Ouais, je te jure. Tu sais, même Fall Guys, hein, Fall Guys, ils font des tweets en mode 1 million de retweets, on delete l'équipe jaune. genre, je te jure, c'est. Ah ouais? Ouais, ouais. Un peu comme à l'époque, tu sais, avec Pokémon Go, il y avait eu ça ouais, aussi. L'équipe jaune. Ouais. Moi, j'étais équipe jaune, moi. Ah, moi, je suis ouais, jaune. Moi. Toi aussi? Ouais. Ah ouais? Équipe jaune, ouais. Frère. Ah, Team Rouge, les gars, putain. Bah, ouais, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Ça va aller ça vrai, je vais pas vous mentir, j'ai de plus en plus de pression alors que je sais que je gère ça. T'as pas avoir de pression, mais ça tu le gères mec, c'est impossible que tu meurs. Je vais, Valouz, je vais me coller non, à toi. Non, arrête. À la faute... Je vais me coller frère, à toi. Frère, la photo Insta avec le doigt dans le nez, vous êtes prêts hein. Viens là ma petite banane. Laisse-moi tranquille. C'est vrai Gotha. Il veut vraiment choper en plus. J'ai vu le regard de Gotha, j'ai juste envie de te dire cours Valouz. Arrête. Quand Gotha il a ses yeux frère, t'es foutu. Moi je dis que je participerai pas, je respecterai mon. Mais en plus, il y a même des autres gens qui m'attrapent. C'est ma carte. Tout le monde focus la banane. Allez, une mette en plus pour celui qui fait tomber Valouz. T'imagines serait... Mais en vrai, ce serait plus drôle que Gotha perde parce que ouais. Gotha, toi, t'as le profil à mettre des photos pro. Alors que Valouz... C'est vrai wow. Que Valouz, ça peut faire partie un peu de son trip. Regardez-moi, Gotha, il me chope. C'est vrai que chez Gotha, c'est Adidas. C'est oh, voilà, mais attends, c'est... je me fais. Non, il y a du stream hack là, il y a du stream hack, les gars. Il y a du stream hack, il y a trop de gens qui nous grabent. Attendez, mais Valouz est tombé, les gars. Non, je suis pas tombé, frère. J'ai exactement le même style. Attends, que mais toi. Je vois pas le bas. Ah si, t'es là, t'es là. Oh non. Sur la plage. Sur la plage. Je l'ai vu voler. Je l'ai vu voler. Direct. Let's go. Mais comment tu fais, Valouz? Mais gros, je sais pas, gros. T'es vraiment. Mais là, y'a personne qui t'aggrave. On t'a rien fait. Mais si, y'avait des gens qui me chopaient, gros. Non, on t'a rien fait. Sur la fin, quand t'es tombé, personne t'aggrave. Moi, j'étais trop loin. Des excuses. Mais pourquoi j'ai raté ça, gros? Valouz. Et je le fais 100 fois. Oh. Mais oui. Tu l'as réussi 99 fois. Voilà. Bah voilà. Non, j'ai trop le seum. Ah, level 31, ça. Oh, ouais, j'ai trop le seum. Le chat, vous avez jusqu'à la fin de cette game pour nous donner des petites idées. Ouais. Justement. Aidez-nous, les gars. Sachant qu'il doit être tout seul sur la photo, on doit pas contextualiser ou quoi que ce soit. On va saccager son Insta. Ah, on va le détruire, frère. Oh, c'est honteux, non, j'avoue que t'as pas fait d'effort. Ah, ouais, je m'attendais pas à ce que ça se finisse en deux games là. Non, mais moi aussi, hein. C'était un peu trop simple. Oh là, les gars, faut qu'on gagne. Ouais, si on gagne, on est 6 en finale. C'est pas beaucoup. Hein. Et vraiment, en plus, hein, j'ai l'habitude d'aller souvent en finale. Hein. Ok, 1-0, les gars. GG, ça. Excuse-nous, Valouz, mais on est en game. Hein, donc, Ouais, si tu pouvais arrêter de parler. Tu spam le vocal là, tu me déconcentres. En fait, le problème pour Valouz, c'est que ça va le stresser. Oh là, là-bas, il fait quoi notre pote? Ça va le stresser, même pour le Master Kill, du coup, le fait qu'il s'est fait laver. Non, Master Kill, non, t'inquiète. T'arrives à dissocier? Même Royal Rumble, t'inquiète. Arrête. Non, t'inquiète. Fais gaffe, allez, défenseur. Oh, c'était moi là en plus. Oh non. Oh, elle est belle, elle. Ils nous ont mis un beau but. Ouais, il a mis un beau but, c'est vrai. Focus. Vas-y, foncez. Je la ressors. Elle ressort. La deuxième balle, vous l'avez? Parce que moi, je suis pas sûr. Ok. La première, celle de droite, elle va chez eux. Magnifique celle de gauche. Je vois moi, je reste en défense. Moi. Ok. Putain, mais lui. Après, je crois qu'il y a un mec qui défend chez nous. Vas-y, je vais attaquer avec vous parce que si on est deux défenseurs. Ouais, ça va être difficile qu'on passe. Ok. Oh. Ok, c'est dégagé chez eux, les gars. C'est magnifique, beau là. Magnifique. C'est très beau ce qui se passe. Allez, je reste milieu de terrain, moi. Je vous laisse avancer. On pousse en force, hein, ça va finir par rentrer. Exactement. Magnifique cette tête là. Oh, Mimi, je suis contre 4 personnes, regardez. Je suis là en soutien. Oh, elle est belle. Il était bon lui, il a géré. Ok, je sais de réceptionner. On a une belle équipe. T'as l'engage? Ouais, je sais. N'ignorez pas la deuxième balle. Ah ouais, n'ignorez pas la deuxième balle pour autant. Là, c'est terrible. Oh non. Ça pique ça. Oh non. Oh, s'il la sauve, c'est un frère. Non. Okay. Oh non. Les gars, ça arrive encore. Les gars, vous encore. Êtes... Non, mais.
Ah mais c'est un crack de l'engagement gros. J'ai fait n'importe quoi. Non, le pro, vous étiez deux sur la même balle. Bah oui mais mec moi j'ai dit j'avais un engagement. Ouais c'est vrai, c'est de ma faute, c'est de ma faute, il l'a dit. Ça va aller, après le cheval en face c'est un crack de l'engagement les gars. Il nous reste 40 secondes. 40 secondes, on a juste à marquer 1 pour égaliser. Surtout qu'il y a deux balles chez eux donc ça va les stresser. Il y a bien... okay, ouais, c'est okay. Bon, il y en a qui va. Non, pas trop vite. Et regardez le joueur décisif qui vient mettre une tête plongeante. Allez, vas-y, continue. Dwagby, quel attaquant. Allez. Ils sont stressés, ils sont 4 dessus. Michou, tu l'as peut-être. Oh là là, elle est belle. Quelqu'un dans l'axe. Oh non, ça revient. Michou, je t'ai vu. Ah, j'ai fait de la merde. Oh là là, ça s'approche un peu trop de nous, je la dégage. Les gars, j'aime pas trop ce qui se passe. J'ai dégagé. GG. Ok. Celle-là au milieu, elle rentre. Gota, tu peux pousser l'autre? Ouais, je la pousse maintenant. Ok, je la repousse. Celle-là rentre. Magnifique, Michou. Ça arrive sur toi, Michou, ça arrive sur toi. Je prends l'engage, y'a personne. C'est bon, hein? Ouais, mais on sait jamais. Oui, ça rentre! Bien joué. Sécurisé, ça. Bien joué. C'est qualifié. Ah. Vous êtes forts, les gars. Et les gars, on est 6 en finale. C'est beau à regarder, hein. On est 3 en finale. Ouais, on est pas beaucoup en finale, là. Ça va être une belle finale. Oh, attends, c'est la trappe que là. Tu penses? Je kifferais les plateformes. Je pense que c'est là où on a le plus de chances de win. Hexagone? À l'hexagone. Ouais. Hexagone à 6. Bah attends, faut se dire s'il y en a un qui gagne là entre nous, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a plus le délire d'immunité, on a déjà ah, là c'est le beau jeu les gars. Non, c'est le beau jeu. Bah non, mais il y a un truc pour le master kill. Moi je suis chaud, faut qu'il y ait un truc. Juste pour une game. Pour la première game. Celle qui coûte pas trop cher. Tu veux créer un, vas-y, peut-être. Écoute, faut que t'aies envie de gagner quoi. De connexion. Vas-y, c'est vraiment pas mon jour. Oh non, t'as été déconnecté du serveur. Quoi? Du coup nous aussi. Ouais, nous aussi. Attends, peut-être pas. Moi j'ai le message moi. Ça se trouve toi tu l'as pas et t'aurais une finale. Si on est déconnecté, c'est sûr. Ah, je pensais tout le monde. Oh non les gars. Je peux rien faire en plus. Oh non! Je retour lobby! Moi j'ai un espoir. T'es retour lobby? Les gars, on a tous le seum là. Ah non! Je vous porte la poisse, les gars. Moi j'ai un espoir, y'a pas de message. Moi j'ai le message déconnecté, tu as été déconnecté du serveur. C'est ça, ça sert à rien, c'est terminé. Comment tu sais? Au pire, les gars, on peut pas faire un remake. Y'a des gens qui ont déjà eu des bugs et genre ils étaient finales à 2. Il négocie déjà. Gota, t'es joueur? On peut faire un remake de cette game. Ouais, je suis joueur, mais je suis joueur sur Fortnite, t'inquiète, on y va après si tu veux. Oh non, pas comme ça. Oh, pas comme ça. Bon, l'histoire raconte qu'on a gagné la game quand même. Franchement, si t'étais level 10 ou quoi, je t'aurais fait une fleur, mais là t'es level 31, Valouz, tu connais, c'est des niveaux quand tu meurs pas. Non, mais en plus, tu faisais trop le mec. De ouf. Tu faisais trop le mec trop fort. T'étais confiant, t'étais trop confiant. Parce qu'en plus t'es mort sur des niveaux. Ouais, j'ai pris un karma absolu là. Qu'est-ce qu'on lui fait faire justement sur la photo là? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Let's go, c'est le gage là. Rappelez-vous qu'il a 1 million d'abonnés sur Instagram. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a moyen de lui faire faire du sale. Et d'ailleurs il y en a plein qui réagissent par rapport au décor, etc. Vous trouvez ça magnifique, bah ça nous fait très plaisir. Ouais. Il y a quand même un beau travail de fait justement des équipes là pour justement démarrer la saison avec une nouvelle ambiance. Photo Insta skin banane. Il y a beaucoup de skin banane. Ouais. On l'a là, tu l'as le truc. Comment banane ça? Genre je m'habille en banane. Non, parce que moi je m'habille en banane. Il y avait le truc banane qu'on aurait pu peut-être trouver. Non, mais ça il aime bien Valouz, il avait pas l'air gêné. Ouais, ça c'est facile, c'est trop facile pour Valouz. Comment ça c'est trop facile? Faut un truc qui le met pas en valeur du tout. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Qui sont les gagnants? Maillot de lance pour un Lillois. Oh non. Ça on veut pas lui faire ça, il a de la chance, on l'a pas. J'avoue que j'ai pas le... Non mais j'avoue... on peut lui écrire un truc sur le front et prendre une photo comme ça, y'a un mec qui a dit ça. Non mais tu vas écrire quoi? Ah bah un truc... On fait quoi? On fait ça après? Je sais pas, moi je sais que je peux avoir... on peut trouver des idées en attendant pour plus tard, mais je sais pas quoi pour l'instant. Ah, allez-y les gars, maintenant. Et moi je suis chaud, tu trouves une bonne idée. Un petit Valouz en robe, hein. Y a pas de robe. Attends, il y a Dobby sur le chat, il est fan. Dobby? Ah ouais. Il est fan de Lost. J'ai pas vu le message. Ah cool. Il a dit il est fan de Lost, genre tu dois faire une photo Insta ou tu les descends. Oh, Lost? Ouais. Mais t'es ouf. Bah, sans comme ça. Comment ça je les descends? Bah tu dis vraiment j'en ai marre, ça fait plusieurs années que je suis cette équipe, elle est exécrable. Tu sais les mêmes adjectifs que ton niveau que t'as proposé ce soir là. Donc exécrable, en dessous des attentes. Au pire il peut carrément faire une vidéo Insta. Attends. Ou alors on prend son téléphone, on check les photos et on choisit une photo tous les trois qu'on lui force à poster. Ça c'est incroyable. Et il y a des photos cheloues dans après, téléphone. Après t'inquiète, on... on choisit une photo de son téléphone, on dit celle-là tu la postes. Et limite on met un tuto dans la description marrant. On veut faire ça, tu nous autorises? C'est très bizarre. On fait ça après. Pourquoi après? Il doit checker avant. Qu'il n'y a pas de nude ou quoi? Je peux même mettre mon téléphone genre sur ton truc. Non, bah, okay. Je le fais maintenant. Maintenant? Bah, y a tout le monde en live, ils vont tous réagir sur Insta et tout. Là, c'est le moment, tu vas même passer le million, ça se trouve. Passe-nous le téléphone. Limite, tu passes à Michou si tu veux que. Futur papa. Ah, j'avoue qu'à un moment, moi j'ai eu ça, c'est. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'en fait, tu reçois des messages des gens qui regardent pas l'émission. Non, en vrai, on l'a déjà fait. J'ai déjà fait une blague sur ça. Parce qu'il y a la famille qui réagit. Vas-y, il y a la famille. On peut laisser Michou. Ouais, je comprends. Vu que c'est le poteau. Michou. Vas-y. Tiens.
Ok. Tu nous fais une belle sélection. Je dois choisir là. Ouais, tu choisis une photo et il a pas le choix, il doit la mettre sur son Instagram sans chipoter. J'ai trop peur. J'ai un peu de pression là. Toi, t'es du genre à prendre des photos de temps en temps un peu. Ouais, je fais des photos de tout, le rien, même des screens de tout. Des photos. Non, arrête, montre pas. Il y a des photos, j'aimerais comprendre. Allez, partage un peu, partage avec le stream. Rien que ça, c'est un gage. Il regarde mes photos. J'avoue que moi, en vrai, je poste très peu de photos. Je suis pas mec, j'envoie des photos ou quoi. Donc moi j'avoue, je peux être passé au portable, c'est pas, c'est pas des photos de moi ou autre, hein. Y a beaucoup de photos de situations bizarres, ouais. Tu vois. Comment ça genre des soirées, tu vois, genre... Ah oh, mon dieu. Il y a plus de fichas de moi et d'Inox que des photos de Balouze. Oh, il garde des dossiers, profite pour supprimer quelques trucs. Je baisse ma casquette, les gars, j'ai honte. Oh, il y en a qui disent une photo avec la manette SCUF. Non, le but c'est pas de lui faire faire une promo déguisée, tu vois. Ah non, un petit gage sympa. J'avoue, c'est pas très. Ouais, donc @gotaga pour le code. Mon Insta c'est Gotaga aussi. Je le pub tous. Code créateur Gotaga, n'hésitez pas à donner qui met sa pub, mais non. Et Michou, si tu veux du dossier, il faut aller vraiment tout au loin. Hein? Remonte. Tout au loin. Tout au loin, vraiment. Là, j'ai les loin. Photos d'Inox, mais on va afficher Inox. Ouais, non, non. C'est en Corse. Ah oui, c'est vrai. 70 000 viewers. Ils avaient pris Inox en caleçon en photo. C'est méchant, ça. C'est pas à son insu. C'est pas moi. C'est une passion. Moi, je te dis, tu descends le club de foot, là. C'est... Mais c'est dur, ça. Ah ouais, mais ça fait mal au cœur. Ouais. Allez, gars, j'ai dû mettre un genre, une poire à lavement, comme ça, sans rien dire. Comme ouais, ça, mais, hop. Ouais, mais comme il a dit, regarde, moi, je suis un mec qui doit poster des trucs pro, etc. Poire à lavement, comme ça, là, pop. T'as quand même énormément négocié, ce jour-là. Ouais, je devais en poster 13. Il avait... Non, sur ça te faisait très chier. Et là, Michou, il est en train de regarder toutes mes photos. J'en ai une, elle est pas mal, mais... Les gars, faut qu'on se concerte. Propose en deux au chat, si tu la montres à la caméra, et on vote un ou deux. Tu vois ce que je veux dire? Avec le chat, on partage ça tous ensemble. Regardez celle-là, vous me dites. En vrai, c'est mignon, c'est mignon. Ouais, c'est limite trop gentil, quoi. Ouais, mais quoi les gars, regardez, il y a pas des trucs de fou. Attends, il nous a dit, attends, c'est toi qui devais regarder, tu vois. Attendez, comment ça, c'est mignon. Bah après, s'il veut nous partager tout ça... C'est vrai, quoi. Il y a plus des fichas sur les croutons que... C'est fou, ça. C'est pour ça qu'il a accepté le défi. Il savait que genre... Il était sec. Non, vraiment, j'ai des fichas dedans. Il a rien. Si, j'ai des fiches. Pourquoi vraiment t'as pas une photo? J'ai pas. Lâchez qu'il y en a sur le chat. Moi, je me prends jamais pas beaucoup faire ce genre de défi. Je me prends pas beaucoup en photo. Mais moi, déjà, lâchez mon téléphone moi, comme pas, ça, ouais. J'aurais bégayé, moi. Des fois, je fais mon sport, je me prends en photo torse nu. Après, tu sais, c'est trop gênant. Toi, c'est vrai que c'est plus ce genre de truc. Contre avec les abdos à fond, là, en mode. T'as pas un petit truc là qui... Non, il a rien. Ouais, mais rien contexte, du tout, là. Les gars. Ah, les gars, ça a été accepté. Ah, t'es professionnel. Là, il y a une photo de... On dirait un pervers sexuel. Oh, c'est quoi, comment ça, on dirait un pervers sexuel? Pardon, j'ai oublié que t'es là. Celle-là, elle est jolie, mais... Ouais. C'est trop des photos normales. Moi, je m'ingraphie sur le coup. Dans son appareil photo, il y a un truc qui va pop avec le maillot de Lyon, et c'est nickel. Non, c'est Lens. Le Rivaux. Mais voilà, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. En plus, il n'y a pas de contexte. Ouais, mais ça fait... Ouais, mais ouais. Montre non, ça va, mal. Ça fait ton personnage. Montre-la au chat. Mais je pense c'est en fait, Balouz, il a trop ce personnage troll. Mais ouais, du coup, elle est pas. On met la caméra chat de Michou en grand. Sinon, tu mets sur ta cam, devant sur ta cam. Webcam, ouais. Zoom un peu. Attends, c'est zoom un peu. Non, mais elle est très bien celle-là. Elle a aucun contexte. Ouais, c'est vrai. On dirait qu'il s'est fait. Attends, les gars, je vous assure, sur son portable, il est clean. C'est un mec super pro, Balouz. Il y a rien. On a regardé. Ouais, son portable, il y a vraiment rien. Il y a rien. Et tu mets ça en mode allez l'OL en même temps. Elle est très très. Absolument. On a dit que c'était Lance. Non, pas de truc sur le couple et tout, les gars, c'est pas sympa, tu vois. Non, on reste dans la thématique du fun, mais putain, il y en a qui disent trop beau, comment ça trop beau? Trop beau. Elle est validée, on me dit. Après, c'est un petit gage comme ça, ouais, les gars, y a rien d'autre. En vrai, c'est un peu le résumé de ce que t'as fait là ce soir, ouais. T'as Valouz, t'as de la chance, hein. Là, c'est pas, il a de la chance, c'est quelqu'un de pro, il a pas de photos comme ça sur... Voilà, hein, c'est un crack, hein. Bah, ça va partir sur ça, alors. Hein. Limite, poste-là pour lui, hein. C'est validé par le chat, attention, c'était l'histoire, c'est l'amuse-gueule, c'est l'entrée, vous voyez ce que je veux dire, c'était l'histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche. Maintenant, on va passer au Master Key, on va se connecter tous à Fortnite, et là, ça va parler une autre langue, surtout que Balouz, il a des choses à prouver maintenant. J'ai mis un petit allez lance, quoi. Ouais, putain. T'es le qui pense que ça. Ah, on me dit opération réussie. Mais non, ça y est, c'est posté. C'est nickel. Je crois que c'est posté. Je crois que c'est posté. Tu viens de le poster, là? Non, c'est pas posté, non. Fallait pas. Tu peux partager sur Twitter et c'est nickel. Ouais, si c'est posté, je suis sur le compte, je l'ai. Ah ouais? Montre, c'est quoi du coup? Mais pourquoi il a mis allez l'OL? Mais non, c'est pas. On a dit que c'était Lance. Tant mieux. Ouais, il aurait mis allez l'OL. Ah ouais, c'est vraiment. Non, tu peux t'éteindre, mais allez Lance. Allez Lance. Mais c'est quoi cette photo?
Mec, pourquoi t'as pris ça? J'avoue que j'aimerais comprendre. T'as fait quoi? C'est posté, vous pouvez aller checker vous-même sur le Instagram de Valouz. N'hésitez pas à vous abonner en passant. Voilà, comme ça, ça lui fera peut-être... Ah ouais, ça y est, je vois. Ok, ok, parfait. Dépasser le million. Ah, merci les gars. Valouz, je te rends ton téléphone. Allez, merci les gars. Magnifique. Nous, on va du coup passer... Oh, cette légende aurait été parfaite quand je regarde un match de Lille. Ça, c'était bien, parce que du coup, ça n'avait pas une promo pour une autre équipe. Ça, c'était pas mal. Pourquoi vous n'avez pas eu cette idée plus tôt? Mais ouais, les gars, putain, c'est dans ce genre de moment qu'on vous demande. Ah, tiens, on me demande les deux pseudos des Maneskov, si on les a. Je veux bien les dire aussi oralement, ouais. Parce que au moins, tout le monde sera au courant. Est-ce qu'on peut nous confirmer ça en régie? De toute façon, les modérateurs ont les infos aussi, donc on va vous les mettre. Attends, ce qui paraît, il l'a mis trop. Sérieux? Là, t'as pas le droit de changer. T'as pas le droit de changer. Il l'a vraiment c'est encore mieux. Je l'ai mis trois fois avec trois équipes différentes. Allez, l'OL, allez, Lens, allez, Paris. Je trouve ça tellement plus drôle. T'as la ligne du haut. Avec les camas. C'est tellement plus drôle. Oh mon dieu. Bah, merci en tout cas, l'équipe. Allez, hein. Bravo à Wood Keio et Rika 142. 142 GG, les gars. Sixtra vous l'a marqué sur le chat. Wood Keio et Rika 142. Vous êtes les deux grands gagnants de ce petit concours SCUF totalement improvisé, mais c'est les lives, c'est le retour, on est heureux, on vous en fait profiter aussi. Et là, on passe sur un jeu. On passe au Master Kill. Aïe, aïe, aïe. Tout va bien. On y va, on oublie qu'il y a. Je crois qu'en plus, on a encore notre générique là. Putain, et tout à l'heure, je l'ai vite fait entendu pendant qu'il préparait l'émission. Ça te hype direct. Oh, vas-y, envoie. Allez, c'est parti, générique. Oh, baby, that was quite a punch. Can somebody check my pulse? Peut-être faire l'exploit et sauver l'équipe Mikado. Oh, il est chaud. Oh my god. C'est fluide. What the fuck. Le Master Kill est de retour, mesdames et messieurs, avec une line-up de folie. Valouz et Michou. À vous, avec la musique, ouais. Quand tu t'entends commenter en même temps, ça te remet directement dedans. J'avoue, là, j'ai envie de faire du c'était Fortnite. C'était il y a plusieurs mois, le dernier épisode. Décembre. Et franchement, vous avez... On n'a pas rejoué à Fortnite, même en online. Non, décembre. Vous avez été très, très, très nombreux à nous le réclamer. C'est sûr. Alors après, je vous préviens d'avance, surtout la communauté Fortnite. Là, c'est parce qu'on a la chance d'avoir justement des très bons invités qui aiment bien jouer à Fortnite. Oui. Parce qu'actuellement, le truc, c'est que... des invités aujourd'hui qui jouent encore à Fortnite, il y en a c'est de moins en moins. C'est devenu tellement élitiste, devenu tellement dur. C'est ça, il y a des gens, des fois, on leur propose des missions, ils sont trop chauds, on leur dit ouais, en plus Fortnite serait cool. Fortnite, désolé, en fait j'ai un mariage ce jour-là, c'est chaud. Non, c'est vrai que c'est compliqué, donc vous habituez pas, ce sera pas toutes les semaines, donc des fois il y aura du Fortnite quand justement nos invités seront chauds comme vous de jouer à Fortnite. Et merci encore d'ailleurs de vous être rendu disponible, c'est super cool. Et ça fait plaisir aux gens, vous, franchement, gars. Le nombre de personnes qui. Donc en même temps, vous pouvez voter dans le chat, hein, là je vois que ça commence à spammer. Donc, point d'exclamation, Master Kill, et vous rajoutez le pseudo derrière, rappelez-vous, hein, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. Il faut voter pour la personne qui va perdre, selon vous. Tout le monde vote Valouz. Point d'exclamation, Master Kill, Valouz, Gotaga, Dwagby ou Michou. Pour ceux qui me connaissent, je joue pas du tout au Battle Royale. Moi, je suis un joueur de donc créatif. C'est le vote facile. Et ouais, le Battle Royale, ouais. Après, je vais essayer, hein, je vais essayer à mon max. Après, pour ceux qui nous connaissent, quand je suis dit on n'a pas joué depuis décembre, vraiment, il n'y a même pas eu de... Non, toi qui fais un peu... Moi, je trouve que c'est le chaud d'entre nous. Hein. Mais du coup, ça va être intéressant. Ça va être équilibré. Non, ouais. Après, rappelez-vous, si jamais il y a un joueur qui est vraiment en dessous, on peut lui mettre un petit bonus. C'est qu'il, on peut les doubler en termes de points. Pour l'instant, il n'y a que Valouz qui pourrait, après en la game test, y avoir le droit. Valouz se débrouille quand même, il a un bon c'est foot. C'est pour ça. Et les réas rapportent des points. Donc je me dis, s'il commence à faire 4-5 réanimations, ça peut nous foutre dans la Je vais jouer soutien, là, en fait. Mais bref, ce que je vous disais, parce que j'avais pas fini, juste... Chaque semaine, il y aura. Dites-vous, la semaine prochaine sera sur Warzone, la semaine d'après sera sûrement en multigaming. Et si on a la chance d'avoir justement des gens qui veulent jouer à Fortnite, il y a peut-être des lundis où ça sera sur Fortnite, c'est tout simplement. Donc on peut vraiment jouer à tout, tu vois. Ça se dépendra, sera pas fixe sur un jeu chaque lundi. Mais en tout cas, content de voir que vous êtes aussi nombreux. Je m'attendais pas à ce que vous soyez. 72 000 viewers là actuellement en pic. Je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Merci. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'émission à lundi. Donc merci à tous. J'espère que la rentrée s'est passée bien pour tout le monde, parce que la plupart d'entre vous, je pense, ont eu la rentrée. Que soit le taf, les cours, sorti aussi du confinement pour beaucoup. Ouais. D'ailleurs, ça s'est passé comment? Parce que rappelez-vous, hein, Master Kill, c'est aussi le moment d'en parler beaucoup plus en long et en large des sujets avec nos invités. Ouais. Comment s'est passé un peu le confinement et l'après-confinement pour toi, Michou, tiens, par exemple?
Moi, confinement, bah en fait, normalement, je suis jamais dans mon appartement. Ouais. Donc en vrai, je l'ai grave bien vécu parce que du coup. Tu t'es retrouvé un peu ? Ouais, c'est ça, j'ai découvert mon appartement, gros. Ça faisait 5 mois que j'étais dedans, j'ai redécouvert des pièces. Et tu venais mais... d'emménager, toi, il n'y a pas si longtemps ? Ouais, ouais, je venais d'emménager. En vrai, ça s'est bien passé. En plus, on a la chance d'être. De vivre avec internet, donc en vrai pour nous notre métier c'était pas trop dérangeant, c'est vrai. Balouz, toi? Bah moi en vrai je l'ai bien vécu parce que j'ai déménagé en janvier. Et toi t'as un jardin et tout? Oui, j'ai un jardin et tout. J'ai déménagé en janvier et en fait en gros le premier mois j'étais dans les cartons, ensuite on est parti au Canada et en revenant du Canada il y a eu confinement et j'avais pas encore découvert ma maison. Ah bah putain, ok, comme quoi. Non mais c'est trop bien tombé pour moi. Carrément, carrément. Et quand t'as fait tout ce côté où tu déballes les cartons etc, genre est-ce que il y a eu quand même un moment comme la plupart des gens en mode bon j'ai envie de sortir quand même, ou le fait que tu sois dans ce monde du gaming c'était en mode bon osef, tu vois. Non mais vu qu'il y a eu les vacances au Canada en plein milieu, ça m'a carrément coupé et quand je suis revenu il y avait encore un petit peu de carton, mais j'ai pu carrément kiffer mon jardin tout ça, plus j'ai une salle de sport tout ça. Donc, C'est vrai que vous avez pas trop stoppé les projets vous pendant l'été en vrai de vrai, parce que vous êtes aussi parti avec les croutons. Ouais. Vous êtes parti où? Tiens, c'était quoi les voyages? On est parti en Corse. Oh la folie ça. C'était incroyable. En Corse, toi, Gotha? Jamais. Je suis allé à Calvi mal, hein. Au festival. On était à Calvi. Nous. Oh, la plage est de la longue plage. Je recommande, mec. Ouais, c'est incroyable la Corse. Ah, c'est incroyable. C'est, franchement, c'est lourd. Et surtout qu'à la base, on ne devait pas partir en Corse. Ok, c'était où la destination de. Tu veux pas dire que c'est une future destination? On est là pour avoir des exclus. On veut des Intel. On a tellement de destinations. Ouais, on a trop de destinations en tête. Donc on ne sait pas encore, mais en gros, on hésitait. C'était Tahiti. Ouais. À la place de la Corse, hein. Normalement c'était Tahiti ou c'était Mexique, c'est ça? Ouais, Tahiti ou Mexique. Et au final c'est la Corse. Parce que Tahiti ça faisait vraiment vacances d'été. Ah bah tu vas à Tahiti, tu vois, ça fait un peu un rêve, tu vois. Ah genre, tu et Mexique c'est la culture. Ouais. Ah non, j'avoue que les deux, j'y suis jamais allé. J'avoue que moi aussi j'aimerais bien y aller en vacances ou même si tu sais les fois où t'as les opères Los Angeles machin, tu sais avoir une petite opère au Mexique, même pas. Tu vois genre trop bien. Ouais hein. Mais ouais non mais tu non, profites on y plus va, parce que on rentre parce que tu connais maintenant tout, tu vois genre t'as jamais fait 2-3 encore où t'as des jours vraiment chill. Non, E3 j'ai pas fait. On a déjà fait ouais, des petites E3. Non mais voilà, dans et les du coup jacuzzi, on connaît. Tu peux voilà, tu peux un peu chill en général parce que surtout que le 3 t'y vas pas toute la semaine, tu vois. Ouais. Et avoir ce côté un peu Mexique, j'avoue un jour avoir une LAN, change, une OP hein. Ou un truc à Tahiti, rejoignez, tu vois, tu imagines. Rejoignez la team Crouton, les gars. Bah écoute, c'est quoi que vous faites Crouton and Guest? Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une édition spéciale. Ah, nous, c'est ce qu'on fait, nous on fait Man and Friends, tu voilà. Vois, pour pouvoir ajouter des copains. Parce que j'ai vu du coup ce que je disais, vous avez été très productif durant l'été en vidéo, j'étais impressionné. Alors il y avait tout, il y avait du concours de plongeon, il y avait vraiment de tout. Comment ça se passe avec les Croutons à ce moment-là? Est-ce que c'est des idées spontanées, tout le monde joue le jeu? Est-ce que finalement en vrai de vrai vous êtes organisé, mais non, c'est spontané pas. En okay. Vrai. Hein. Ouais, c'est que du spontané. Bah, hein. On sait que Valouz, il va faire ses vlogs quotidiens. Donc il y a ça déjà Bouzy, qui te cadre un peu. C'est les concours de plongeon. Puis après, c'est spontané. C'est ouais, les gars, j'ai une idée. Toi, vidéo, t'as tourné ton clip en screen en vrai? Non, c'était avant mon clip. Ah, c'était avant, c'était pas encore. C'était à Marseille. Oh, monsieur. Voilà, j'étais parti à Marseille. Petite non, mais c'est cool. Mais en vrai, vous avez fait une super reconversion parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient genre être restés sur Fortnite en mode ok, ça a trop bien marché pour nous. Vas-y, on y va jusqu'au bout. Et au final, vous êtes. Vous êtes parti parce que voilà, vous gravitez quand même un peu autour, mais vous avez quand même ce côté où maintenant tu peux faire n'importe quoi et t'as quand même ta communauté qui va te suivre et c'est trop bien, tu vois. Surtout que dans ça, c'est groupe, trop bien. En vrai, on se kiffe. Et vous l'avez trop bien fait. En vrai, on vous l'avez trop bien fait. Ouais, c'est vraiment une ambiance. En vrai, ça se ressent de ouf et surtout que ça va de 18 ans à 28 ans et on s'apprend tous des choses et. Franchement, j'avoue, c'est trop bien. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que Valouz, on commence un peu sur toi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Michou, mais c'est normal. Michou, on aura beaucoup de sujets, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, toi. Tu viens, on va dire, de loin, tu as été chez Eclipsia, donc c'était une structure, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a quand même assez bien démocratisé le streaming en France. Il y avait des grosses stars là-bas qui cartonnent encore aujourd'hui. Je pense à Zerator qui est passé là-bas, je pense à Skyheart, à Jiraya, Domingo. Bref, il y en a beaucoup de l'époque, de l'époque Eclipsia, vous en doutez pas. Et toi, pas, du coup, mais... tu étais là-bas, mais tu n'étais pas encore dans non, ce mode de créateur de contenu. Tu faisais quoi? Non, j'étais le mec de l'ombre, mais j'ai toujours été passionné de YouTube. Ouais. Et là-bas, je gérais les réseaux YouTube. Et ça, du c'est coup, fou. De fil en aiguille. C'est devenu une habitude et j'ai créé ma chaîne parce que je vivais un truc de ouf. Mais du coup, les codes de YouTube, tu les avais quand même un minimum, du coup. Ouais. Mais surtout qu'en vrai, à l'époque, on était en Angleterre. Ouais. Attends, il y a que moi qui ai dans le game ou non? Non, du tout, t'inquiète pas. Attends, on va où comme spawn? Parce que moi, j'avoue que je connais pas du tout la saison. J'avoue, les gars, j'ai peur. Venez, on se fait un petit craggy là où j'ai ping tranquille. Vas-y, on commence. C'est la première game, c'est une x2. On est en x2 hein, pour démarrer. Bien sûr, on va faire x2, x4, x8, x10. Et donc du coup, on t'a coupé, excuse-moi. Ouais, du coup, à l'époque d'Eclipsia, c'était en Angleterre et moi, je suis vachement proche de mes frères. Et en fait, en gros, je voulais partager mon expérience avec mes frères.
Ouais. J'ai acheté une caméra, j'ai commencé à faire des vlogs de l'expérience. Juste pour leur montrer un peu. Ouais, bah parce que Eclipsia, c'était un truc de fou. Je vivais avec, on était tous des jeunes de 20 ans, on vivait de notre passion. Et je me rappelle, on faisait des OP à 100 balles. Ouais, et t'étais heureux de fou. Et on était des, comme des dingues, on était en mode de 100 balles sur un jeu, on jouait un jeu 100 balles. Je te vois à l'aise avec c'est les genre. Chiffres, les OP aujourd'hui, c'est combien? Tu vois, parce que tu es un journaliste relou. Les gens aiment bien rappeler les OP à 100 balles d'il y a 5 ans pour rappeler. Après, mais maintenant, ça dépend. Hein, ça dépend pour un stream ou pour une vidéo. Ouais, je te prends le pack complet. Ouais, ça fait ça chiffre. Non, mais c'est bien de rappeler ça, tu vois, de montrer que. Ouais. Tu vois, c'est la passion avant tout. Et après, effectivement, le fait de pouvoir joindre aussi en plus de ça. Bah le taf et le fait d'en vivre. Ouais, ça, carrément, c'est... bah là c'est que du plus et franchement c'est trop bien. Toi t'avais un CDI à l'époque d'Eclipsia? Ouais, j'avais un CDI. Putain, tu vois, c'est, ça a été rare les CDI dans ce game. Hein. Ouais, bon après j'ai fait 5 mois de bénévolat là-bas. Forcément, hein, c'était les prémices. Donc après, pour ceux qui savent pas, il y a des marques comme ça. Après toi t'avais une très bonne irée, là, genre tu demandes à n'importe quelle personne qui était chez Eclipsia, genre t'as pas eu de problème avec qui que ce soit, tu vois. Ça se non, voit que non, moi, t'as toujours été droit dans ce que tu faisais. Je suis un gars, et... je fais mon taf et. Ouais, voilà. Bah y'a plein de streamers qui étaient super heureux de te voir cartonner maintenant ton nom parce que bah effectivement. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. Hein. Encore? Ouais, ouais, franchement, ça fait plaisir parce que bah. Mais moi, je suis un peu choqué en vrai. Et comment tu t'es retrouvé du coup? Parce que on a compris du coup, tu faisais à peu près la même chose aujourd'hui, sauf que c'était dans un autre mood, beaucoup plus professionnel, etc. Mais comment tu t'es retrouvé avec les Croutons, avec Michou, avec le Bouzeux? Enfin, okay, elle a commencé où cette histoire? C'est une longue histoire. Michou, t'as fait du kill là? Ouais, j'ai fait un petit kill là. En fait, comment j'ai rencontré Michou? Ouais, ou même. En fait, d'abord, c'est le Bouzeux et Doc. Ouais. À la fin d'Eclipsia, j'avais monté un projet, le CTV. C'est vrai, il y avait le CTV mobile. Ouais, le CTV mobile, c'était un truc spécialisé sur les jeux mobiles. Au final, on a quasi pas fait de jeux mobiles. C'était quand le Bouzeux était encore sur Clash Royale. Ouais, c'est ça. Sauf que quand on l'a recruté, il s'est fait virer. Enfin, il s'est fait virer. Il s'est interdit de jouer à Clash Royale. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et au final, il a joué à Fortnite, ça a bien marché. On a tous joué à Fortnite et on a tous kiffé. Tu vois, comme on dit, c'est quand il y a les coups les plus durs que tu trouves les meilleures opportunités. Et là, bah, du coup, en fait, ça vous a fait passer sur Fortnite et ça a créé toutes les connexions que vous avez eues par la suite, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Hein. Mais attends, en vrai, c'est une histoire. C'est mis bout en bout, c'est une histoire de malade, mais tout s'est fait vraiment. Naturellement. Ouais, naturellement. Et du coup, quand on t'a proposé, parce qu'il y a ce moment où tu croises le Bouzeux, Doc, qui sont, on va dire, un peu plus de ta génération, même s'ils sont plus jeunes. Et après, il y a ce moment où on te parle des Croutons, de tout ça. Enfin, toi, ça t'a pas fait peur? Balou, ça me pique mes kills là. Attendez, je suis en train de jouer des kills, les gars. Ils sont chauds là, les deux là. Tu peux me répéter ta question? J'avoue, ouais, j'ai pas du tout écouté. C'est pas. Non, mais je vais commencer à te regarder moi aussi. Non, je disais par rapport au fait que tu passes de Le Bouzeux, Doc, à justement un vrai projet avec un nom derrière où t'avais un rôle comme assez particulier. J'ai l'impression que t'étais un peu le papa de ce groupe là, non? Ou peut-être je dis. De quoi? De la Team Crouton, le CTV? La Team Crouton. Bah, je sais même plus, on joue à Fortnite ensemble et non, ça s'est fait naturellement, il n'y a pas de gens au-dessus ou en dessous, hein. Okay. On est tous au même... Valou, c'est pas à 60 FPS. Ah ouais, bah j'ai l'impression que je lag un petit peu. Ouais, bah voilà. Ah, c'est pour ça que t'es en stress là. N'hésite pas, en plus sur setup tu peux te mettre en 240, là tu peux te mettre super bien. On n'est pas du tout là non, pour te piger. Non, je suis en 240 là. Bah, alors pourquoi t'as 60 FPS hein? Ah ouais, comme si c'était décapé. Ouais. Mais frère, regarde, 240. C'est vrai, c'est... Ah, parce que t'es en plein écran fenêtré, mets-toi en full screen. Erreur des débutants. Si ça mérite pas un petit point de plus, ça les gars, enfin, tu me laisseras un petit kill s'il te plaît, Valouz. Mais tu vois, c'est important pour moi de rappeler aussi aux gens que tu vois, on n'arrive pas comme ça par hasard. Et ouais, je suis d'accord. On se rappelle que du moment où tu perces et on oublie tous les efforts qui ont été fournis. Et ça a été, comme tu as dit, 5 mois de bénévolat, puis ça a commencé un petit peu, puis finalement t'as pris de la confiance et de l'expérience, et en même temps, bah, ça se voyait que t'étais. On va dire, t'attendais pas que ça se passe, tu essayais de créer les choses par toi-même. Et là, aujourd'hui, maintenant, bah, ça cartonne. T'as même maintenant lancé ta chaîne YouTube depuis un moment. Qu'est-ce que tu fais comme contenu? Parce que j'ai vu des dégustations. Tu te fais plaisir, toi, j'ai l'impression que tu te prends pas la tête. Vrai, bah, c'est ça, c'est le résumé de ma vie en vrai. Hein. C'est incroyable. Hein. Je vis et je m'amuse avec les gens qui s'amusent avec moi. C'est le meilleur bail. T'as toujours des bots ou pas dans le jeu? Ouais, surtout que là, on est en classique. Ouais, je pense que moi, mes deux kills, c'était des petits bots. Hein. Donc là si on fait les comptes, il y a 2 points Michou et Gota qui vient de débloquer son deuxième point quoi. Moi j'ai un kill. Ouais. Et t'as un kill de... Ah ouais, donc en fait c'est moi qui suis en train de perdre, bon bah... Mais je t'avoue, c'est pas ma sensibilité, je suis un peu perdu. Attends mais Michou... C'est pas ta sensibilité, c'est peut-être les dépays de la souris. C'est combien cette game là? C'est une fois deux. C'est une fois deux, donc ça va, c'est histoire de te chauffer, histoire de se remettre dedans. Donc là il y a 10 balles déjà quand même. Je suis le seul qui suit pas le groupe, je suis mort. Bah attends, j'avoue, je vous ai pas vu partir, les gars. Ah ouais. Et tiens, je vous le dis, parce que vu que maintenant dans les lobbies c'est assez, on va dire, simple avec les bots, s'il y a top 1, on paye quand même. C'est pourquoi? Ah ouais, ouais, si y a... là chacun joue pour son score. Pourquoi? Parce qu'on va bah, faire y a que intérêt top 1, à faire top 1. Bah, faire monter le compteur et fêter ça ensemble.
Mec, okay. Moi je suis chaud, on régale le chat. Top, hein, gros. On va faire full top. Allez, hein. On est là pour dépenser. Il y a 30% de bots par game. Mais comment ça, il y a 30% de bots depuis quand? Bah, depuis que les on gens. On peut pas lancer au pire en arène en ranked? Il y a que de la trio en arène, il y a pas de squad. Ah, mais pourquoi le jeu est devenu? C'est parce qu'il y a moins de gens qui jouent? Je pense. Pour qu'il y ait des lobbies plus. Bah, pour que les débutants ils galèrent pas trop. Non, Gotha, s'il te plaît. Non. Je suis en train de partir solo, si je meurs, j'ai trop le seum. Après, tu prends des risques là, Dwag. Hein. Bah, j'ai préféré le call très tôt qu'on me dise pas ah, il change la règle parce que ça l'arrange. C'est pour tout le monde, regardez, tu vois, zéro. Wow. C'est moi qui perds en ce moment. Et voilà, Gotha. Mais il m'a. Oh, il... Oh. Ranime-moi, ça te rapporte un point. Ça te rapporte un point de Ranime. Oh. Gros, je te jure, j'allais être réanimé. Mais je comprends pas. Attends, je prends ta prends carte. Prends la plaque, ouais. Tu vas avoir deux pensions. Attends, mais allez où ta carte? Je sais pas. Mais je comprends pas. Genre, il avait. Tu sais, il avait les gants. Ah, bah, il a les mêmes trucs que toi. Regarde, tu me regardes? Ouais, il y a des pouvoirs là. Ah oui, oh, t'es pas con. Stylé, ouais. T'as débloqué Iron Man. Salut les gars, je savais que t'allais acheter le poste de combat. Non, vas-y, ça me convient plus. On va revenir. Mais c'est trop stylé. Attends, voilà. Comment tu fais? Je connais par cœur. Comment t'as fait? Bon, par contre, oh putain, ça arrive sur moi. Je suis trop jaloux. Faut faire une quête à faire et après tu le débloques. Et après c'est une émote et ça te fait ça. C'est vrai qu'il y a des gars qui ont une squad sur moi, je suis foutu. Hein. Mais la PV Iron Man est jamais. Enfin, Michou, tu te défends bien. Je suis mort. C'est toi qui te bats? Ouais, je suis mort. Sauf si tu m'as je suis mort aussi là. Hein. Non, mais c'est le streamhack. Tu te fais code rush, gros? Attends, mais là je suis mort là. Mais t'as dit. Y'a quelqu'un avec moi? Non, t'es tout seul. Je suis mort dans 10 secondes. Non, tu peux le faire. J'ai pas lancé une boule dans quelqu'un. Finis ton kill, vite. Oh, je suis fou. J'en ai tué oh un. Non, c'est Valou. Attends, Dwag, t'as combien de kills là? Un. Oh. T'as mais combien par contre, Valou, si tu m'as massacré. Moi je suis bien. Ok, moi j'en ai deux. Oh ouais, ça part en bulle fight, frère. Valou, si tu meurs, on a perdu. Si tu meurs, toi équipé, n'hésite pas. Moi je crois en toi, Valou. C'est vrai qu'au pire, si tu meurs, Dwag paye. Hein. Regardez Valou en bulle fight, regardez Valou qui se fait respecter, Valou. Wow, il a pris cher. Attends, Valou. Ça dit, ça fait pas le BR, mais regardez la puissance. Oh là là, Valou. On est là! T'as eu ton kill en plus ou pas? Ouais, t'en as eu qu'un? Ouais. C'était pas, c'est Valou ce qu'il a eu. Ah, vous êtes tous les deux à deux là? Non, je suis à un. Ah, ah. Moi je suis à deux, moi t'inquiète, je suis bien. Ah bah, Dwag. Quoi qu'il arrive, tu payes en fait. Je suis à deux, moi. Quoi qu'il arrive, tu payes, Dwag. À part si Valouz nous réanime avec les plaques. Ah, mince, je vais mourir, je pense, les gars. Mince alors. Oh, c'est chiant. Oh, j'ai plus de maths. Non, mais je colle, là, j'ai raconté ma vie, Ted Dwag, que je parle plus maintenant. J'avais. En vrai, c'est pas si simple, moi-même. Ouais, je pense que c'est l'excuse. Non, mais moi, je te dis, le top 1, il devrait en mode on paye pas, quoi. Je pense pas qu'on va gagner, gros. Mec, il y a 80 000 viewers, il y aura des cinémaqueurs et tout, gros. Regardez-le! Oh, y'a, dommage. Tu t'es bien défendu, va. Dommage. On aurait essayé, les gars. Bien joué, Valouz. Non, t'as aucun regret à avoir. Premier stream monde, GG. Bah, c'est grâce à vous, les gars. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez aussi nombreux. C'est juste l'autre qui doit quitter ou on doit se retourner? Non, on relance la partie. On fait relancer okay. Direct. Allez, ouais, direct. Nous, on va tirer au sort de suite. Il fallait voter Dwagby pour la première. Alors, je vous le dis de suite, ne votez pas Dwagby pour la seconde. J'étais à moitié concentré, je m'occupais de mes invités. Votez Dwag. Voilà, donc votez Valouz. Non, vous savez que là, j'étais pas à 100%. Par contre, si vous avez eu le flair et si vous connaissez l'émission, vous savez que ça se démarre souvent comme ça. Bah, on va tirer au sort pour l'une des personnes qui avait voté Dwagby et il récupérera bah, combien? Parce que là, il faut faire les comptes, là, messieurs. Alors, moi je suis à 2. C'est vrai qu'on a pas. On a le bandeau normalement. Normalement, il y a le bandeau, mais peut-être qu'il y a des trucs qu'on oublie parce que je sais qu'il a pris ma plaque. Donc j'ai pas été réanimé, mais est-ce que ça compte quand même? Ouais, c'est un point quand tu prends la plaque et un point quand tu la réactives au bus. Il y a Valouz qui a pris une plaque en plus. Moi j'avais 3 kills. T'avais 3 kills? Ouais. J'avais 3 kills. Parce que dans l'oreillette, on me dit 18. En tout? Ouais. À payer? Est-ce que ça paraît cohérent? Bah, 3 kills et une plaque. 18, ouais, peut-être. 18. Ah, c'est 18 euros, c'est tout? Ouais, bah, c'est léger, en gros, on n'a pas fait tant que ça. Bah, c'est un x2, ouais. Ouais, mais je m'attendais avec les plaques et tout, ouais, que ça. Bah, si, tu veux Si tu veux payer plus. Tu sais quoi? Je rajoute 2 euros, on arrondit à 20. Oh, allez. Wow. Allez. Oh. Grand prince, 2 allez, euros. 2 allez, euros. Oh, bah, allez. Et regardez la nouvelle tirely. Ah, on a sorti les gros moyens. 20 euros, et donc le pseudo qui va être indiqué. Mais normalement, le pseudo devait être sur le billet. C'est pour ça. Tu vas être indiqué sur le chat. Polo, pourquoi elle a pas marché là, là? Ah, il a pas réécrit dans le chat. Ah, faut qu'il valide d'abord. Okay. Ah, ok. Et tu remettras la truc. Est-ce que tu peux dire le pseudo qu'on le communique au cas où il est pas au courant? On va vous le dire de suite. Et donc, nous on enchaîne. Donc, on réouvre les votes juste après. Vous allez avoir quelques minutes. Loïc 900, faut que tu parles dans le chat. 974. Loïc, si tu parles dans le chat, tu récupères 20 balles de suite pour te régaler. Loïc, on va nous confirmer quand il a parlé. Et s'il ne parle pas dans les 30 secondes, on retire. C'est pour éviter, les gars, tout le chat est en train de croiser les gens qui écrivent juste, qui écoutent pas le live, qui suivent pas, qui.
Et tu disais plus de 80 000 viewers là ? Ah ouais, il y avait plus de. Là, 80 600. Et bah, où les gars ? Mon dieu. C'est énorme. Vous venez de la sophore. Moi, j'avoue, je connais retail. Venez, on va retail. Vas-y. Je crois que c'est retail à gauche. Ouais. Sont aujourd'hui avec Gotha, vous avez vu ça. Moi, les gars, moi, je suis un vieux, 27 ans. C'est un Gotha fatigué, quoi. 27 ans. Et regardez, le level 119, 120, 123, je suis level 8. T'inquiète, tu vois, on va retail. Attends, en plus, c'est tellement pas significatif. Je suis level 120, j'ai juste acheté. T'es quand même level 20, du coup. Ouais. Grâce au créatif. J'avoue, c'est ouf ça. Ah oui, c'est le créatif qui t'a XP. J'ai raté un peu mon drop. Gotaga niveau 8. Ouais, putain, ça a bien changé. Hein. On va renvoyer les votes, vous avez de la chance, vous allez pouvoir voter un petit peu en décalé. Et du coup, voilà, ça y est, ça s'est affiché. Loïc. Oh, Loïc. Qui remporte. Non, on n'a toujours pas. Bah, moi, je l'ai vu marqué en dessous de la tirelire, en ouais, tout cas. Moi aussi. Ah, ok. Donc, c'est validé, on vote direct les votes. Si on peut leur mettre 3 minutes au lieu de 5 en régie. Comme ça. Voilà. Dwag, c'est toi qui es avec moi ? Oui. Je crois qu'il y a des mecs en haut. Hein. Je veux pas te mettre la pression, mais. Bah, si, du coup, tu me mets la pression parce que j'ai pas d'arme. Moi aussi, j'ai un pistolet gris. Oh, y'a un coffre ici. Non, y'a personne dans notre maison, y'a personne. Ah, ok. Par contre, du coup, ils sont dans la maison juste à côté. Ah, effectivement, ouais. Ah, ouais. Après, on peut jouer friendly, hein. On peut s'entraider, les frérots. Hein. Moi, je suis chaud, mais eux. Je te vois avec tes 30 HP là. Ouais, je suis pas bien du tout là. Oh, tu me l'as volé, Valou, je t'ai vu. C'est pas vrai. On finit le kill rapidement. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas le mode sans suivi et ça c'est terrible. Là je suis un kill war, hein. Là je finis mes kills directement à terre, hein. Y a pas de... on sait jamais, tu vois, au cas où on meurt tous. Ce petit kill qui fera peut-être la diff. Ça c'est vrai qu'il faut jouer les kills à mort là. Allez, ouais. Votez, vous avez le compteur juste au-dessus des matériaux. Faut juste te mettre assez bien, tu vois. Faut juste faire tes petits free kills du début là et après... Ouais, une fois que t'as 3 kills t'es bien, y a Dwag, il fera pas plus de 2. Oh là là, mais non, oh là, ça prend la console. Il a pas vu mon entraînement de l'été. Hein. Mais c'est pour ça, toi, que t'es celui qui joue le plus là. Là, tu n'as pas fini, mec. Je t'ai dit, je parlais, je m'intéressais à tout le monde, mais là, c'est fini. Toi, si tu veux, tu peux continuer à parler non, en vrai. Non, moi, ça me va. Ça m'intéresse plus. J'ai compris à qui j'avais affaire. Non, en vrai de vrai, Michou, toi, j'ai vu le clip forcément hein, qui a énormément fait parler. Ça a parlé de toi-même sur BFM. Donc, c'est pas forcément une référence, mais pour dire que ça a dépassé même, le cadre. J'ai vu ton tweet, là, Cyril Hanouna, là, qui s'enjaillait. Oh, ouais, c'était un truc de ouf dans TPMP. Oui, ouais. Il s'enjaillait sur, sur son son. Il était en mode j'adore Michou. Le boss, j'ai vu. Donc, du coup, ouais, je voulais voir là-dessus. Comment ça se passe pour toi cette nouvelle rentrée? J'ai l'impression que tu te prends pas la tête, que tu te fais plaisir, que tu sors de ta zone de confort. J'ai même vu que t'avais fait une vidéo réaction aux gens qui réagissent. Tu vois, t'es vraiment en mode chill. Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit t'es toi avec tout ce qui se passe pour toi en ce moment? Bah moi je fais... Bah en vrai là c'est du kiff total, hein. Du kiff total parce que... En fait je peux faire ce que je veux. Ouais. Et du coup bah j'en profite, je fais un peu tout. Tout ce qui me fait kiff en ce moment, bah je le fais. Et mais tu te rends compte de l'ampleur que t'as pris comme ça dans l'esprit des gens, surtout bah, de ta génération qui te suivent maintenant, comme l'a dit Gotha depuis pas mal d'années, parce que pour ceux qui connaissent Michou, t'avais démarré il y a tellement longtemps quand t'étais tout jeune, vraiment un bébé limite, tu vois, et limite je crois que t'avais refait une vidéo où tu revoyais tes contenus. Fin... Ouais, moi je l'ai vu celle-là, ouais, justement. Ouais, je regardais mes anciennes. Mais vraiment pour ton âge, en vrai, en fait, le côté où t'as réussi à te reconvertir, je respecte tellement ça, parce que c'est. Vraiment, t'es pas resté sur tes acquis en mode bah, Fortnite, tu sortais une vidéo, ça fait 4 millions de vues et c'est pas prise de tête et. Tu vois, genre, c'est quand même. Même là, t'es sorti de ta zone de confort, t'as sorti un son, etc. Genre, c'est. Faut avoir les couronnes, tu vois, quand même. Genre, surtout quand t'es jeune. Et comment vrai, tu gères ça bah, la pression aussi des projets. Est-ce que tu mets la pression en mode il me faut un nouveau contenu pour X temps, tu vois, la fameuse pression du youtubeur streamer, c'est vrai que t'es partout. Tu fais des collabs avec plein de gens et tout, enfin, t'es invité de tous les côtés. T'as pas peur d'être. De perdre un peu le fil à force d'être sollicité comme ça de tous les côtés, ou au contraire, c'est ce que t'as toujours rêvé? Justement, en fait, moi je kiffe. En fait, à chaque fois, je suis invité de partout, mais je peux pas dire non. Parce que je me dis, waouh, ouais, c'est un truc de fou, j'ai trop envie de le faire. C'est ça qui est trop bien, c'est que t'es méga populaire. Moi par exemple, je t'invite dans plein de trucs. Et jamais t'as pris la grosse tête en mode bah tu sais, t'es resté tout aussi simple. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Parce que Gotha, tu connais, hein, même nous à notre époque, alors qu'on avait très peu d'abos, ça prenait la grosse tête, ça faisait pas d'efforts pour les autres. Alors que cette nouvelle génération, ils se font plaisir quoi. C'est, je trouve ça trop stylé. Mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle mentalité. Et je voulais revenir sur la popularité, toi, comment tu gères ça? Ah, parce que là, tu peux plus sortir dehors. Comment tu fais pour vivre, quoi? Ouais, en vrai, ça devient de pire ouf, en pire. Hein. Michou, c'est ouf. Ça devient trop, en vrai. J'avoue que ça commence à devenir trop. Ça t'inquiète un peu? Bah, en fait, je me dis, si je continue à gagner des abos et tout,
par la suite, je sais pas comment je vais faire. Parce que, genre, en Corse, on voulait aller à la plage ou quoi que ce soit, mais impossible. Ah ouais ? Du coup, impossible. On allait à la plage, gros, au bout de 5 minutes. T'es en séance photo, quoi. Sans rien dire, au bout de 5 minutes, c'est la Paris Games Week. Ouais, alors qu'en plus, c'est cool, mais c'est vrai que du coup, répéter tout le temps, tu vas au resto, c'est pareil. À mon avis, tu vas chez le coiffeur. En fait, c'est ça, pareil. Après, c'est trop. Genre, en vrai, là, dans la rue, je suis encore tranquille, tu vois. Genre, okay. Je me balade dans la rue tranquille. Mais dès que je vais dans des endroits où il y a du monde, c'est chaud. Surtout pour toi, ça va être chiant, c'est quand tu vas commencer à avoir ta petite meuf. Exactement. C'est ça, privé, exactement. Tu vois, genre, même quand t'es avec ta famille, c'est trop chiant. Ouais, t'es avec la daronne. Est-ce que t'as forcément... déjà eu des moments cringe où, tu sais, genre. Ce côté où la personne, tu vois, elle te considère comme un ami parce qu'elle te connaît par cœur, parce qu'elle suit tes trucs, etc. Et tu sais, du coup, pas il est sans gêne, mais je sais pas comment expliquer, genre il peut venir direct en mode « Oh Michou, mon pote !» Enfin, tu sais, genre il n'y a pas de... Attends, t'en as quelques-uns quand même comme ça? Ouais, ouais, j'en ai un. Ouais. La dernière fois, devant Webedia, j'attends ma commande Uber Eats. Il y a un abo, il fait « Ouais gros, il y a moyen que tu me prends un menu et tout. » Mais vraiment, il était sérieux. Il voulait que je prenne un menu. Il était sérieux, il était en mode « J'ai faim, débanne-moi. » Ouais, je comprends. Mais j'ai vu justement même les vidéos que tu avais fait avec Kinox, j'adore ce concept, vous allez vous cacher en France. Je crois même que vous avez pour objectif de le faire encore plus grand, d'aller se cacher en Europe et tout. Ça, c'est vraiment stylé. Ouais, on t'arrive à Marseille, il y a un groupe derrière toi, gros. Ah ouais. Vous êtes 50 comme ça, mais c'est... C'est fou, donc ça je me dis, est-ce que des fois t'as pas peur, mais pas forcément pour ta sécurité, mais tu vois, vous avez pas forcément des agents de sécurité avec vous, vous baladez normal. Et je me suis dit, est-ce que ça t'inquiétait? Est-ce que parfois t'as peur de tomber sur quelqu'un de mal intentionné ou... Bah pour ou l'instant, non, pour l'instant en vrai ça m'inquiète pas plus que ça, juste tranquille quoi. Bah après en vrai c'est beaucoup d'enfants, hein, tu vois, genre ceux qui sont vraiment intrusifs c'est les enfants. Ouais, parce qu'ils ont pas encore et le recul. Et eux, ils ont un bon fond, ils sont contents de le voir et tout. Mais c'est vrai que des fois ils sont vraiment intrusifs de fou et... Ils s'en rendent pas compte en fait, c'est ça. Ouais, en vrai on le sait. Hein. Bah c'est un peu la rançon du succès, mais tu vois, c'est par exemple, rappelez-vous, hein, toutes les grosses stars de l'époque, elles ont pour beaucoup... pris le pas d'aller à l'étranger, tu vois, et beaucoup critiqué ça en mode ah ça y est t'as fait tes sous en France et tu vas vivre à l'étranger, mais je pense que c'était aussi par rapport à ce confort de pouvoir entre guillemets vivre dans un cadre un peu normal, parce que rendez-vous compte, hein, c'est vrai que tu devrais peut-être faire une vidéo là-dessus en mode C'est dur d'expliquer Bah je pense qu'il prend une caméra, il sort dans la rue, il fait genre une activité classique en mode regardez aujourd'hui je vais juste aller prendre un McDo à pied. Et je pense que t'as capté quoi. Je crois que Thibaut il avait fait Thibaut avait fait une vidéo comme ça. Bah ça je pense c'est très bien. Il y a une vidéo qui était devenue virale à la fin. Bon c'est un sujet différent, mais c'était genre une meuf elle a fait une vidéo et tu sais elle filmait genre tous les gens qui la mataient dans la rue. Ah pour le côté harcèlement dans la rue. Exactement. C'est pas pareil. Ouais non mais je t'ai dit c'est un autre sujet. Je pense pas que Michou. Au moins je fais pas siffler, tu vois, y a pas de truc. C'est pas du harcèlement, c'est juste que les mecs sont en mode je vois le mec que je vois d'abord d'habitude derrière mon écran en vrai, donc pour lui c'est l'occasion unique en fait, c'est pour d'avoir ça. Un souvenir et tout, donc moi je les comprends, mais c'est juste qu'ils se rendent pas forcément compte que à haute dose ça peut être très gênant. C'est pour ça que je pense que vous êtes une bonne génération pour essayer de sensibiliser, mais juste pour qu'ils comprennent, et je pense qu'ils comprendront très intelligemment. Très souvent, tu vois, dans des familles, moi, de références que j'ai, c'était souvent les parents qui n'y connaissaient rien, qui étaient trop intrusifs, et justement l'enfant, alors que c'est lui à exactement, qui ça fait plaisir, qui était beaucoup plus respectueux en mode, mais tu vois bien qu'il est occupé là, tu vois. Moi, j'ai de plus en plus ça. Les parents qui te prennent un peu pour un monkey de son fils. C'était un clown, genre. En Corse, vraiment. C'était une maison qui était vraiment, genre, il y avait un portail, etc. Les parents, ils faisaient une heure ou deux heures de route, alors qu'on n'a rien demandé à personne, tu vois. Juste parce qu'ils avaient trouvé la villa pour faire plaisir à leurs enfants. Et moi, j'ai entendu, à un moment, j'étais à la piscine, et j'entendais « Non, maman, ça se fait pas, on rentre pas chez eux. » Et la daronne qui dit j'ai pas fait deux heures de route pour rien. Et hop, elle rentre comme ça. Elle rentre sans rien dire. Elle rentre carrément. Mais comme si c'était chez elle. Hein. Ouais, comme si c'était chez elle. Et mais du coup, non, attends, elle est rentrée comme ça. Elle est rentrée. Et là, carrément, il était venu avec son camion. Il est rentré dans la cour. Il est rentré avec son camion dans la cour. Genre, il s'est garé. La cour. Ouais, les croutons, ça va. Comme si c'était notre pote. Mais non. Ouais, mes fils, ils sont fans de vous. Et nous, on sait pas quoi dire. Et du coup, ça nous fait passer indirectement pour les méchants. Exactement. Parce qu'on doit leur dire. Tu es sur la défensive. Tu vois, t'es en mode, mais gros, t'es à deux. Ouais, je vois toute ta situation. Ok, tiens, comme quoi. Mais après, en vrai, ça, c'est un truc où moi, je peux pas dire non quand il y a des abonnés qui me demandent des photos ou quoi que ce soit, parce que j'ai connu, en fait, ce qu'ils ressentent s'ils me voient, tu vois, genre... Avec qui? Il y a 3 ans, gros, vas-y. Paris Games Week, j'ai fait une photo avec Le Bouzeux, j'étais trop content. J'étais fan de Le Bouzeux. C'est vrai, ça. J'étais trop content. Ah ouais, mais ça, je savais pas, tu l'as raconté, ça.
Ouais, c'est incroyable cette anecdote. Et la photo est trop chou. Mais c'est vrai que bah en fait j'ai eu ce côté abonné et tout. Du coup, je sais que... Mais est-ce que t'étais comme ça à ce point? Non, j'étais pas intrusif. Est-ce que tu aurais pu genre... J'étais le petit qui osait pas, moi. Ouais, je vois. Il y en a beaucoup qui osent pas. Tu sais, il était devant moi, mais est-ce que je lui demande? Ça, c'est malaisant aussi, hein. De quoi? Ceux qui osent pas. C'est vrai. Ouais, parce qu'ils te suivent. Ouais, je vois ce que tu veux. Ils te suivent, ils te prennent en photo. Genre ah non, ceux-là, ils sont chiants. Moi, justement, c'est ce que je dis. Non, mais c'est chiant. Non, mais je vous le dis, actuellement, vous êtes chiants si vous faites ça. Soit vous osez, soit vous osez pas du tout. Mais qu'il n'y ait pas ce jeu de regard ou ce jeu où vous me suivez dans ma vie privée en mode. Et tu sais, ils vont jamais oser, tu vois, je sais pas. Moi j'étais ce petit là. N'hésitez pas à venir direct, hein, genre au pire des cas. Ah, moi je préfère. Hein. À droite, je suis un frérot. Attends, j'en ai la Attendez, mais les gars, vous êtes hors zone mais là. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous allez où là? Ouais, je vais prendre lesquels. Tu sais pas que. Ouais, non. Vas-y, go. Ah ouais, vous êtes. Il y en a un qui est mégalo, Gotha. Pendant moi, j'ai zéro kill, je commence à m'inquiéter. Hein. Partage pour un frère, laisse. Ouais, merci. Laisse, Gotha. T'as combien? Il a une arme. Ouais, il a un HP surtout. C'est du foie. Tu m'as bloqué, sale bâtard. Non, c'est lui. Les gars, on est en foie combien là? Foie 4. Un kill est égal à 4 euros. Ok. Foie 4 là. Tu l'as eu ou t'es en bullfight? Il est en bullfight. Oh non, j'ai loupé mon truc. Avec Mich, nous on se balade. Mais gros, moi je fais une promenade de santé. Les gars, c'est Master Kill ici. Il se barre. Attends, mais y'a vraiment personne, les gars. C'est lui dans les airs? Ouais, j'arrive pas à faire ce que je veux, gros. Je passe en bas. Viens, on va les voler. Je l'entends pas, je le vois pas. Mon 30 HP. Ah, c'est bon, je le vois. S'il te plaît, Valouz, laisse-le-moi, je l'ai mis l'eau. Putain. Allez, ça démarre, hein, parce que c'est vrai que... Je vais mourir. Ouah, j'avais oublié. Je crois qu'il y avait un matelas en dessous. Oh non, me le laisse pas, Valouz, il va me tuer. Bah, faut savoir, gros. Oh non. Gotha, t'as une frérot case là, hein. Ils sont en train de me bourrer. Il est où? Valouz, tu le fumes, il est low. Je sais pas où il est. Je l'ai mis low, gros, il a un HP. Je suis down. Attendez, je réagis tout. Tu l'as, Gotha. Ah, fume-le, fume-le. Non, Val. Mais attends, mais il est où? Mais non, Valouz! Ah, mais il était dans ma peau! C'est notre gaffe. Oh, je suis terminé. Oh, mais je savais pas, j'ai fait grimper le compteur. Oh merde! J'ai le réa en plus et j'ai mon mec à terre qui est dans le coin. Passe-moi un kit, un truc. J'ai rien en soi, tu peux pas le finir lui, à voir s'il a pas un cutru? Mais les gars, on s'est séparés, je sais pas ce qu'on a fait là. Il est où le mec? Mais moi, je vais rodaille en fait là. Mais c'est pour ça, gros. Il me faut du soin. Il s'est caché dans le bâche. Bah, t'es fini là, Dwag. Ah, il était là! Oh, il a des kits! Attends, mais tu l'as eu? Non, c'était un cadavre. C'était un GSM, Doc, putain! Oh non, de la mais j'aurais pas dû te raise! J'aurais dû aller le finir et te laisser dans la merde, gros! Non, je m'en bats les couilles, c'est le perdant. Ça rajoute des points. Moi j'avais 4 kills. Non, t'avais 0. Hein? Mais t'avais 4 kills, vraiment? Non, il a fait des kills en or. J'avais 4 kills. Ah, t'as fait des kills. De toute façon, il y a le mando, hein. Y'a pas de tricherie. Non, c'est un menteur, Michou 0. Ah non, mais t'as. Non, il a 1. Non, j'ai vraiment 0. Ah, t'avais 0, t'avais bien 0. J'avais vraiment 0. Ah, donc c'est toi qui as 1. Ouais, moi j'ai 1. Ah bah du coup c'est Mich. Ouais, c'est moi qui paye. Oh, ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8. 8 x 4, Valouz rapidement, 8 x 4 32. Ah oui, Valouz a eu du mal là. 32 euros pour Michou. Ok. Ça démarre calmement. 32 euros pour Michou, moi j'ai pris 20 euros. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas été cherchés, c'est chill. Gotha et en même temps Valouz. Est-ce qu'on n'irait pas genre sur un spot très agressif? Est-ce qu'on peut pas monter un peu le compteur? Autorité. Non, Pleasant Park là. Ah, c'est vrai que Fiat de Fatalis là. Il y a tout le monde. Ah ouais, c'est bien ça. Parce qu'en gros, il y a les pouvoirs là-bas. Inox, il nous a dit qu'il y a deux super pouvoirs. En fait, il n'y a plus qu'un boss, c'est là-bas. Moi, j'en ai testé un, c'est avec des gants et tu tires un truc un peu vert genre. Ouais, t'as celui-là. Et t'en as un autre qui fait une sorte de Genki Dama où ça fait le feu partout. Ah ouais. Et ensuite, t'as des autres pouvoirs, c'est Groot qui te permet de te repositionner, de heal. T'as un autre pouvoir, c'est Surfeur d'argent où tu peux sauter et réactiver le planeur. Et il en manque qu'un, techniquement. Putain, c'est lourd en vrai. C'est vrai, ils arrivent toujours à trouver des trucs sympas. Ah ouais, et le truc de Groot, ça te soigne, non? Ouais, ça te soigne, ça permet de repositionner rapidement, de sauter, de faire des dégâts. Mais je crois que j'en ai oublié un. Y a pas le surfeur d'argent? Si, mais il a encore un autre. Le chat va m'aider. Je sais pas, je. Tu es sûr de toi là? T'es sûr, t'as dit qu'il y en avait 4, t'as cité les 4? Pour moi, je crois qu'il y en a 5. Ah. Là, je viens d'en citer 4. Groot, il a déjà dit Groot. Ouais, j'ai dit Groot, surfeur d'argent, les deux de Fatalis. Je crois qu'il y a que ça. Et moi, dans ma tête, il en manque un autre. Bon. Comme quoi. Donc du coup, ça nous fait pour l'instant 2 games de jouer. Faites attention parce que maintenant, c'est une fois 8. Bon bah ceux qui ont voté pour moi. Après, je sais pas si on devrait lancer bien. Tout de suite parce que je crois qu'il y a eu un problème avec le compteur de vote. Le module? Ok. Ouais. Ça vous prend combien de temps histoire de voir si on calme un peu le jeu? Allez, si vous voulez, on la quitte celle-là, on souffle un petit peu. Okay. Allez. Vas-y. Alors juste histoire que les gens, parce que du coup, en fait, vous êtes tellement nombreux à voter, les gars, que genre là, ils sont en train de voir un truc avec le dev justement pour le compteur de vote. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'en plus, vous continuez de voter même quand le compteur est fini. Du coup, vous déréglez tout, les gars. Faut arrêter. Et du coup, il n'y a que 4 des pouvoirs. Hein. Merci le chat, on a vu. Et donc, c'est ça. Il n'y a que 4 pouvoirs. Mais bon,
On a fait un petit peu l'échauffement, maintenant on va rentrer dans les choses sérieuses. Attention parce que les prochaines games c'est une fois 8, une fois 10 et ensuite... Ah ouais, fois 8 quand même. Techniquement là. Ça se termine. Donc là, ouais, un kill ou même une réanimation, c'est 8 euros. Hey, tout à l'heure tu nous as dit 700 000 codes créateurs. Normalement, t'as... Ouais, ça va, ouais. On peut un petit peu monter. Un petit fois 1000 avec Michou. Hein. Non mais... Il reste deux games. Moi les gars, on peut monter hein, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Ah ouais, putain. Ah, je peux monter aussi moi de mon côté. Faisons voilà, d'abord les deux games, la fois 8 à fois 10, et ensuite si vous voulez on discute d'une der-der. Et là je vous laisserai la liberté. La game bonus quoi. Ouais, game bonus, liberté, et je vois que Michou et Gota ils ont à se parler. Ah non, moi je suis simplement, moi je suis juste le gars qui suit. Okay. Je vais pas engrainer. Michou, on te laisse réfléchir, t'as deux games. Pas de soucis. Tu nous proposes un truc à la fin. Okay. Attends, tu demandes à Michou. Je vais voir comment ça se passe. Oui, c'est vrai que Michou. Il demande à Michou. Balouz aussi réfléchit un petit peu. Ouais, je vais réfléchir, ouais. Après, si vous voulez, on fait un duo. Je mets avec Dwag et vous mettez en mode Team Crouton. Oh, je suis pas chaud, non. Bah, lui, gros. Il y en a qui est méga chaud, t'as pas confiance en moi, quoi. Ce serait fou. Hein, attends, et pourtant je fais très peu confiance à Dwag. Mais là, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Là. Ah ouais. Vas-y, moi je suis chaud une duo. Les deux premières games, je jouais tranquille. Allez, mais non, mais à chaque fois tu dis ça, gros. Attends, qui gagne? On n'a pas une pseudo si c'est si Arthur. Arthur. 46, Valou, c'est où? Allez, Arthur, prends mon argent. Ah là là, Valou. Tu commences avec un kill en plus et tu dis directement le département du 46. 46, j'en sais rien du tout, frère. Attends, tu sais, toi? Eh bah oui, Gotha, il le sait. Tu connais pas 46? Bah arrête, vas-y, gros, c'est toi. C'est le lot. Mais oui. Bah oui. Le lot. Le lot. Ouais, le lot. Non, je savais pas. Mais vraiment, tape sur internet, tu verras. Non, mais je vous crois, les gars. Ok. Mathématiques, la géographie. L'école, ça fait loin. C'est vrai. Et Doc, t'es très très fort. Il a même pas tilté que tu venais de le chercher sur Google. C'est normal. Il a fait Gotha, il sait. Et genre, je voyais bien son écran. On a une affinité avec Gotha, on se comprend sans parler. T'as pas compris pourquoi j'ai dit le lot? Pour moi, genre, j'avais oublié le. On a tout le temps en mode, mais comment il sait ça? Parce que aussi, c'était pas courant. On sait jamais. Toi, t'aimes bien balancer. Moi, j'aime bien laisser le mystère. Non, mais le pauvre, après, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien rétablir la vérité. Faire la vanne et rétablir la vérité. Regardez quand même en mode t'es con quand même. J'adore. J'espère que vous passez un agréable moment. Hein. C'est la reprise dès lundi. Comme l'a dit Gotha, on se fait plaisir en plus sur Fortnite pour leur rentrée parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous le réclamer. Et qu'en même temps, on avait deux invités qu'on voulait recevoir même la saison précédente. Hein. Je sais qu'à un moment, avec Michon, on en parlait. Faut qu'ils viennent et tout. Et ben voilà, finalement, c'est aujourd'hui le jour J. Valouz qui, entre temps, a cartonné. On en parlait. Tiens, justement, de ta chaîne YouTube où tu te fais plaisir. Tu te fais pas plaisir tout seul. Vous êtes deux. Ah ouais. Bah avec Pidi. Ouais, il y a Pidi qui a fait sa chaîne aussi. Hein. Bah maintenant, ça fait un an. C'est vrai. Donc vous êtes ensemble depuis très longtemps. Ça fait 10 ans. Et comment vous vivez ce côté parce que là, c'est une différence avec Michou. Comment tu vis ce côté? T'es l'un des rares sur cette ouais. Parce que moi, ça va faire 7, ça fait 7 ans et quelques. 8. Fais gaffe, elle est là-haut. Non, ça va faire 8. Ouais, ça va faire 8 semaines. Ouais, voilà. Ah, dis-toi directement là maintenant. Allez, ta gueule. 5. Je crois que ça fait 5 ou 6. 5, 10, c'est... Ouais, moi, ça wow. fait 10, c'est ma première et je suis son premier. 10 ans. Putain, putain, c'est fou. Ouais. Donc du coup, comment tu vis ça? Parce qu'elle aussi a sa chaîne YouTube, ça cartonne pour Pidi aussi. En vrai, on a tellement commencé bas qu'on a kiffé. Et maintenant, bah, on est dans notre phase où on est quand même... Ouais. Ça fait pas longtemps. Vous n'êtes pas connus alors qu'il y en a un des deux qui avait déjà... Ouais, c'est ça. On a vraiment tout connu ensemble et du coup, on se partage notre expérience, on kiffe. C'est vrai que pour la vie privée, c'est un peu chiant. Pourquoi? Bah, vu qu'on est en couple, les gens, tu sais, genre... Ils posent trop de questions, ils sont un peu non, curieux. Non, mais même en vrai, là, les gens osent moins venir nous voir quand on est à deux et ils nous regardent de loin. Et ça arrive vraiment fréquemment. Parce qu'ils ont peur de déranger. Ouais, je comprends. Ouais, c'est bizarre à dire, hein, mais en vrai, si, indirectement, hein, on est un petit couple star. Mais après, on est content parce qu'on se dit c'est que ça marche et c'est un truc de fou parce que Pidi, je lui ai tout appris de A à Z. Justement, ce que j'avais appris chez Eclipsia, j'avais appris vraiment le référencement YouTube, etc., ce qui marche, ce qui marche pas, avec beaucoup, beaucoup de talent. Et ben, j'ai tout appris de A à Z à Pidi. Maintenant, elle sait faire son montage, ses miniatures, elle sait tout faire. Elle a son emploi du temps. Elle a quitté son boulot là il y a 3 mois pour vivre à plein temps, 2 mois pour vivre à plein temps de YouTube et ça cartonne et elle kiffe et ouais, mais non, je vois, elle fait des vidéos où elle se fait son jardin, une autre vidéo où elles font du coup une épreuve de shopping. Enfin, en vrai, elle se fait plaisir. Comme toi, la même mentalité que toi. Ouais, c'est juste, on veut sourire, on veut donner le sourire aux gens et on se prend pas la tête. Pour être honnête, tu vois, il y a plein de couples comme ça, un peu YouTube, où dès que ça démarrait, je me suis dit, ça va mal finir et hâte de voir comment ils vont gérer ça. Honnêtement, vous deux, je me dis. Non, bah après, il y a quand même une sécurité, 10 ans, tu vois, c'est genre. Bah c'est surtout qu'ils ont formé leur couple avant d'être ouais, mais en plus de ça, ça c'est surtout ça je pense le côté fort. Et surtout qu'on a connu la galère et tout, tu vois. Du coup, bah maintenant qu'on a un petit peu de succès, que bon, bah forcément il y a des revenus tout ça, on se fait plaisir,
Bah, c'est mérité, mec. Vraiment, on vit notre meilleure vie, c'est trop bien. Bah, félicitations, Balouz avec nous là qui nous fait rêver. C'est trop cool, en vrai. On se reconcentre, messieurs, on renvoie les votes dès que possible. Vous connaissez la manipulation, point exclamation, ah, master kill. Sont partis, hein, les votes sont partis. Ok, bah, c'est déjà parti. Nous, on va au fief de Fatalist, nouvelle zone. X8. Chaque kill, chaque réanimation équivaut à 8 kills. Alors, t'as deux endroits, tu vois, t'as un manoir au fond Gotha. Le ouais. boss, il peut soit être là-bas, soit être dans le terrain de coup. C'est le boss qui a l'armée. Exactement. Si tu tues le boss, tu récupères. Bah les items, pouvoirs. Les pouvoirs. Il y a du monde les gars. Et ça te prend des slots dans tes items. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'est pour ça que Michou nous a dit d'aller là-bas. On voit que monsieur a su. Ça, moi. C'est pas toi qui a dit faut aller au fief à Ah mais t'es fou, c'est toi qui a dit ça. Bah moi je voulais une zone où il y a beaucoup de monde. Bah voilà. Ah oui, c'est moi qui a dit. Ah oui, du coup je me scanne comme un. Ok, c'est dans le scan le coffre. Non, c'est un boss. Hein. Un boss qui va t'éclater la tronche si t'es pas armé. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc arme-toi. Après, si tu le trouves pas ici, c'est qu'il est. Ouais, la carte, c'est le boss qui la donne. Mais les pouvoirs aussi, hein. Du coup, il donne ah ouais, carte et pouvoir. Tu redécouvres vraiment le jeu, Gotha. Ouais, mais totalement. Attends, mais y'a un mec en dessous, hein, Gotha. T'es pas seul hein, dans le manoir. Ouais. Pas te faire peur, ouais. Oh, le scan, ça régale, gros. On voit tout. Oh non, tu le vois aussi, merde. Ouais, c'est d'équipe. Mais je savais pas non ah plus. Ouais, j'avoue. Il va me laver, je suis mort. Attends, comment ça? L'agent Kidama, ça passe à travers ou pas? Ça passe à travers ou pas? Non, ça brûle la zone et. Putain, attends, mais il y a deux. Aled, s'il te plaît, viens me sauver. Ah, Gotha. Il m'a mis le Genki Dama, gros, je comprends pas. Attends, mais moi aussi, je comprends pas. Je suis en train de brûler, il reste 16 secondes, tu vas avoir un point gratos. Monte, Doc. Vite. Mais attends, je 5, comprends pas, mais il y a des mecs 4, qui ont le skin de Captain 3. America. Mais non, je suis en bolos. Non, mais je vais te Et ça fait des Master Kill Gotha, sans blague. Je vais te créer sur la vidéo. Je me suis fait bolos par un bot. Mais je te l'ai dit, arme-toi avant. Mais je me suis armé, gros, il m'a bolos quand même, il m'a fait Genki Dama et. C'est trop vite, ça m'a brûlé. Voilà. T'es mort? Ouais. C'est un peu trop agressif pour nous ça. Et Michou, tu peux venir sauver, s'il te plaît. Attends. Mais j'étais surpris par le skin de Captain America, oh il est sorti quand? Et déjà t'es mort par un mec mais qui est pas monde bon. Mais tout le monde est mort là. Là tu vas faire skin plaisir, Captain America et tu meurs, c'est que t'es. Après c'est le skin le plus récent je crois. Ouais, bah. Je connaissais même pas. Je viens Iron Man ça va, Captain America mec t'es. Putain je suis mort par un bot. Oh, j'ai plus de build là. Non mais croyez pas les gars, là y'a Michou qui va venir prendre ma plaque, qui va me réanimer. Michou, il y avait du soin sur ma pose. C'est lui. Oh y'a le boss, y'a le boss. Ok. Alors, ça va, moi, c'était rapide, hein, les gars. Je suis pas le seul à être mort par un bot. Oh il m'a surpris gros. Merci, mais en plus ça tire vite cette merde hein. Attends, ah ouais j'étais pas prêt là bon. Est-ce que ça donne envie d'avoir le pouvoir? Bah oui, mais là j'y retourne. Attends, mais le pouvoir il est électrique. Genre, attends, il est... mais du coup c'est moi qui paye. Attends, Valou, c'était à combien? 0. Oh on est deux. Moi je suis à 1. On la compte ou pas? Moi ce qu'on peut dire c'est que on rajoutera au compteur de la game suivante. On la compte pas, le perdant rajoutera 4. Plus 4. Ah, vous commencez bien du coup. Non, c'est 8. Plus 4 fois 8. Hein. Ouais. À 4. On refait une fois 8, puisqu'elle était rapide. Ah, avec les 4 là? Ah, ouais. Mais vous partez pas avec vos kills de d'avant? Non, juste on rajoutera 4 au perdant. Voilà. Le perdant il a plus 4 kills. Ça vous arrange, hein. Normalement c'est un de vous deux qui paye. Ouais, mais en fait c'est relou si tu finis dernier alors que t'avais géré la game d'avant et en plus tu te bust bouffe. C'est pas grave. On accepte avec Michou. C'est propre. On est là pour s'amuser. On fait ça. On retourne au même endroit? Vas-y, on garde les mêmes votes les gars, chez tous ceux qui ont voté pour moi. Tous les votes restent les mêmes. On rajoutera 4 justement au compteur de la prochaine game. Et les gars, on va au fief de Fatalist. Un autre truc aussi sur le chat, à partir du moment où vous voyez que le temps est fini, ça sert plus à rien de voter les gars. À part essayer de faire bugger le truc, ça sert plus à rien. Donc là il y a les modos là qui commencent à se vénérer, ceux qui votent en dehors du timer seront TO. Vous êtes prévenus, faites attention les gars. Vous avez 5 minutes, c'est bien assez long. Ah, on va faire monter les enchères là. Et n'empêche là on... On rentre dans les choses sérieuses là. Venez, on focus la prochaine, on propose une belle game. Parce que non, mais, ouais. Moi, non, mais mec, je découvre, je suis désolé. J'arrive en face de lui, il m'a fait pam pam, il a fait ça, non, ça m'a tué. Après, j'ai voulu me barrer, il m'a pas tué direct, j'ai voulu me barrer, je brûlais. Bah, je suis en train de brûler. Ouais, tu brûles la zone et c'est découvert, c'est bon. Y a pas de problème. Gotha, on est tous passés par là, je pense que sur le chat, on a tous vécu la même chose. Les gars, c'est rien de voter là. Les votes, comme on a dit, on garde les mêmes votes que la game précédente. Je sais que vous avez, quand je suis tombé à terre, vous avez été très nombreux du coup à voter pour moi parce qu'il restait encore du temps. Donc j'espère vraiment faire la game de ma vie. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le début de Master Kill. On met en place nos invités, on les met en confiance. Et vu que là, on rentre sur les gros multiplicateurs, là, ça tryhard. Ouais, là, on va proposer des belles games. Plus, ça serait cool de faire au moins un top ensemble aussi. Mais le problème de cette équipe-là, c'est que chacun joue pour soi. Non, c'est pas vrai, arrête. On a fait aucune action d'équipe. C'est vrai. Aucune. Ouais, non, et moi, j'ai proposé des choses. J'ai dit Michou, vas-y, c'est de me sauver. C'est Doigt qui vient me réa. L'école de Gotha, c'est viens me réa et ramasse ma plaque. Moi, j'ai mis un mec à terre. Premier réflexe que j'ai fait tout à l'heure. Je t'ai réanimé. T'as hésité, je t'ai vu un peu bizarre, mais je m'ai réanimé. Alors que si j'avais tué le mec, j'avais 3 kits, moi c'est sûr que je survivais gros. Oh, c'est sûr. Moi Valouz devait me réanimer, non, mais il n'y a pas de niveau. Après, on y retourne. Venez, on va tous au manoir.
Comme ça, on prend le contrôle du manoir à 4. Ok, ok, je suis chaud. Balou, c'est moi bon. Le boss, ah ouais, je l'approche c'est bon, pas. C'est bon, c'est où le manoir? Mais c'est le boss qui drop là. Le boss, il est pas tout le temps dans le manoir. Oh, c'est pour ça. Au pire, s'il y a pas le boss, on a au moins le manoir, tu vois. Ouais, mais en fait, tu vas manoir, tu fais un bot et au pire, tu les stalks là. Je sais pas quoi là. Mais tu vois à travers les murs, non? Ouais. Ouais. Parce que j'ai fait ça moi et du coup, j'ai vu le boss en bas. Ah, c'était pas mal, là, ok. Et attends, mais Gotha, du coup, t'as arrêté à quelle saison, toi? Il y a très longtemps, mec. Hein. En vrai, où j'ai vraiment arrêté de jouer quotidiennement, ça va faire des années maintenant. Ça va faire 2 ans presque, hein, je pense. Hein. Sérieux? Un an et demi au moins, ouais. Facile. Ah ouais? Et tu trouves comment le jeu maintenant? Bah, en fait, c'est cool. Quand je retourne dessus, je prends du plaisir, tu vois, parce que j'y joue plus du tout et du coup, je redécouvre des choses. Ouais. Et j'avoue, toutes les nouveautés, c'est cool. Après, j'avoue que les gens qui doivent jouer tous les jours, genre les pros, ils sont trop forts. Hein. Bah, ils sont trop forts, mais genre, moi j'aurais du mal à rester sur ce jeu en jouant tous les jours là actuellement, ouais, tu vois. Ouais. Surtout en ayant connu un peu l'époque, enfin l'âge d'or avec le double pompe, avec le tirami, avec tellement de trucs, tu vois, plus fun. C'est vrai. Ah mais t'es pas au courant? Non. Il y a la voix de Michou dans le jeu. Ah oui, j'avoue. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais non. Ouais, je suis dans les putain, radios. Mais, putain, c'est devenu tellement naturel pour nous, mais oui. Putain, faudra lui faire écouter un moment. Ah ouais. Ouais, je te jure. Mais tu pèses de ouf, Michou, c'est incroyable. Mais non, Michou, c'est incroyable. C'est le boss. En vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est pas au courant. T'as ta voix dans le jeu quoi. Mais genre tu. En fait j'anime une radio. Maintenant dans les voitures, il y a des radios, y a de la musique et tout. Genre et là entre... on peut prendre une voiture là, ouais. Genre on peut t'entendre. Ouais. Ouais. Entre les musiques, il y a ma voix. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est fou. Franchement on peut dire t'as percé hein. Ah, j'ai un peu percé. Genre... Parce que jusque là il hésitait hein, mais maintenant c'est bon. Y'a un mec sur moi. C'est vrai qu'on a dit qu'on joue ensemble hein. Je suis mort. Ah bah il s'est barré. Mais il a trop chill gros. Y'en a un qui est 20 HP sur moi si jamais. T'es mort, t'es dans le manoir ou t'étais à côté? À côté. Vas-y j'arrive. Y'a un mec derrière mec. Ok. Ok, on est tous ensemble, venez nous reste groupés. Il a pas l'air très bon mais il avait beaucoup de chance. On va ramasser la place de Gotha, on y va ensemble? Je suis chaud. J'ai trop peur de passer devant. Il avait l'air seul? Derrière moi? On est 3 hein. J'ai le focus, nice. Ok à terre. Putain attendez parce que faut faire des kills quand même. Derrière. Doc, ma plaque Doc. Combien de temps? Dis-moi. 3 secondes. Où derrière? Non, dis-moi la vérité, vraiment. Ok, oh, 20 secondes. Je suis pas super à l'aise là en plus. 15 secondes. Mais les gars j'ai pas de vie. Vraiment 88. On tue lui après. Oh. Enfin mais par contre j'ai aucun kill, c'est pas grave. Je déteste ces début de game. Prends ma plaque, hop c'est un free kill mec, c'est trop bien. C'est vrai. Je vais chercher Gotha, 49 secondes, tu m'as dit 15 secondes. Ok je suis mort les gars. Ton truc nouveau dans le jeu au score, bah on découvre hein. Oh non. Mais d'où il m'a vu frère? Doc, prends ma plaque et barre-toi mec. Oh non. C'est un bot. Genre t'as barre-toi, on reviendra plus. Non, tu peux pas, ils sont beaucoup. Ils sont combien? Ils étaient combien? Ils sont deux. Ah putain. T'as 0 kill mec hein donc. Non mais frère, au moins j'ai leur plaque. Doc, tu peux le faire. Tu peux le faire, Dwag. Ok. Mais c'est tilted ici en fait hein maintenant. Ah mais les gars, y'a trop de gens. Tilted, on sait plus jouer. Est-ce qu'on a les 5 kills? Moi j'avais 1. Moi j'ai fait 3 kills. On réaccumule. De quoi? Moi je suis chaud. De quoi? Attends, les gars, c'est pas une assez belle game. On avait 5 hein. Ah, faut plus de 5. Non mais il y a 4 chez... Attends, moi j'ai 3 kills moi. Mais c'est toi qui faisais tous les kills en plus hein. C'est pas vrai? Si, j'ai fait... Moi j'avais pas 4 kills si. Pourquoi? Non, j'avais un kill. Bah si vous voulez, la compte, c'est moi qui paye hein. Ouais, parce que moi j'ai une réa grâce à la plaque. Heureusement que tu m'as aidé à la ramasser. Donc ça fait 7, ça fait 8. 8 plus 4, on est à 12. Ça fait 12 fois 8. Normalement, elle est censée être validée, mon frérot. On t'a Et moi, je suis proche. Et je trouve ça très honnête parce que ceux qui avaient voté Gotha la game d'avant, okay. T'es pas chaud. Le seum. Écoute, j'ai perdu mon duel. Il avait 200 de shield. Merci de m'avoir dit pour la plaque. Hein. C'est ça m'a sauvé la game. C'est vrai, ça j'avais fait... zéro. J'avais parce zéro. Que t'allais mourir avec. Hein. Ah, franchement, t'as pris une plaque, t'as eu un point du coup. Ouais. Oh, ouais. Oh le point gratuit. Attends mais si tu réserves tes potes les 3 ils tombent, t'as 3 points du coup. C'est pour ça que après normalement je crois que dans l'ancien Master Kill c'est genre fallait que la personne soit réanimée pour que les points comptent. Non, on avait dit parce qu'en fait sinon en fait tu pouvais prendre la plaque et jamais réanimer ton pote et bah, c'est il me semble qu'il fallait attendre que ça soit rien non. Je vais me mettre à réfléchir. Mais bon, aussi, mais bon mais c'est la nouvelle saison quoi. Mais bon si tu veux, tu sais quoi, si tu veux on fait ça à partir de maintenant, mais je la prends celle-là, mais pour les prochaines fois faut valider l'arrière. Je trouve ça marrant le fait de prendre les plaques. Mais en fait c'est pas, en fait tu te boostes une réanimation, tu te boostes un point sans. Ouais, sans faire l'effort. Je comprends. Tu vois. Alors qu'en fait genre, j'avoue quand tu réa après la personne, mais je la prends pour moi les gars. Donc vous pouvez tirer au sort. Donc vous tirez au sort sur Gotha et du coup c'est 12 x 8, Michou tout de suite. Non c'était un point pour la carte et un point pour la raise. Oui mais le 12 x 8. 102. Non, c'était, les gars, c'était validé à partir 112. Du moment où la personne non. Était réa par le bus. Je sais plus compter. Envoie les deux points. Donc 10 x 8, 80. Et ensuite 2 x 8, oui, 16. Donc 80 plus 16, 96. Waouh. J'ai eu du mal. Je vous soutiens, vous inquiétez pas. Putain, y'en a, je vais le mettre bien. C'était un piège. Donc quasiment 100 euros, du coup, c'était une belle game. Et ce qu'en fait, c'était surtout pour passer au prochain multiplicateur. Et là, on passe en x10, messieurs.
×10 là. Bah ouais. Et là maintenant chaque kill, chaque plaque, chaque bus. Eh mais attendez, c'est 10 balles. Les gars, attendez la logique. Oui. Vous avez tous payé là, sauf moi. Attends, ah mais c'est scripté, faut suivre le script. Là, ouais, à partir de 21h45, c'est toi qui dois perdre la game x10 normalement. Ah, Valouz là. Aïe, aïe, aïe. À 22h, on va à Fatalis encore. À 22h03, logiquement, ah, on rigole tous. Vous êtes trop déter là. Surtout Fatalis. Que c'est un Fatalis début de bus. Alors là, ça peut être un massacre. Non, moi je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord, hein. Je peux aller ailleurs. J'ai pas assez de son du jeu, c'est pour ça que j'entends pas les mecs. Je crois que je vais pas vous. Non, mais Dwagby, tu parles trop. Ouais, du coup, en fait, j'ai ma voix en retour, j'entends pas les bruits de pas. C'est pareil, t'as la radio. Au pire, enlève mon retour, mais... Polo là, je veux tryhard, s'il te plaît. Non, laisse ton retour. Non, non, mais juste ma voix, je t'entends pas ta propre voix, t'entends ton casque. Ouais, non, si, je l'entends. Oh t'entends ta propre voix. Ah, j'entends. Ouais. Ah, ok. Polo, pourrais-tu m'amener un kebab salade tomate oignon, s'il te plaît? Fais gaffe, il va le faire. Hein. il est chaud. Les gars, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi aussi. Polo, par contre, est-ce que tu peux monter un petit peu mon son là pour le coup? Oh non, je voulais pas faire ça. Là c'est la game du tryhard parce qu'on est en x10, mesdames et messieurs, vous avez compris. Et vous allez pouvoir revoter dès que possible. Oh j'ai une Scar. Non j'ai un Spas. C'est peut-être le seul lundi où je dirais voter Gotha, c'est peut-être safe quoi. Ah c'est... J'avoue que je suis pas du tout à l'aise hein. Bah Lou, tu me dis s'il y a de l'action. Oh merde. Pourquoi ça pète dans tous les sens là? C'est au-dessus hein, embrouille. Putain, j'ai peur. Tu sais gérer les boogies là, j'ai vu que t'en as ramassé. Ouais, t'inquiète. Sur moi, Valouz. Non, j'ai rien dit. Free kill. Ah c'est quoi ça? C'est le Genki-Dama, Valouz. C'est quoi? Le boss qui a envoyé le Genki-Dama qu'on disait. Je te réa, t'inquiète. Free, avec grand plaisir. C'est 10 balles, hein. Allez hop là, réa 10 balles. Merci, merci. Joue. Mais le pompe il tire pas direct, c'est quoi les cette gars, merde? C'est le pompe à charge. Ouais, il est. Oh gros, je comprends rien au truc. Et comment tu l'appelles le truc du super-héros là, le Genki-Dama? Ouais, parce que c'est une référence à Sangoku, mais en vrai c'est juste parce qu'il fait à peu près le même geste, rien à voir. Je ramasse un pompe violet gros, ça tire pas direct. Mais attends, mais il est mort gros. Le boss? Ouais. Oh, t'as tout ramassé? Oh Valouz. J'ai la carte. Oh Valouz. C'est ta game hein. J'ai pas d'arme depuis tout à l'heure, j'essaie. Oh, ça je prends ça. Les gars, j'ai besoin d'aide. Ok. Mais je crois qu'il y a plus personne en fait là. C'était vraiment pas bon le temps sur la tête de ma mère, je voulais mettre un. Doug, va te prendre un point. Va me rire, Doug, s'il te plaît. Je voulais. Valou, ça arrive sur nous. Valou, ça arrive sur nous, vénère. J'ai pas de temps. Premier qui vient, je lui mets une boogie, Valou, hein, c'est prévenu. Hein. Je vais peut-être danser avec. Oh, y'a un pompe. Mais toi, c'est un bon pompe, toi, c'est sûr direct celui-là. Le pompe à charge, ouais. T'as un pompe à charge, t'as le pompe. T'as le pompe à charge, donc t'avais toi. Y'a le pompe classique chasseur et t'as le pompe. Oh non. Oh merde. Après t'es bien toi, t'es bien. Ouais j'ai 3 kills mais... Doug ma plaque Doug, me laisse pas mourir. T'es où? Bah, tu me vois sur ta carte. Oh mais t'es archi loin. Les gars, essayez de prendre au moins ma plaque s'il vous plaît. Je vous en supplie. Passe par le mid. T'es la plaque de gauche ou la plaque de droite? À gauche. Là en face de toi là, au fond. Ah oui t'es 12 secondes, j'y arriverai jamais frérot. Comment ça 12 secondes? Ouais Gotha c'est 19, 8... Attends mais vous m'avez laissé vraiment crever genre. Bah frère, tu comme très tard hein. Mais comment ça comme très tard? Je suis mort depuis quand tu tournes dans ton bâtiment. Comment ça marche le super pouvoir? Oh c'est horrible, non mais là c'est du hint, on me laisse volontairement mourir. Je suis désolé, j'avoue que j'étais... C'est eux deux qui m'ont tué. Allez Dwag. Non t'inquiète, ils sont nuls, ils font genre. T'as la plaque toi, t'as le coffre Valouz. Mais les gars, ma plaque s'il vous plaît. Comment ça marche le pouvoir là? Oh non, pas comme ça. Frère, c'est la première fois que je l'ai le pouvoir. Oh non. Il m'a perturbé. En gros, le pouvoir, t'avais clic gauche à t'envoyer des. C'est pas si fort, mais faut le faire intelligemment. Doug B, on a besoin de toi là, vite. Là, je prends double plaque. Hein. Là, je suis là pour les frères. Hein. Oh, je vais venir en hélico. Aïe. Il va falloir que tu te dépêches pour moi. Combien de temps? 20 secondes. Ok, ça passe. Moi, j'ai 72 secondes. Je le fais pour la mif. Oh là là. Doug B. À gauche. Ici, ouais. Oh, Doug B. Y'a moi aussi, hein, les gars. C'est un point gratuit. Mais gros, il reste sur ta plaque. Oh. Il savait. Oh, les bâtards. Ah, ouais, il est chaud. Aïe. En plus, ma plaque. C'est pris. Oh, t'es un boss. Je sais pas comment fuir. Je suis au-dessus. Mais gros, c'est quoi ça? Ils sont restés sur ta plaque, frère. Eh les gars, faut pas aller là, on va jamais sortir. On est à combien là sur celle-ci? À voir si on la cumule. Ah, c'est vrai que c'est un x10 là. Ouais, on a combien Moi j'ai du coup j'ai un kill et une plaque quoi. J'ai un kill et moi. Non, la plaque compte pas si elle est pas validée. C'est vrai, les gars, faut l'accumuler. Un kill, une réa. Donc toi t'as fait 3 game. T'avais un kill? Moi j'avais 3 kills. J'avais un kill?
Donc on a 6, ça fait 7. Donc soit c'est Pierre. Ouais, soit c'est Pierre Festis entre Gotha et moi, soit on l'accumule. Mais non, il y a Valouz aussi. Valouz, il a deux. J'ai un kill, il a Mani Maria. Moi. Ah. Maria pour de vrai. Mais toi, t'as un kill et une plaque, Doig. Non, on a dit qu'elle comptait pas. J'ai dit juste avant. Pour pas le prendre en tête, j'ai dit, tu sais quoi, je prends celle-ci, mais à partir de maintenant, ça compte plus. Gotha, moi je te propose un cumul. C'est-à-dire qu'on la rajoute et on fait une fois 10 tout de suite. Allez, ouais, hein. Mais en fait, c'est con parce que eux, du coup, ils. Non, j'ai accepté tout à l'heure d'être beau jeu, ils vont l'accepter. On joue le jeu, t'inquiète. Ouais, on joue le jeu. Par contre, si je perds. Par contre, attends, pause. Moi, par contre, je suis d'accord pour que vous commenciez avec vos kills que vous avez là d'avance. Ok, bah, j'avais un kill. C'est sympa. Bah, moi, ça m'arrange. Plus l'aria ? Non, pas l'aria. Pas l'aria, mais genre, tu commences avec un kill, lui avec 3 kills. Ok, je suis bien. Moi, je suis bien. En vrai, parce que c'est pas fair pour nous de. Quand on commence une game à 0-0, vous avez commencé votre aria bien. Du coup, j'ai mon kill aussi et toi, t'as ton kill ou. Ah non, nous on a 0. Ok, nous on a 0. Ah bah non, nous de base, mec, on était sur le point de payer combien, 70 balles. C'est vrai. Comme tu veux. Non, c'est vrai. Moi j'accepte. Bah moi je suis chaud, vas-y go. Ok. Vas-y go. Donc Michou démarre à 3 et Valouz démarre à 1. Ouais, ouais. Ah bon, dis-toi là que là la game commence avec 70 kills. Hein. Ouais, donc là. 70 euros. Mais attends, mais le pouvoir il est fumé en fait. Il y en a un, il va se mettre très très bien. Le pouvoir est trop fort. Il est trop fort le pouvoir. On va plus là. Ouais. Mais gros, depuis tout à l'heure on spawn là, gros, je n'ai pas d'armes, je ne sais pas comment me battre, je ramasse des trucs, je comprends pas. Et les gars, faut qu'on spawn ensemble, s'il vous plaît. Moi j'avais trop une technique. J'étais tout seul contre une team. Ouais, du coup je prends les coups. J'essayais de gratter. C'était ma technique de l'année dernière, ça. Ça marche très très bien. Les gars, c'est à un de voter, on garde les mêmes votes. Même vote, 70 euros. On garde pas les mêmes votes. Ouais, ça restart. Aïe. Comme ça, c'est parfait. Vous pouvez revoter en conséquence. Il y a 70 euros déjà dans la cagnotte, du coup, avec qui va être cumulé. Allez-y, les gars, vous avez 4 minutes. C'est trop bien, je vais avoir 0 vote. Ah bah là, 3 kills d'avance, mec. Alors, je tiens à le dire, les points bonus que vous avez au départ, on les enlèvera de la somme. Parce qu'ils sont déjà comptabilisés dans la game précédente. De quoi ? Le 1 et le 3, on l'enlèvera de la somme. Par contre, les points, ça marche, mais de la somme. Parce qu'on les a déjà comptabilisés dans les 70 euros. Ah oui, bien sûr. Ok. Oui. Mais donc, jouez votre game comme si c'était une nouvelle game pour vous. Même si vous avez un petit bonus. On va où ? Vas-y, Michou, je te. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Salty, c'est agressif, mais ça va encore, non ? Ouais. En vrai, ça a jamais changé, ça. Non, pas non, c'est vrai Gotha, que Salty, ça va, pas tu vas pas être perdu. Je vais pas être dépaysé, normalement. Ouais. Ah, tu le fais pour Gotha, ce spawn ? Ouais, voilà, c'est quel ça. Quel gentil bonhomme. Il a pitié envers moi, là. Il voit que là, il y a deux lobbies qui se passent pas bien. Valouz aussi, ça l'arrange. Moi aussi, ça m'arrange. Hein. Non, mais c'est pas un vrai pleasant. Je suis arrivé dans le bâtiment que je fais habituellement, il y avait une caisse que je pouvais pas ouvrir. Oui, ouais, mais là, c'est pas possible. Dès que je sortais du bâtiment, il y avait un laser rouge qui me scopait. Je comprenais rien. Il y a pas de boss, il y a pas de. Voilà, c'est du vrai fight. Hein. Ah, mais plus droit, ça a changé un petit peu là, non ? Bah, t'as la pompe à essence en plus. Bon, c'est. Mais le haut de la ville a vraiment pas bougé quoi. Ok. Mon bâtiment, je sais pas, y a pas le truc secret. Enfin, y a plus le passage en dessous. Michou, contact Michou. Oh non. Bonne chance, les gars. Et nous, on est trois à se partager ça. Hein. Oh, ok, j'ai un pompe bleu, il le sait pas. Non, mais quoi ? Mais pardon ! Aïe, Michou. Mais pas comme ça, frère ! Après ça va, t'as 3 points de base. Hein. Mais ouais, mais je suis deck d'être mort. Moi, je veux faire une bonne game, les gars. C'est vrai que ça serait bien qu'on fasse une vraie game. Non, j'ai encore le pompe. Tu veux me le donner ? Ouais. Oh non. Si je donne la pompe, je donne le pompe. Vas-y, on échangera peut-être après. Allez, les gars, vous les fumez, ils sont nuls. Attendez, j'ai trouvé du shield, moi. C'est qui tire là ? C'est moi, gros, mais c'est Nerscope, ça met trop de temps à tirer. Attends, j'étais pas prêt. Allez, mon Val. Oh, j'ai qu'un gun, gros. Hein. Ils ont rien. Oh, ils sont en fusil à pompe quoi. T'as pas une mini-pote pour un frère ? Si, une. Ils se battent. Oui, c'est vrai qu'on peut les balancer maintenant les trucs. Tiens, je vais juste faire. Dis-nous si tu vas au combat, Valouz, hein, qu'on t'abandonne pas. Valouz, il est au combat. Hein. Parce qu'il veut prendre la plaque du frérot ? Ouais, mais là je peux pas, frère. J'ai qu'un flingue en fait. J'en ai break un. Vas-y, j'arrive. Oh ! Putain, c'est la plaque. Pour toi, Valouz, la plaque, t'es un monstre. Fais gaffe Val derrière. J'ai plus Ah si, en fait j'ai encore des petits trucs. Il a pris moins 28 une fois. Il est blanc dans la maison. Il y en a un blanc dans la maison et l'autre est shielder. Ah oui, Gotha, tu tentes. Bah alors je vais être honnête avec toi, c'est pas parce que je t'aime bien. Oh non, je suis mort. Oh le bat. Oh c'est dommage. Ouais c'était pour le point, c'était pour le point. Ça arrive sur nous Valouz. Mais ça tire pas, gros. Mais attends. Il est où ? Oh il est derrière, il est passé par le garage. Ah j'ai qu'un flingue. Bon celle-là sera coupée au montage hein. Mais en fait j'ai pas d'arme. Ah mais gros, après on a pas killé hein. Moi si Doig là il se fait tuer remake hein. Ouais, ouais, ouais.
Nickel, allez, c'est terminé, allez. Ça marche dans la vraie vie, tu sais. Nickel, gros. Bah, bien joué, les gars. Hein. Mais on est nuls. Mais ou en fait, le truc, c'est que. S'il vous plaît, non, mais ne dites pas le spawn à l'oral. Depuis tout à l'heure, regarde, il vient de te tuer, là, il fait son intéressant, il te montre qui s'est édite. Faut arrêter, les gars. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il faut reprendre les bonnes habitudes. Dites pas où on va, tu ping, on y va et c'est vrai que là il vient de te tuer Doug et après il a utilisé 600 constructions là juste pour te montrer que ça avait dit. Pour relancer quoi, ok. Ah carrément Quoi Il y a eu des points là. Non, il n'y a pas eu de points là. Mais par contre vous perdez vos bonus quoi. Tu t'as pas vu la tête de Michou. Il m'a regardé en mode Non, t'inquiète. Non, comme t'as dit, coupez au montage. C'est la force. Celle-là, on l'oublie. Mettez du délai. Non, mais nous, on veut pas forcément. Surtout cette qu'on a. Game, elle est que pour vous. On vous a prévu une belle live. Soirée. Vous inquiétez pas. Parce qu'après, quand on jouait beaucoup au jeu, c'était moins dérangeant. Le stream ouais. Déjà, c'était dérangeant, mais pas. Là, les mecs, maintenant, ils sont tous devenus chauds. Ouais, hein, ils sont tous chauds. Ouais, c'est ça, ils sont plus chauds que nous. Hein. Concentration, messieurs. On est capable de proposer une belle game. Il y a 70 euros dans la cagnotte. Il y a un petit bonus de 3 kills pour Michou pour celle-ci. Un petit bonus de 1 kill sur Valouze. C'est la x10, c'est l'avant-dernière parce qu'après il y a la game bonus. Si jamais elle est activée par nos invités. Elle sera activée. C'est 100% là, ouais. Toi, je sens que t'as la dalle. Elle sera activée, t'inquiète. Ça t'a frustré qu'on n'ait pas pour l'instant rentré une belle game. Focus. Moi, je suis. Allez, let's go. Focus. On doit porter Gotha. Focus. Après, il y aura une belle game, moi, je vous le dis. Tu choisis le spawn, mon cher Michou. Je choisis le spawn. Ouais. C'est okay. Faut pas sans le dire à l'oral. Ah oui, c'est vrai. J'allais carrément call. Hein. On va à Salty. Ça bouge pas. Ouais, ah ouais, mais les gars, ping, je vais vous dire un spawn, vous allez m'insulter. Ping, t'inquiète. Y'a plus l'yacht. Moi j'aime bien. Ok. J'aurais même pu deviner. Ah ouais. Ouais, je me suis douté que t'allais. Un classique quoi. Ouais, un bon choix. Regarde, un classique hein. On la connaît très bien. Tu vas souvent, toi. Il y a des points d'interrogation. Ah, t'as donné un indice au Slimaker, putain, Doig. Mais je suis jamais là, plaisante. Aïe, Doigby. Ah ouais, ils sont compris que c'était Slurpy, quoi. Ah, là, je viens d'enlever une deuxième ville. Ouais, ils savent que c'est pas Slurpy. C'est pas Salty, c'est pas Slurpy. Ils vont rentrer dans notre cerveau, là. Ouais, c'est fou, ils sont forts. Putain, mais je vais payer méga cher, là, vas-y. C'est vrai que là faire déjà, gaffe à cette game. Ah ouais, mais les gars, il y a de l'argent en jeu. Ouais, cette game, en vrai, elle est très, parce que nous, on rigole et on oublie la somme. Focus. Allez, Michou tombe. J'en ai dans le chat. Ça démarre bien. Sympa. Il y a une team, les gars. Ok. Je vais vers Gotha. Ouais, je pense que c'est le bon côté de la ville. Il y a des nouveaux pièges et tout. Ah, je veux bien un vrai pompe, juste un pompe qui tire direct quand tu tires dessus. Ouais, chasseur ou et à une charge. R. Ouais, il est horrible le pompe à charge. Hein. Et je comprends pas, genre ils m'ont dit faut appuyer deux fois, mais ça marche pas moi. Non, faut rester appuyé. Faut appuyer et relâcher. Ouais, mais on m'a dit que tu peux tirer direct si tu restes. Ouais, si tu fais ça vite. Ça fait clac, clac. Ouais, reste appuyé. Et en gros, si tu switch d'arme un peu trop vite, ça annule ta balle et elle part pas. Et je pense que c'est le switch d'arme que t'as naturellement qui empêche. Putain, mais c'est dingue comment là c'est agréable. Ah bah, c'est vrai que suite, ça c'est agréable. Hein. On est bien là. Hein. Attends, j'entends un coup. Ah, je reprends ce pompe du démon. Là. Ce pompe du démon. Ok, tout va bien. Alors après, là il y a un établi si tu veux ici. Et pour quelques construits, je crois que c'est 30 de chaque. 20. 20, bah tu peux changer ton pompe du démon en pompe à chasseur. Ouais, mais sur un bon pompe, genre c'est 150. T'inquiète, non, je l'ai vu à ton tournoi hier. Non. Ça c'est au cas où tu veux l'évoluer. Mais tu peux changer ton pompe de démon en pompe chasseur. Ouais. Ah, ça je savais pas non plus. Ouais. C'est-à-dire que si tu trouves un pompe à charge bleu, tu peux avoir un chasseur bleu pour 20. Ouais. Ah ok. Ah, ça c'est giga intéressant, j'avoue. Ok. Alors la team, elle est pas agressive de ce qu'on a pu comprendre. Bah, je la cherche, mais je vois rien. Quelle team? Ah, il y avait une team. J'ai vu une team. Ouais. Ouais, j'avoue, ils sont chill. Ouais, c'est la belle game là, je la sens bien. Ils ont dû avoir peur de nous, gros. Ah, ça, je serais pas sûr. Merde. Oh. C'est fort les répulsions, on est d'accord. Oh, désolé. Et Valouze, tu mets des coups de pression à tirer. Ah, désolé, j'ai voulu éditer à travers un camion, j'ai pas réussi. Oh, ça tire là-bas là. Pas. Ok, j'arrive pas à pin. En vrai, Valouze, il surprend là sur le BR. Hein. C'était l'homme sur qui il fallait miser ce soir. C'est vrai que Valouze n'a pas payé. Il a un kill d'avance. Mais ça, c'est le genre de gars, il va se prendre la bonus dans la tronche. Ouais, c'est ça. Il va s'en rappeler toute sa vie. Ah, je vois Michou passer à l'agression. Ok, là.
Oh non. Terre. Oh il a une balle. Oh j'ai trop le mort. Il est où? Non il est parti. Oh il vient de jump. Oh il vient de jump. Let's go. Oh, là, là. Ça y est Michou il est méga safe là. Oh ouais. Moi je suis bien. Y a un chasseur si quelqu'un veut ici. Oh les gars j'ai un vrai stuff quoi. Faut qu'on joue une heure et demie. Non fallait juste pas coller les spawns en fait. C'était vraiment ça. Après du coup ils viendront en décalé hein, mais au moins on est tranquille pour un petit moment quand on peut se looter quoi. Ah voilà j'ai un vrai stuff. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai envie de partir à l'aventure mais il y a les risques qui vont avec. Balouz viens on s'échappe un peu non? C'est ce que je fais là. Surtout ouais. Qu'on a pas de construit. Je viens de rajouter 20€ à la cagnotte les gars. Ouais, mais toi t'es full safe avec ton bonus, t'es full. Non, en fait, pour moi en fait c'est toi qui dois pas kill moi en fait. Après Valouz on peut le rattraper face. Ouais. Moi j'ai que un kill hein, les ouais. Gars. Ouais, je sais mais. Un en fait kill, tant que toi qui kill pas, je me dis je suis pas derrière quoi. Au pire des cas il y aura un Shifumi ou un truc quoi. Si égalité c'est Shifumi c'est ça? Je sais ouais. Pas, on sait pas mec, on adapte. En fonction du mood, en fonction de. Mais oui souvent ça se finit ouais, sur un Shifumi. C'est bien un Shifumi. Shifumi c'est bien ouais. Ça met un petit coup de presse. On sent la tension là, ça souffle. Parce que c'est quand même une fois 10 messieurs, vous voyez le multiplicateur au milieu, en haut de votre écran. Pourquoi t'as rajouté 20€? Ah t'as fait 2 kills Mich. Ouais. Ouais. On est devenu nul quoi. On est des vieux. Parlez pour vous. J'avoue Michou, ça sent bien depuis tout à l'heure. Pas grand chose par ici. J'ai quand même payé deuxième game hein. Ouais mais ça arrive tu vois de... Ouais un accident de spawn. J'ai dû prendre le pompe à charge. Ouais, moi aussi mais juste pour... Mais ils sont où les établis? Je crois qu'il y en a un ici en plus. Je saurais pas te dire où mais je sais qu'il y en a un. Après ce qui est bien c'est que tu peux avoir des poissons. Et ça les poissons... Attendez mais je vois vous êtes full shield là les ouais, gars. J'avoue, non mais moi je suis. Quelqu'un a des mini potes? Quelqu'un a des mini potes les gars? Non désolé les gars. Arrêtez, arrêtez. Mais ma cam si tu veux aller en stream. Bah pareil mais ma cam si tu veux moi enfin... je. Ok. Bon bah pas de soucis. Moi, je suis très team player quoi. Si j'avais du shield j'aurais donné à toute l'équipe. Tiens Valouz, tiens Valouz. Quoi? Oh t'es vraiment. Tu lui as donné quoi là? Oh là 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 c'est la régalade. Mich viens ici. Oh, allez, non mais c'est bon, moi je t'inquiète, je me débrouille tout seul. Okay. Je sais pas pourquoi je fais ça alors que Valouz c'est mon concurrent direct. J'ai pas confiance à mon équipe. Merci Gouta, t'inquiète, ça sera... Je vais essayer de... Je vais essayer de te sauver au cas où. Ah ouais, je te Valouz, promets rien, je te jure. Un sand shield. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais. J'ai une bonne aide, ouais. Moi je demande, ça me dit, j'ai rien. Ah ils sont partagés un petit camion, j'ai capté. Oh non, 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 non on m'a donné deux gros spots. Ah, oh, oui, pire. Ah oui, ah oui, j'ai une offrande. Non franchement c'est généreux. Mais je me dis comme ça il sera plus en confiance pour aller devant et il va tomber. J'ai eu trop de ah, par contre j'avoue quand on colle pas spawn après c'est vide hein. J'avoue y'a jamais personne les gars. Ça fait du bien. Pour être honnête de se balader un peu, on peut regarder un peu le chat d'ailleurs. Ah là on peut souffler un petit peu. Ah là on peut vraiment souffler. Dites nous ouais. Ce que vous en pensez pour l'ensemble de cette soirée le chat. Est-ce que ça vous fait plaisir de nous revoir? Pourquoi est-ce que vous aimez aussi ce côté plateau? Est-ce que ça vous a autant manqué qu'à nous? Dites-le nous, on va essayer justement d'en profiter un maximum. C'est vrai que là vous êtes à côté de moi les gars. Bah ouais, c'est tout à l'heure je suis plongé dans mon écran et vous êtes juste là. C'est l'habitude tu vois. C'est fou. Salut Mich. Ça va Valouz? Oui, vous faites pas souvent des trucs en IRL, IRL genre dans le gaming? La dernière fois c'est il y a un an, à Halloween. On avait fait un événement Halloween, ouais c'est tout. Et ça vous intéresse pas de faire des projets gaming, des trucs comme ça en IRL ou... Bah c'est juste niveau organisation qui s'en occupe. Ouais en fait... On a aucun crouton qui prend les devants. Ouais, c'est ça. Du coup, ça. Tout le monde attend qu'on propose. Si quelqu'un propose, tout le monde va être chaud. C'est ça. Mais... Si personne propose. Ouais, ouais, c'est ça. Putain, mais j'ai voulu être égoïste avec mon shield, mais non, j'en ai trop, quoi. Bah, si tu veux, je suis là. Tu peux stack les gros spots? Vas-y, vas-y. Je te file une petite. Ah, oh, ouais, je suis chaud, vas-y. Allez. Une petite contre une grosse, c'est un très bon troc. Ça troc. Regarde, tu vois, je te l'ai mis de la confiance absolue, quoi. Regarde, je mets carte. Attends, mais pourquoi j'arrive pas à lancer? Ah ok. Merci beaucoup. Si merde. Ah, mais c'est vrai, on peut lancer des trucs maintenant. Ça, j'avoue que j'utilise jamais hein. T'as envie de prendre une voiture juste pour mettre le son de Michou à fond quoi. Ah, ah, moi j'ai peur des copyrights moi parce qu'il y a pas mal de musique ah, aussi. Ouais c'est vrai. En plus ma radio elle est copyright.
Ah ouais, même ta radio? Ouais. Enfin, les musiques qui passent pas sur passage. Ma voix, elle est pas copyright, mais ma radio. Mais c'est pas dérangeant ça? Bah, du coup, moi, je l'écoute jamais. Je t'avoue. J'ai entendu ma voix une fois dans le jeu pour voir et c'est tout. Putain, y'a vraiment personne, les gars, c'est ouf. C'est quoi ce bruit? Ah, mais c'est parce que t'as pris le camion. Les gars, y'a des grenades ondes de choc, je sais que ça peut être bien. C'est quoi ta radio, toi? Attends, mais écoutez, on est pas dans la zone. Moi, c'est radio beatbox. Non, est pas dans la zone, les gars. Non. Ah, mais j'ai accès, que à F3 parce que j'ai désactivé les copies. Ah, ouais, bah. C'est qui qui tire? Oh, tu m'as fait. Oh, y'a du fight, oh, je suis désolé pour la radio, mais là. Pas où on est. Oh, je le loupe, putain. Écoutez. Putain. Bon, vas-y, il est pour vous, les gars. On est loin. Oh, je voulais tellement KS. C'est au Malouz, on est un peu loin là. Un petit peu loin. Let's go. Ah, mais attends. Oh, mais toi, c'est un bot, gros, t'as une chatte. Du siècle, en Let's go. Ça. L'hélico vient se synchro sur lui. Hein. Putain, t'as eu un bot, j'ai le seum. Comme par hasard, moi je kill, c'est un bot, toi tu kill. Mais gros, on vient de tirer, il est en train d'avancer il tout droit. Il bougeait pas beaucoup ton mec. À croire que t'as tué Nikoff et Airwax, toi. Ça ouais, je te jure, je te jure. Ah, il est dans la zone le mec de l'hélico. Oh là là, c'est gratuit. Y'a un mec dans la zone là? Bah, y'avait l'hélico qui faisait du bruit et là y'a. Oh oui! C'est touché. Je vais lui laisser son kill. Après, les gars là, les compteurs commencent à monter. Hein. Si quelqu'un vient où je suis. Oui, j'ai un mec en face. Où? Là. Ah ouais, bien vu. Oh, je vais prendre une sale balle. Ok, il est dans le blanc, les gars, il est dans le blanc. Je vous le dis, de toute façon, moi j'ai 5 kills, je suis bien. Est-ce que tu vas me le laisser? Après, si je peux le kill, je t'avoue. Attends, mais il est où? Ah, il est là. Quoi? Oh, je lui ai mis deux têtes. Oh, il a le pouvoir de Fatalis. Yes. Oh, t'as mis une balle, gros. Non, 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 j'en ai mis trois, frère. Attends, mais Gota, il parle pas, mais il est en fight là. Hein. Ah, les gars, la communication là, on vise le top 1. Les gars, la zone. Ah, oui, j'avoue. Ouais, je reviens vers vous, moi c'est la crise. Gota, tu gères? Je t'avoue, je t'abandonne, gros, il y a la tempête. Oh, let's go, Gota. Au pire des cas, je te. Tiens, t'es ping un kit. On est trop généreux, Val. Hein. C'est pas l'esprit Master Kill, ça. J'avoue, on est là, on travaille d'équipe. On va faire top 1, les gars. J'ai pas fait de top 1 de la saison. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vois tout le monde est dans son coin, plus personne parle. Attends, mais Gota, ça il est tire en fight derrière, encore. Mais après il est dans la zone, il prend ses risques. Mais Gota hein. Il est en fight encore. Ah, il prend des très gros risques là. C'est très bien comment ça peut finir tout ça. Soit il se met à l'abri. Ah, il a kill, il a kill. Il y a des mecs là-bas. Je pense qu'il s'est mis bien à l'abri. Hein. Ils sont un peu loin. Ok. Ouais, ils sont très loin. Je Dois galère, mais t'inquiète, j'ai mon plan de secours. On a une team en face. T'as combien Valouz de points là? Ok, il faut les prendre sa responsabilité, les gars. J'ai fait un kill. T'as combien de kills, Gota? Gota il est en mode 0 fan, il me tue. Mais sans blague, gros, t'as vu la 5 qu'il y a là? Ça me stresse. L'autre, tu des bots, gros. Je dois aller chercher mes bombes aussi. Hein. Oh, attends, tu l'as tué? Il s'est couché devant c'était moi. Beau. Il s'est couché devant moi. Putain, je stresse. Laisse les paréas, Mais fais gaffe, il y en a à droite aussi. Hein. On s'en fout. Mais moi, je peux pas assumer ça. Il réa pas, gros. Mais au final, t'es touché 23 dans le shield. Non, c'est moi derrière. Je crois que j'ai un, moi. Et Valouz, il a deux. Putain, j'hésite à rush. Chut. Dans le Gota ou tu m'as fait tomber pour pas que je tire? Ah, y'en a un qui protège, y'en a un qui réa. Hein. Ça y est, on a le Gota. Ça y est, on a le Gota. Gota, il a c'est edit. Quoi ça? Je suis KO. Fais gaffe, ça va te cramer là. Oh, faites gaffe, y'a plein de teams là. Y'a un mec en bas. Ok, Dwag, t'es sur moi, ouais. Oh putain, j'ai pris cher. Y'a des mecs de partout en fait. Ouais, là ils ont capté un. Oh non, mais gros, j'ai fait de l'AD là. Faut le finir. Putain, c'est vrai que j'ai pas de PM. Let's go. Aïe, ça okay, sent mauvais là. Tout le monde qui fait ses kills là. Oh, ça fait plaisir ça. Oh les gars, comment je suis bien. Bah, nous en stress. Yes. Et on peut top 1 celle-là. Ah, mais top 1. Ça change ils sont rien. Où là? Doc, t'en es où toi? 2. Je suis à 2 aussi. Non, t'as 3. T'avais un point bonus. Ah, oui, c'est vrai. Ils sont tous morts? Non, il en reste un là, si vous pouvez me le laisser, la famille. Doc, c'est chacun pour sa peau, j'ai l'impression là.
train de faire mes meilleurs edits. Hein. S'il vous plaît, laissez-le moi les faire. Mais il a pas l'air dégueu, hein. Je suis down. Oh. Je suis là, mon pote. Oui, vraiment, laisse pas Valouz. T'as un monstre, Michou. Non, Gota. Non. Gota, c'est pas très légal, attends, ça. Attends, je ré Dwag. Gota, c'est pas légal, ça. J'ai l'impression que ça veut pas qu'on. Non, mais y'a un mec derrière. C'est qui là, c'est qui là? C'est moi. Il sera la chatte. Bon, de toute façon, vas-y. Non, oui. Bah God, si tu veux, on ferait pas en fait. Non, vas-y, bon, ça me va, un petit réa, je me fais discret. Oh, je suis à découvert, putain, je prends une ça a pas tiré la balle de pompe, j'avais le pompe. T'as du coup, c'est... Oh, je me suis pris dans la tête. Michou, mais c'est scripté, c'est pas possible. Michou, moi en premier, j'ai 30 HP. Ouais, j'avoue. Oh merde. Non, attends, Gota, faut pas qu'on fasse les cons en vrai là. Oh, mais Gota, il se met bien là. Gota, va faire un tour. Gota, va mourir. Attends, je te couvre. Gota, va faire un tour. Reconstruis. J'en reviens pas. Faut qu'on win. C'est Gota mais qui mais arrête, on est pas dans la zone, donc là c'est Gota qui est mort. On est dans la zone. Gota, t'aurais pu me laisser, c'était ma strat. Putain, c'est quoi, mec, gros, comment même ça, ta pas strat une seconde, j'avais été réa. J'ai vu. Bah, en vrai, ça m'arrange que tu l'aies pas prise, mais. Putain, je l'ai touché. Ok, nickel, j'ai ma petite réa. Plus jamais je rejoue ce pompe. Hein. Y'a deux teams qui se battent là-bas, là devant. T'as un kit pour un frérot, Valouz? Non, c'est mon dernier. Les gars, moi j'ai une grosse pote. C'est vrai en plus. Waouh, ouais. Y'a une grosse pote là, les gars. Oh, tu le diras pas deux fois. Mec, ça me stresse comme à l'époque. J'ai joué tout l'été, frère. Allez, cette game là, je sais pas c'est qui va payer, mon pote, mais. C'est moi. Ça commence à être giga chaud là, j'ai. Dwagby, t'as intérêt à faire des kills, hein. Oh, mes edits, oh là, y'a rien qui va. Ça va, Dwag, les vidéos font des vues en ce moment. J'ai vu, ça marche bien là, ça les Dwag Cup et Carré ton vif tout seul. Dis-nous un petit peu plus là, cet été, on ça s'est passé comment? On investit beaucoup dans les cash price, la famille. J'étais pantalon, je vais te mettre tellement ton Valouz, stop. Ah les gars, là je suis en mode tryhard, là je. Bah on a vu. Y'a une team là, là, là. Venez, on se les fait. Mais Michou, il est tellement chaud là. Oh, un inter. T'as combien Valouz là? T'es toujours à 3? Ouais, je suis chaud, c'est vite dit. Hein. T'es toujours à 3, Valouz. Je suis vraiment en train de jouer avec cette arme, moi. Valouz. T'es à 3, ouais, putain. Il faut au moins qu'il. Je veux aller gratter le pierre pistolet avec Valouz. Ah, ça se bat là. Gota, calme-toi un peu, Gota là. Ok, inter. Oh, vous me stressez là, les frères. Ah, je suis mort là. T'es où? Let's oh non, go. Tu me l'as pris. Enculé. Désolé. Vous êtes vas-y, ça je prends. J'ai pas le temps d'attendre. Oh non, j'ai rien, putain. C'est quoi ça? Là, il y a les pouvoirs. Oh yes, t'as pris le pire pouvoir. Non, en vrai, il est. Ouais, non, en vrai, il est. Attends, mais c'est aucun, hein. Pas le poisson. Ça ramasse. Vas-y, drop-moi l'autre, s'il te plaît, il a l'air. Vas-y, je te le donne. Merci. Mais ça, c'est quoi ça? Y'a des grenades, les frères là? L'autre, tu tires des petits lasers un peu, c'est stylé. Ils sont en train de faire les courses, on se prend des greux! Celui que t'as, tu peux sauter loin et tirer des lasers, genre. Je suis stressé moi aussi. Ouais, j'ai testé ça en backup. Ok. Mais tu m'étonnes, t'es stressé. Attendez, mais les gars, on peut top 1 là! Mais c'est pas le top 1 là qui nous intéresse! Mais bien sûr que si, frère! Let's go! Oh non. Gota, il est sur l'autre team? Allez encore, je suis désolé Valouz, je t'aime mon frérot, mais là ce soir c'est toi ou moi. Pourquoi je vois personne? Let's go! Oh là 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 là, Val! Oh non non. Let's go! Attends, mais c'est qui t'a tué là? C'est lui! Gota, frère, voilà, viens ici toi. Oh Val, meurs pas. Michou, yes! Gota, s'il te plaît, Gota, troll pas. Je suis à égalité avec le. Attends, t'es où Dwag? Non, c'est Gota Makima, c'est Gota Kima. Hein, quoi? Tu peux pas m'avoir, tu peux pas m'avoir. Non, y'a pas de discussion, y'a pas de discussion d'avoir cancel. Les gars, il reste c'est Valouz ou moi? C'est Valouz, je suis désolé, Valouz, c'est toi ou moi? Il m'a mis une vraie balle de snipe. Il y a pas Valouz, il met des vraies balles de snipe, fais gaffe à toi, mon frère. Attends, on paye quand même sur fait tapin, Nico? Oui, c'est pour ça que là c'est Valouz ou moi, tout est safe, faut que t'en cherches pas. Comment tu sais? On est à égalité avec Valouz, je crois qu'on est à égalité si je fais bien les comptes. Oh, il a plus de vie. J'ai mis une balle de snipe. Non. Oh là là, Valouz. Laissez-les moi. Valouz. Arrêtez de jouer, Michou et Gota, laissez. Gota, laisse-les, laisse-les. Gros, depuis quand tu mets des balles de snipe, toi? Le tue pas, Gota. Bah, je suis pas safe, je crois, moi. Il est là, les gars, il est là. C'est full safe, j'ai pas de contrôle. Il est devant moi. Il est en bas devant moi. Je suis là, vas-y, Michou, envoie. Il est là, là. Il se build fight contre moi, là. Mais j'ai pas de constru. Ah ouais, bah frérot. Attends, mais il va me fumer en vrai, là. Hein. Il est où, là? Oh, je suis en stress, mais sur gros. Moi, là. Pardon. Ça m'avait manqué le master kill, mais bon. T'es où, Mich? J'ai pas de constru, c'est terrible. Attends, je pète tout. Je pète tout aussi. C'est la strat. Venez, on pète tout. Il est en haut, là? Il est où, gros? Je sais pas où il est, frère. Attends, 4, 5, il en reste un. J'entends pas, en plus, j'ai pas de son.
S'il vous plaît, ne laissez pas Valou. Je vous en supplie, ne laissez juste pas Valou. Prenez-le. Il est où? Et il en reste un ailleurs. Il est là, là. J'aurais pas, lui, ils sont trois dessus. Ok, ça, il tombe. Putain, oh, bah, c'est moi. Il est mort de chute. Let's go! C'est qui paye? Non, tu l'as pas eu, je l'ai eu, j'ai le kill. Je l'ai, attention, il y a les stats. J'ai mis une balle de pompe et il est tombé, mort de chute. Fais stats dans la partie. Alors, Valouz est à 4, je suis à 4, Dogby est à 4. Sauf que moi j'ai 3 rares. Et moi j'avais 1 point bonus. Moi j'avais 3. Ah ouais, moi je suis. Et j'ai 0 rares. J'ai 0 rares. Aïe aïe aïe, Dwag. Oh, Dwag. Oh, qui se rappelle quand il a fait la règle? Ouais, Nunu, si on fait top 1, on paye quand même. J'avoue que le kill bonus de Valouz lui a sauvé la vie. Je suis maudit ici, dans cet endroit, dans ce lieu. Regarde, je suis maudit. Tu peux respirer après. Mais gros, tout se passe bien quand je joue de chez moi. Ici, je me prends des karma. J'ai tellement sué pour faire le même score, putain. Je suis un connard, je suis trop nul. T'avais pas 4 kills, mais c'est pour ça que j'étais pas large. Je crois que tu étais large, toi. Mais pas du tout. À chaque fois, je mettais l'eau et vous les finissiez là dans le truc. En fait, les réals t'ont sauvé la vie. Ouais, les réals t'ont sauvé. Mais ouf, gros. Et Dwag, les deux réals, c'est ce qui me fait pas payer là. Quand t'étais en jeu, moi je croyais que t'avais fait 3, 4. Mais j'étais pas bien depuis tout à l'heure. Je touchais des gens et je n'arrivais pas à les finir. Je mettais des gens à terre. Il s'est fait réal, il est parti faire les 3, gros. Et t'as combien de kills, toi, Mich? Bah, du coup, je suis à 6 kills, je crois. 7 kills. Mais je crois que c'est une game kills à plus de 200 balles là avec les. Elle a ouais, combien ça fait 7 kills, mec, t'es mort. 7 kills. T'es mort. 9, 10, ah ouais, mais là, 14, pote... 16. Ouais, en fait, faut enlever les points bonus. Hein. Non. Payer même si la top 1, c'est la pire règle de l'histoire. Mais je suis là, d'accord, mais là, c'est toi qui l'as choisi, là, les gars. Y a tous les points. En comptant les points bonus, là, il y a tous les points. Là. Choisi. Tous les points sont mis. C'est le karma. C'est toi qui l'as collé en début de soirée. Moi je lui ai dit, faut pas faire ça. Tu comptes pas les 70 euros de tout à l'heure, là il y a tous les points. Donc il y a déjà les points bonus. T'es sûr? Bah oui, moi donc j'ai 14, moi j'avais 7 kills donc je suis à 10 là. Mais d'où tu fais 7 kills toi aussi là? Calme-toi. Il fait un fire là en vrai. Entre lui qui met des balles de snipe, l'autre qui est en train de laver non, des lobbies. Faut compter 70 euros, moi tu m'enlèves 3 kills, Valouz t'enlève 1 kill. Ça l'a réveillé, Michou. Hein. Je suis à fond. Ah donc je suis à plus de 250 Michou, il est en train de découvrir le concept, là, il kiffe trop. Il va faire ça avec les croissants après. 10, 11, ça fait 15. Mais ça va, toi. Ça fait 17. Ça fait 21. Tu vas payer, c'est rien comparé ça fait 25. À la prochaine game. Hein ? Ça fait 26. 26 fois 10, 260 euros. Simple. 260. Ouais, mais regarde, j'ai au moins le skin Dr Fatalis argenté, donc ça voilà, mon écran Polo, tu vois, c'est au moins voilà, merci les gars de m'avoir aidé sur mes défis. Défi accompli. 260 balles aïe, aïe. Et j'avais déjà 20 balles. Ah non, je crois que c'était 18. Ouais, 18, ouais. Ouais, parce que finalement les 18, 2 euros c'est petit à côté hein. Non, je crois que j'étais à 20. À 20 euros, 20 euros, ouais, t'as ouais dit que tu rajoutais 2 euros. Ouais, putain, j'étais 280. En tout, je suis à 280 euros ce soir. Les gars, on fait une fois 50. Moi, vous me parlez plus. Ah, parce que là, c'est la bonus. Là, mec, c'est je parlais plus. J'étais dans ma bulle à un moment. Genre, mais je suis trop nul en plus. Je dois être tellement focus pour tuer des gens qui ont un level. Mais ça se voit qu'ils sont pas bons. Mais mec, je dois être à 300%. Moi, c'est trop dur Fortnite le reprendre. Ah non, mais c'est Fortnite, chaud, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais en fait, on parlait. Mais j'ai dit tout ça. Mais genre, j'ai l'impression, tu sais plus quoi faire quand t'arrives. En combat. Celui qui gagne, il va être refait. S'il vous plaît, que je perde pas la dernière game bonus, je ne. On fait un x50 du coup. Et la game bonus x50, mais c'est pas assez, frère. Oh, non, arrête, arrête, x50, c'est bon, c'est bien, frère. Moi, je te suis, moi, dans tous les cas, mais. Après, il y a des gens qui ont déjà payé 260 attendez, balles. C'est la rentrée ou c'est pas la rentrée là? Envoie les votes en attendant, enfin, faites le tirage au sort, envoie les votes et on discute. Franchement, à la base, j'étais chaud pour faire un x100. Non, mais regardez aussi, mais, gros. Ouais. Mais, Dwagby, j'aimerais te faire honneur. T'as payé combien? 260 euros. Oui. Moi, je suis chaud, on fait un x260. Mais que quoi? Mais les gars, c'est la rentrée, wesh. Attends, mais t'imagines, tu fais 10 kills, ça fait 2600 balles, gros. Bah, gros, tu ralasses. Et attends, mais imagine juste, on refait la même game, en fait. Parce que là, il y a 10 kills. Et là, la tête de Valou, c'est les calculs, c'est le gif. juste un kill. Toi, juste pour le même, tu veux faire x260. Ah ouais, moi, je veux ça, c'est du jamais vu. Attends, sans cumuler. Il y a plus de cumuler, c'est fini, là. C'est-à-dire que si on l'a foire au début et qu'il n'y a que 3 kills, vas-y, c'est pas grave. C'est vrai. Ça fait 3 kills, ça fait beaucoup. C'est vrai. Oui, sans cumuler. C'est vrai que 3 kills, ça fait, ça fait beaucoup quand même. 700. Allez, vas-y. 700 flemmes. Michou, il a pas le time. Bravo à Bad Zone 10 qui récupère un énorme cadeau pour bien la rentrée. Il se met bien. Je suis chaud. Bravo sans à toi. Mais non, à 260, en fait, le problème, c'est que. J'ai été chaud sur la game d'avant, du coup, je suis en confiance. Bah, ça se voit. Mais peut-être un peu trop. 260. J'ai dit x50, il me fait chaud, il me chauffe pour x260. Allez, si vous voulez, on fait x260 et on call le spawn, comme ça se passe vite. Non, je vais avoir au moins la capacité de me défendre. Les gars, je suis le skin burger. On va à côté. Attends, mais je m'en vais à Iron Man moi aussi. C'est quelle idée de partir en Iron Man? C'est vrai que tu te focus en priorité dans un fight. Ça fait peur.
Alors, bah, mettre lui tranquille. Vas-y, moi j'accepte. Rien que pour le même, le fois 260, c'est marrant. Wow. Mais non, mais attends, mais c'est la seule que mais... je vais perdre comme là, par hasard. C'est la tête de Wamp. Attends, que mais 10 kills, c'est 2600. Et ça, c'est. Dis-toi, 10 kills là. Lui seul, il a B7 là. C'est pas moi qui vais payer, parlez pas à moi. Si on fait la même game, gros. Attends, mais ça veut dire qu'on peut faire une game à 4000 si on oui. fait. Bah ouais. Là, si on fait 20 kills comme ça, c'est 5000 euros. 5200 euros. Les gars, j'avais pour une personne. J'avais une voiture à acheter. Si on fait la même game, c'est 5000 euros. Tu veux pas revoir un petit peu? Wow. Non, moi ça les gars, je suis chaud. Ça fait beaucoup quand même. Vas-y, hop, j'ai fait prêt. C'est parti là? C'est validé là? Wow. Oh, c'est validé. Mais attends, mais je vais plus en fait, parler, moi j'ai bien aimé tremble, Gota hein. qui m'a dit quoi qu'il arrive, je te suis. Bah, moi je te suis, mais c'est pour ça que je fais pas de call parce que moi je pense un peu à tout le monde, etc. Genre, si tu te. Mec, j'ai perdu un Shifumi contre Ninja, il y avait 18 000 en jeu. Hein, genre, Ah ouais? Ouais, bah là, il y aura pas autant. Ouais, j'espère pas. Oh, c'est impossible, c'est impossible. Mais ouais. Il y aura ah ouais, attends, là, il y aura n'empêche beaucoup, que là. J'ai accepté alors que vraiment hein, je suis l'un des plus nuls niveau. C'est vrai. Après le niveau est naze entre nous. Genre ouais. Michou c'est le meilleur. Je vois qu'on meurt assez vite donc vas-y. Putain. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais avant tu sais genre je jouais un peu au jeu donc j'étais confiant. J'étais en mode tu sais cette game juste je suis un spawn plus safe. Je ferai mes kills après. Putain, Mich, là je suis zéro et. Attends fois 260. C'est beaucoup. Ah non, tu me mets une pression frérot mais. Et par contre ce que je propose ça c'est va pas que parler. Ce que je propose c'est que les réa comptent dans ton score, genre imagine on est tous les deux à 5 mais j'ai une réa, je suis à 6 mais ça compte pas dans le ça rajoute pas 260 euros. C'est ce que je veux dire. Okay, okay. Comme ça on va pas hésiter parce à que imagine genre le mec il veut réa t'es en mode c'est 260 balles quand même là. OK, il y a que l'équipe. Limite mais laisse-moi. Mais par contre pour ton score solo, les réa comptent. OK, j'ai capté. C'est bien. C'est stylé, ouais, c'est bien. Bon allez Gota, go. Mais non, fallait pas le dire, j'attendais justement parce que du coup, quand t'as dit vous mettez prêt, du coup les autres ils ont non, dû lancer à ce moment-là. Ah, merde, on va lancer après. Ouais. De toute façon, on a du matchmaking dissimulé, on est large. 260, je suis désolé, là je trouve plus mes mots parce qu'il faut se mettre dans l'intensité, faut en se fait, mettre. Je crois que est-ce qu'il est ton skin doré? Je crois qu'on s'en rend pas compte, gros. J'avoue, ton skin doré il est vraiment stylé. Il est vraiment stylé. Dwagby, ton Midas en or. Dwagby, ton. Ah, mon Midas en or, ouais, il est vraiment stylé. Ah, mais c'est ton skin que tu utilises tout le temps. Ah, ouais, le skin. Ah, ce skin de cette meuf là, Sony. Ouais, il y en a pas beaucoup avec lesquels je suis à l'aise. Celui-là, tu l'as souvent mis celui-là. Ah, mais celui-là, je me rappelle quand t'avais déjà payé une game comme ça à peu près avec ce skin. Épisode 4 avec. Putain, c'est fou. Je te jure que j'avais manqué ces émotions. Et là, j'ai perdu en plus, je paye donc je devrais avoir le seum. Mais c'est vrai que ça m'avait. C'était il y a longtemps qu'on avait vécu ces moments-là de stress. Bah, moi, c'est une des rares fois où j'arrive en mode. Genre, je suis pas du tout à l'aise. J'avais déjà arrêté Fortnite, mais vu qu'on le faisait tous les lundis, oui, tu gardais quand même une base de niveau, tu suivais un peu la méta, je faisais toujours ma vidéo sur la nouvelle mage, etc. Donc j'arrivais Là, gros, je suis débordax. Non, mais ça se voit, donc c'est ça qui est cool. Je suis débordax. Waouh. C'est la première fois qu'on c'est voit du Gota perdre, autant de Gota pour l'exclamation va sortir le Gota. Je suis débordax. Je suis désolé de proposer ce niveau, les gars, c'est dur hein, ce jeu. C'est là que tu vois, il y en a beaucoup qui disent c'est un jeu d'enfant, etc. Ah, c'est l'un des jeux les plus durs à reprendre. Hein. Je suis désolé, Warzone, tu joues pas pendant un mois, tu reviens, c'est ok. Ouais, mais là, Fortnite, waouh. Ça évolue trop vite le niveau. Ouais, en fait, faut que tu rejoues vraiment 2-3 bonnes après-midi pour juste récupérer un niveau décent quoi. Putain c'est. Est-ce que. Les gars je tremble. 260 euros par kill, y a que les kills qui vont compter pour l'argent, les gars, par contre je les réanimations pour les points. Oui. Ah c'est toi qui choisis. Moi ça me va. Ok ça me va. C'est bien ça non? Ouais. Ça dépend. Oh, que t'as bonne chance. T'imagines, tu te poses au sol, tu meurs direct. Bonne chance, les gars. Hein. Bah, bien sûr, c'est toute là. C'est pour ça que là, je pense chacun se concentre. Et ça va être extrêmement hype, même sur YouTube, cette partie-là, parce que c'est beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est beaucoup d'argent. 260 c'est euros. C'est quoi votre record en fois? Fois 1000, mais c'était au Gotaga Show pour une association. Ok. Non, on l'a refait avec Squeezie. Et on l'avait refait avec Squeezie pour la rentrée. Ouais, mais c'était à chaque fois des events. Et c'est souvent dans le caritatif, ouais. Fois 1000, c'est énorme. Ah oui, mais le pack des 10 000, c'était celle-ci, non? Ouais, le pack des 10 000. Attends, vous avez fait un fois 10 000? Non, non, fois 1000, mais on avait fait 10 kills, et du coup, c'était 10 000 euros. Wow. Oui. En fait, on est des petits joueurs, là, ce soir. Non, on ne rend pas compte, quoi. La valeur de l'argent, tout ça, c'est. C'est ouf ou quoi, gros? Putain. Puis à l'époque, il n'y avait pas des bots qui font 360 balles gratos. Les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Tu kiffes? En vrai? Ouais, j'aime bien. Il va pas dire la même chose à la fin de cette game. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut l'interroger maintenant. Fais-nous un débrief là de ta soirée. Ça se passe bien. Ah, j'ai jamais vu autant de gens voter. Je pensais être fort sur Fall Guys, j'ai été nul. Je pensais être nul sur Fortnite, pour le moment ça va. Franchement, si on peut échanger les rôles, je prends tous les jours. Putain les gars, là faut tellement pas mourir. Je suis mort. Arrête. Je rigole. Gros, j'ai eu peur pour toi en vrai. Oh merci, c'était pour te tester. Mais je vous fais garder. Oh, y'a un mec à la pioche. Non. Cette vie ne le fera pas. Let's go! Let's go! Non, je l'avais!
Il avait... C'était pas un bot, hein, c'est juste qu'il est pas d'armes. Let's go. Bon, c'est bon les gars, après vous avez fait qu'un kill. Ouais mais gros, un kill c'est important frère. Ouais c'est vrai. Eh hey, gros, le kill que je viens de faire il vaut ce que je viens de payer la game d'avant, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais j'avoue, bah, tu sais. C'est trop pas con lui. En fait, Dogby t'as payé un kill quoi. Eh hey, d'où il y a marqué x10, t'as corrigé moi ça. On veut le 260, il faut que ça soit historique. Il faut marquer 260. C'est un mème, faut que ça devienne un mème. La fois 260. Faites gros. Des fois 260 avec vos potes aussi, allez-y. Amusez-vous, vous allez voir, c'est si, fun. Si vous, au pire, faites ça en centimes. Oh, je vais mourir. Fois 260 oh, centimes. T'as du shield, Gota, t'as une mini-pote. Ça tire au-dessus. Oh là 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 là, j'aime pas ça là. J'entends des tirs de partout, j'ai 0 kill, ça va pas. Moi, les kills, ça me dérange pas, c'est que j'ai pas de shield. Putain, Gota. Ok. Y'a du monde, hein, ça construit. Ok, let's go. Je suis un connard. Yes, j'ai un kill, j'ai un kill. Oh mais mécanique. Y'a du monde hein. Les gars, y a déjà pas mal d'argent en jeu là hein. Y'a un mec qui me rush. Ah putain, c'est stressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce feeling. C'est-à-dire, y'a vraiment du monde qui arrive. Non ouais, oh non je... Oh Valouz. Je lui ai mis un 60 oh, dans le blanc, j'ai le sang. Oh, attends, mais Valouz, t'as pas payé de la soirée? Je l'avais dit qu'il allait se prendre la bonus, rappelez-vous. C'est toujours comme ça, c'est. T'as combien de kills, Val? J'en ai. Venons, reste groupé, y'a une équipe qui arrive, c'est pas du hasard. Vous savez très bien pourquoi ils sont là. En vrai, Michou, y'a un mec à côté de moi qui est low là, normalement. C'est qui a fait ça? Moi je m'en fous, je voulais juste la carte pour avoir un mais point. Mais t'es un fou d'avoir fait ça. On gros. Est d'accord, la carte j'ai un point. Hein. Non, c'est si je crois que tu veux plus pour l'avoir. Ah merde. Mais tu peux l'avoir dès qu'on a un but. Tu peux aller si tu veux, frère. Hein. C'est lui, Michou. Let's go. Oh là 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 là. Tom. Oh non. Michou sur moi, s'il te plaît, viens. Michou, Michou. Je peux pas, si on est deux, on le tue. Je suis coincé. Je suis parti. Michou, si on est deux. Je suis parti, gros, je sais plus où je suis. Attends, mais vous êtes tous à 1, du coup, je suis perdant là. Ouais, mais si tu te fais réa, on sait jamais ce qui se passe. Les gars, j'ai peur. Gota, t'es au-dessus de moi là. Dwagby, j'arrive. On abandonne pas un pote. Attends, mais t'es vraiment l'homme à marier, toi. T'es où? J'entends des bruits forts. En fait, je sais qu'il est prenable, mais j'ai pas de moi là. Non, non, il y en a un en dessous de moi. Et là, tu l'entends, elle est construite là. Viens, on y va ensemble. Ouais, passe devant, t'as du shield. Mais j'ai pas de shield. Je sais, c'était pour te mettre en confiance. Je te sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais Gotage vient de refaire un kill. C'est pas grave ça, c'est... Si c'est grave. Bah si c'est très grave. C'est très grave. C'est pas notre mur. Il est au-dessus. Non, t'es mort où? Je suis juste toi, là où t'étais. T'inquiète, t'inquiète, tu vas l'avoir. Déjà que tu vas pouvoir me rendre ma plaque. Non mais fais pas le kill Michou en vrai. Let's go. Let's go. C'est moi qui l'ai. Ok, GG. C'est pas grave. Bah franchement c'est hyper grave gros, je suis trop content là en vrai. J'ai 3 kills, je suis content. Il y a un autre mec, il y a le bus derrière, Après si vous voulez aller à un autre bus, vous pouvez aller à un autre bus. Il y avait un mec, je ne vous influence pas. Il y a un mec, on se barre. Les gars, c'est 260 euros par après, mec, hey, mec, si on meurt maintenant, nous on paye pas. Hein. Mais gros, on est bien. Et on peut être team sale gueule. Là, on meurt volontairement. Non. Gotha, on est bien. On peut les faire payer plus cher. Et comment ça, je suis bien, gros? Je suis à 2 kills. Dans la merde, je suis désolé, Valouz. Je suis dans la mais c'est souvent comme ça. T'es bien, t'es bien. C'est souvent comme ça. T'as combien de kills, toi? J'ai que 1 kill. Donc là, si tu te fais réa, tout est possible. Mais je crois qu'il nous suit dans l'eau, gros. Mais oui, ils sont pas là par hasard. Ils nous suit dans l'eau, le mec. Ils sont venus en décalé, donc tu connais. Dans la D. Ah ouais. Putain, ah mais il y a des construits et tout, hein, c'est chaud. Ça va manger des pâtes, hein, là, ça va être chaud. Oh non. Ça va manger des pâtes. Ça va manger des c'est pas fini, Valouz, c'est pas fini. Valouz, il va arriver, il va dire rapidi, on a plus d'argent. Il y a du monde sur le bus, Il y a du monde sur le bus, les gars. Si vous y allez, ça vaut risque et périls. Ah ouais, t'as raison. Ah, j'ai pas vu, moi, je vais y aller aveuglément. Non, il y a un mec, il est vraiment à côté. Un mec qui arrive en voiture. On est potes, fais pas trop de kills. T'inquiète. Oh. Tu veux que je te couvre? Couvre-moi, mec. Et du coup, le point de Gotha là? La Gotha qui va. Après, ça va, c'est juste des points, c'est pas des sous, mais. Ouais. Bah, c'est. Du coup, ça fait 2 points en plus hein, si ça marche. Hein. Ouais, toi, c'est bon, 2 points en plus. Merci, Michou. Ah, Michou, il met bien. Là, Michou, on est meilleur, Paul. Je te dis honnêtement. Let's go! On récupère une réa. Ah. J'ai qu'un point, par contre, lui. Oh, j'ai plus construit. Faut faire je vais mettre les gars. Doigts, j'ai plus construit, j'ai envie de stress, mec, sur la vie de ma mère, j'ai jamais stressé autant de ma vie. Si t'arrives à me raise, c'est un kill en plus. T'es où? Mais gaffe, il faut tuer toi, je crois, Valouz. Ah, mais OTF. Non, je te dis. Attends, après, y'a Michou à côté. Il rentre dans votre box. Non, c'est moi. Non, y'a vraiment deux mecs au-dessus de vous. Vous avez du heal ou pas, les gars?
j'ai rien du tout, gros. Oh, je suis mort. Ah non. Michou, y'a un mec derrière moi. Dwag, j'ai plus de vie. Y'a un mec derrière moi. Tiens, je peux te passer une famasse. C'est gentil. Pas de soucis, mec, on s'entraide. Dwag, si tu passes devant moi à cause de ça, bah GG, mec. Les gars, je suis dans la merde. Oh, tu l'as couché. C'est quoi ça, les choux? Je sais pas du tout. Ça donne du soin normal. Je suis mort. Ça donne du blanc. Oh non. Y'a un mec au-dessus, Gotha. Ça chie. Attends, mais j'ai 3 kills. J'ai 3 kills in rear. Oh, ça fait mal. Toi, t'es archi bien, gros. Oh, j'ai mis un mec à terre. In rear. Là. Allez, Valou, t'es un monstre. Valou, t'es un monstre. Il est nul. Mais frère, j'ai. Allez. J'ai qu'un flingue. Non, mais Val. J'ai qu'un flingue et je suis low life. Il est low de Dwag. Valou, si tu payes, c'est mérité. J'arrive. Allez, Dwag. Oh non. Eh, hey, regarde pas ce que je fais. Ah bah attends, mais t'arrives pas du tout, frère. J'arrive. Mais comment ça t'arrives? Mais bien sûr que je peux pas. Il s'est barré. Il s'est barré le live. Dwag, pour faire peur, faut que je fasse un kill. Dwag. Je sais, il a un, j'ai un. Faut que je fasse un kill. Si tu prenais nos cartes, je sais, mais les mecs là-bas sont venus pour une bonne raison. Mais bien sûr, mais gros, ils vont te voir quand même. Là, ils vont te voir quand même. Mais je vais trouver un mec perdu. Oh là. Mais là, je vais l'allumer. Oh, tue-le. S'il te plaît, arrête-toi! Il te faut le kill! Connard! Il faut juste un kill, Valou, je suis désolé! Attends! J'ai fui! Tue-le! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est nul! Non, c'est un monstre! Oh, c'est un bon fils, j'en viens pas! Connard! Il est nul! Tue-le! Non, c'est un fils en plus! Attends, t'es KM. C'est pour vous le chat. Faut que tu le tues. Je stresse. Faut que tu le tues. Il est derrière. Au-dessus, tue-le. Je suis mort, putain. Mets-toi le kit. Kit maintenant. Ah, t'es mort. Faut. Mais t'es à égalité là. Non, j'ai deux. Ouais, mais il a trois. Mais il a deux. Non, il a un. Il a un kill. Il a fait un kill. T'as un kill? Bah oui. Il a pas de kill, gros. Putain, mais il a pas de kill. Non, j'ai suivi. Je suis désolé, gros, j'ai perdu tous mes moyens. Mais mec, mettez-vous à ma place. Tu sais que moi, quand t'es tombé, Gotha, quand t'es tombé, j'ai paniqué, hein, j'ai tiré partout comme ça avec les fleurs. Mais en plus, tu lui as mis cher, gros. Ouais, je l'ai mis cher, mais j'ai paniqué. Lui, je le tuais tous les jours, mais là c'était un moment particulier. Aïe. Mais y'a combien d'argent dans cette game? Valous, tu vas payer, mon pauvre. Mais mec, s'il y avait pas les gestes barrières, je t'aurais fait toucher mon cœur. Je bats à 1000 à l'heure. Je tremblais sur le deuxième. Non, mais ça va, c'est un stream hacker, le gros, le mec qui s'est donné à toi là. Frère, il est avec son bateau. Donné, gros. Non, zéro. Eh mec, le fight final, je te jure, il était incroyable. C'est le fight le plus iconique. Alors, le bateau qui tombe devant. Ouais, de ouf, c'était un film. Par contre, je vois des sommes dans le chat. Ne regarde pas, Valous. Oula, dans le chat, apparemment, ça a calculé. Fais juste prix. Pas, on dit plus ou moins. Et on a fait combien de kills là Dis des chiffres et on dit plus ou moins, regarde pas le chat. 1500. J'ai pas le chat. Plus. Plus que 1500. Ouais, plus. Attends, là je vais lâcher plus. Zoomer sur la tête de Valous. Zoomer sur la tête de Valous. Vas-y, continue. 2000. Plus. Arrête. Plus. Non, sérieux. Plus. Pas plus que 2k5. Non, moins. Moins. 2k2. Moins. 2k1. Moins. 2k50. Plus. 2k70. Plus. Hein, plus. 2k80. Ouais. Bonne réponse. 2080 euros. Attends, pause, on est d'accord que les rares n'ont pas compté. Attends. Hein. Ah oui, les rares. Ouais, parce que je crois pas qu'on ait fait autant de kills. Parce qu'on avait fait beaucoup de kills. Non, ils ont pas compté les rares. On a combien de kills en tout? Parce que toi, t'avais 3 kills et plusieurs rares. Hein. Ouais, j'avais beaucoup de rares, j'ai fait que ça. Gros. Ouais, t'avais 3 kills, 3 rares. 3, 4, 5. Moi, j'ai pas mes kills, moi. Le kill que t'as fait à la fin, il t'a 2080. Non, c'est sûr, c'est 2080, ils ont raison. J'ai fui. Attends, 2080. Hey, je veux un. Normalement, il y a un huissier de justice. Bien sûr, huissier de justice, s'il vous plaît. Les gars, regardez, j'avais 3 kills. Non, t'en avais un, toi. Gotha, t'avais 3 kills. Moi, j'en avais 2. Du coup, attends, j'avais peut-être deux. Hein. Mais moi, je vois pas mon score en fait. Je vois pas mon score. Quelqu'un est toujours dans un game? Regarde, 3, 3 et 2. Ça fait 9 kills. Non, 7, 8. Putain, gros, je sais plus compter. Ça fait 8. Ouais, c'est ça, c'est 2080. Ouais, c'est 2080. Sur certains. Et on parle pas d'une carte graphique. Hein. Non, mais. Oh non. Hey, on est d'accord que ma photo sur Insta a tout son sens là. C'est juste. Montre la photo. Bah, en vrai. Moi je dis, mais la quatrième fois. Ça, au final, là, tu peux vraiment la mettre une quatrième fois avec une vraie légende de ton mood actuel. Là. Ouais.
Remets-la, s'il te plaît. Mais vous comprenez pourquoi j'ai fui et Attends, là, je vais. Qui se rappelle du début de la game? Alors, moi, je pensais pas réussir sur Fortnite. Au final, ça m'a réussi plutôt bien. Mec, ce jeu, faut pas parler. Alors, Valouz, tu passes une bonne soirée? 2080 balles, je vais lâcher. Tu passes une bonne soirée, Valouz? C'est qui le viewer là? J'ai envie de l'appeler. Je l'appelle, hein, vraiment, je l'appelle. Bah là, tu pars en vacances avec. Je vais lui donner un chèque en main propre. Et j'avoue, gros, tu pars en vacances avec, gros. 2080 balles, gros. Mec, c'est incroyable. Tu vois là, tout de suite, 260 euros que je paye. C'est qui gagnant? Mario Lizzy. Oh, mais lui, gros, il vient. Mario Lizzy, qui est actuellement l'homme le plus heureux du monde. C'est un sub ou pas? Si c'est un sub. J'espère que t'es abonné au moins à ma chaîne. J'ai envie de voir. Ah ouais, j'espère. Et franchement, par contre, celui qui vient de gagner 2080 via Valouz, je vous dis, j'espère que tu vas sub chez lui tier 3. Enfin, tu fais tout le tralala, quoi. Genre. Ah, mais normalement, tu fais plus que ça, même. Hein. Ah ouais, gros, non, là, c'est. Je suis désolé, Valouz, hein. C'était celui toi ou moi, gros. Celui qui a vu son nom affiché là à l'écran, mon gars, il a dû faire une crise. C'est comme un jeu TV, tu sais, tu t'attends la fin pour voir s'il y a ton nom. Ah, mais là, le summum qu'on a atteint. Bon, bah. Oh putain. Non, là, venons, souffle. En vrai, tu sais que moi, je préfère encore plus faire les Master Kills quand je suis éclaté. Ça te donne un coup d'adrénaline. Ouais, à mort, parce qu'il y a des Master Kills où j'y allais, j'étais en mode. Bon, là, dans les invités, il y a ça. Il y a Dwag. Au pire, il y a Dwag. C'est bon. La game où il y a 280 000 balles, genre, j'ai juste à hop, faire mon petit spawn même tout seul dans mon coin, chope mes kills. Alors que là, il y avait la goutte, gros. Être naze, en vrai, c'est j'avoue, wow. La sensation. J'ai ma main, elle tremblait comme mais ça. Pas, mais... J'arrivais pas à mais c'est pour ça, tu sais, quand t'es normal, tu refais le même duel à la fin, tu le tues sans perdre HP, je pense. Ah ouais. Au début, t'as eu un tracking parfait, tu le tues largement. Et après, vers la fin, je sais pas, tu sautais partout. J'ai paniqué. Mais c'est ça, c'est oh stress, là mec, là hein, là c'est là différent là. Quand il y a de l'enjeu comme ça, quand on est en. Et, ça veut dire que si je l'avais tué, ça aurait été. Shifumi. Viens, on fait un Shifumi juste pour voir. Ça va foutre plus le seum si tu gagnes. Non, t'inquiète. Ça mais attends, dans le chat, ils disent un truc. Shifumi. Ouais, c'est bon, tu perdais quand même. Oh, tu perdais. Mais bon, on sait jamais parce que là, il y a. Là, je attends, joue attends, en mode si tu faisais le kill, il mourait direct, on avait nos kills, on était bien. Non, tu ramassais les plaques. En plus, tu ramassais les plaques, hein. À proxy, t'as les réas, ça faisait 4. Ce kill, gros, il changeait toute ta vie. Mais jamais les il te mettait en sécurité. Ouais. Là, t'étais sur une autre planète. Bon, c'est quoi? Parce que c'est le dernier de l'équipe. Hein. Bon, les gars, je vais envoyer un message à ma meuf. Hein, appelle-la au pire. Juste annonce-la nouvelle. Annonce-la nouvelle en live. Dis et dis-lui. Vas-y, je vais lui dire. Oh, c'est incroyable. On se tait tous, on laisse justement Valouz qui appelle sa copine, justement Pidi que vous connaissez, youtubeuse. Qui va normalement. Dis-lui, Pidi, on revend la voiture. C'est toi qui choisis comme on l'annonce. Ouais, Pid ? Ouais, tu m'entends ? Ouais, il faut vendre ta voiture. Alors, ça fait quoi de perdre 2000 euros ? Elle a l'info. Oh, elle a l'info. Ah, ça fait mal. Hein. Elle le prend avec le sourire. Bah, c'est pas elle qui dépense. Hein. Oh la meilleure. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle a dit vu que dans un mois c'est mon anniversaire, au pire tu me feras pas de cadeau pour justement compenser. Voilà ça les gars, voilà Sean Tip Goal quoi. Putain, t'es obligé de lui faire le plus beau des cadeaux rien pour ça. Bon, hein? Ah oui, on trouvait son copain, c'est normal, c'est normal. Mais écoutez, mesdames et messieurs, c'était un master kill fou. Petit mot de la fin, Michou, de ce master kill, comment tu l'as trouvé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu reviendras si on te réinvite? Incroyable, je reviens, je signe direct. Valouz, est-ce que tu reviendras si on te réinvite? C'était bien. On comprend. Gota, tu l'as dit, t'as vécu des vraies émotions, faudra qu'on s'en refasse. Faudra qu'on s'en refasse. Même si, il l'a dit au début, il n'aura pas toutes les semaines du Fortnite, bien sûr, vous l'avez compris. Mais de temps en temps, voilà, avec ce rythme-là, avec justement qu'on a une équipe comme ça. On vous préviendra à l'avance et puis on en fera. Ouais, c'est ça. En plus, le groupe, ouais, c'était cool, c'était bonne ambiance. Après, moi, j'avoue, il y a des moments, les gars, j'étais dans une phase bulle, je vous entendais plus. Ah, Polo, vous pouvez me dire qu'il y avait le feu dans les locaux, je m'en battais les couilles. Il y avait mes deux mecs dans le gaz contre moi, là, c'était. Putain, c'est. Je sais pas dire que j'étais en train de fuir, mais je le voyais le fight, que j'avais les yeux sur le retour. Mais moi, je pensais que t'étais dans le camion, j'étais mort. Je suis désolé, mais vous auriez fait pareil. Non, mais franchement, c'était le meilleur. Valouz, je suis tombé à terre, il a sauté direct, gros. Je sais, moi, je suis parti, je regardais juste si Valouz gagnait son fight. Parce que s'il gagnait son fight, je me suis dit, il faut que je revienne prendre les plaques. T'étais avec Valouz, vous le tuez, le mec, facile. Ah, mais oui, vraiment. Valouz, je l'ai mis à 30 HP. Du coup, c'est redevenu équilibré, alors que s'il meurt et que je trouve un mec, tu sais, dans ma tête, c'était écrit. C'est vrai, c'est vrai. Et là, quand je croise ce gars en bateau, je sais pas t'es qui, frère. Mais mis à l'abri de 2000 euros. Messieurs, il y en a beaucoup qui pensent sûrement que c'est la fin de la soirée, mais on vous l'a dit. Et il y a César Gola qui dit pourquoi il y a un trophée. Des surprises. C'est jamais terminé. Il dit pourquoi il y a un trophée. Effectivement, il y a un trophée. Il y en a des surprises, mesdames et messieurs. Attends, regardez ça marqué quoi, là ce qui vous attend maintenant. Ouais. On envoie le générique. Ouais, c'est un Rumble Winner 17. Check,
Le Royal Rumble est de retour pour cette magnifique soirée. Et pour le coup, on accueille tout de suite le Bouzeux, Inox Tag, Doc Jazzy, Dobby et Pidi, justement, qu'on a eu au téléphone juste avant. Et bien sûr, Michou avec Valouz, Gotaga et moi-même. Un petit Royal Rumble, on était obligé de s'en faire un petit. Un Royal Rumble à l'ancienne, donc c'est pas niveau pro, c'est pas attention. On était obligé. Mais voilà, comme à l'ancienne, comme au tout début, quand on se battait à Salty. Oh, la pression. Ah là, il y a moins de pression d'un coup. Ça va être quelque chose. Il y a moins de pression d'un coup. Du coup, bah forcément, tous les croutons vont être avec nous. Vous allez les entendre dans quelques instants. Normalement, ils sont sur le Discord. Le Bouzeux, Inox Tag, Doc Jazzy, Pidi et Dobby, ils sont sur Discord. Démutez-vous, venez nous rejoindre en direct devant autant de monde. Un petit Royal Rumble. On était obligé de mettre les croutons en valeur. Et Inox Tag qui fait son arrivée. Ça va ou quoi, frérot? T'as suivi un peu là? Le Bouzeux qui est ici aussi. Coup dur pour Valouz. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Valouz. Ça fait mal, hein. Qui a souri? Qui, au contraire, a vécu ça avec lui de manière difficile? Moi, je suis triste. Ah ouais? Je suis triste parce que Valouz, il est venu au studio tout à l'heure, il m'a fait. Ouais, Inox, la BR, Royal Rumble, tu sais c'est combien l'argent à chaque fois? Ah bah là, mon frère, il a souffert. Le buzz. Et donc voilà, petit Royal Rumble avec toute l'équipe en bon délire. On va essayer de se faire ça en plein kiff. Alors après, attention, on parlait avec Michou tout à l'heure, on se demandait c'est qui le plus fort actuellement de Fortnite. Michou, tu nous disais Inox Star. Moi, je pensais Inox. Ouais, c'est Inox. Attends, mais Inox, en plus, à ce qui paraît, tu as tryhard le truc là. T'as Inox, ça traîne toute l'après-midi. Non, mais là, cet après-midi, j'ai joué 2 heures parce que je jouais plus. Et là, je commence à reprendre un peu le jeu. Et moi je kiffe cette saison. Aïe 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 aïe, tu vas dire à battre. Tu vas dire à battre. Aïe 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 aïe. On a fait venir de Bill Fight juste avant. Il m'a tué 98 fois. Non mais en vrai, non. Royal Rumble, non, parce que là, j'ai trop, vous dites ouais, c'est le plus fort ou quoi. J'ai trop de trucs sur mes épaules. En vrai, Royal Rumble, on sait jamais. On sait jamais, je peux mourir d'un coup et tout. Donc y'a rien. On est tous au même niveau. Mais t'es le favori ce soir. T'es le favori, hein. Après, ah non, mais arrêtez de dire ça, wesh. Nous, on est très très chaud là, avec ce Master Kill. Parce que chaque kill là, on avait cette peur de payer. Mais là, vu qu'on va pas payer, que c'est juste pour détruire du crouton. Mais là, mais mec, regarde, l'ambiance a totalement changé là. C'est les couleurs, les écrans. C'est trop bien, c'est trop Qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Il n'y avait pas ça avant la saison dernière. Là, franchement, c'est stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool. Et il va y avoir le module de vote. Je pense que les gens vont pouvoir justement un peu. Bon, je pense qu'Inox Tag va clairement win le sondage. Alors, je pense que moi-même, j'ai tapé Inox Tag dans le chat. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à voter pendant 5 minutes pour la personne que vous pensez qui va repartir avec ce trophée. Royal Rumble, c'est le 17ème du coup. Ouais, tu en parlais et du trophée, vrai, moi, 17ème édition. Gagner, hein, juste pour le trophée. Bah, si tu gagnes, tu peux repartir avec. C'est incroyable d'avoir ça. On mettra du désinfectant, etc. pour être sûr. Attention, tu le mets dans toujours, le décor, ça fait toujours son petit effet. Mais il y a Doc qu'il faut faire attention aussi. Hein. Doc Jazzy, toi sur Fortnite, comment tu te sens là? Oh, je suis très très loin, ça fait très longtemps. Bah, c'était carré ton VIP la dernière fois que j'ai joué. Pas le dernier, celui d'avant. Donc, ça va, t'étais pas si horrible que ça. Ouais, mais ça fait longtemps. Du coup, c'est vrai. Doc, il a du shoot. Il a du shoot, mais niveau construit et tout. Il a du shoot. Non, Doc, faut pas compter sur Doc, hein, il est un peu nul. Que tout le monde enlève le mode. Ouais. N'oubliez pas, les gars, faites-le maintenant parce que sinon, vous oubliez d'enlever le mode anonyme. Comme ça, on a les pseudos pour pouvoir comptabiliser sinon, les points. Ça va être compliqué, je sais plus où c'est déjà. C'est dans le. Normalement, le. Deuxième engrenage, si je dis pas de bêtises, et tu as en dessous. Non, c'est le dernier. Dernier, t'as tout confidentialisé des parties. Moi, Denis, on met non. Cacher les noms des autres joueurs, on met non. Tout simplement. Oh, ok, parfait. En vrai, Doc, je pense qu'il va être chaud parce que lui, il a ce côté tryhard. Tout ce qu'il fait, Doc, il le tryhard. Ouais, c'est un stratège. Et puis, ils sont tranquilles à la maison, tu vois, ils sont un peu plus dans le calme. Nous, on est quand même, on se chauffe. Bah non, ça, c'est nos locaux, nous, c'est juste pas les mêmes. C'est vrai. Je te confirme, c'est pas les mêmes, frère. Je vais prendre des photos, on va essayer de faire pareil. Il a pris des photos, clairement, il va vous ramener tout ça pour que vous puissiez avancer. Donc, il y a qui là au studio de ton côté? Il y a le Bouzeux, il y a qui? Il y a Doc. Il y a moi aussi, ouais. Et Pidi, qui joue de la maison. Il y a que Doc. Non, j'ai pas pigé, putain, merde. Et donc Pidi qu'on a eu au téléphone juste avant, qui nous fait le plaisir de lancer Fortnite pour la première fois. Sincèrement, je suis pas prête moi. Si Pidi fait un kill, je veux une holla sur le chat. Ouais, vraiment. Elle a vraiment jamais joué. Jamais. Elle a déjà fait un death run de débutant avec moi. Voilà. Mais j'étais à côté. Ouais, mais j'étais à côté. Et c'est quoi ton skin? C'est pour un pote. Alors messieurs dames, pour cette édition, il va falloir qu'on choisisse tous un skin différent pour qu'on puisse se reconnaître au cas où vous êtes tiré au sort en Bambi, puisqu'on va aller en créatif et on pourra pas relancer la game, on pourra pas changer les skins. Donc chacun prend un skin et si tu tombes sur le Bambi en termes de bonus, on dira c'est telle personne, il a tel skin, pour que les autres puissent justement aller le cibler. Donc il y aura bien sûr comme d'habitude des petits défis, des petits bonus. On est y allé très tranquille là, le but c'est de kiffer ensemble. On savait que le Master Kill allait nous mettre dans la sauce, donc là le but c'est de se détendre.
Pidi, justement, toi, on parlait beaucoup de ce que vous avez produit là durant l'été. Toi aussi, tu as été très active avec les croutons. Comment ça se passe, toi, un petit peu là? Tu es un peu la maman, tu t'occupes d'eux, j'ai vu, tu leur fais des petits repas. Non, j'ai vu que tu prenais très soin d'eux. Pas trop, mais j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien, de les faire kiffer et puis kiffer tous ensemble. C'est qui le plus dur à gérer? Faire des bons petits plats. C'est qui le plus dur à gérer? Le plus dur à gérer, je crois, c'est Inox. Ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne clairement pas. Il manque quelqu'un là dans le groupe, je sais pas c'est qui, mais. Moi. Bah, dès qu'Inox a rejoint, on va pouvoir y aller. Voilà, c'est Inox. Non, mais voilà, attends, mais le plus dur à gérer, Inox, il ralentit. Ah, tout. Là, c'est bon. Non, ça va être fou. Mais c'est plus drôle aussi. Ah bah, sympa ça. Il y a tellement de jalousie dans l'équipe, c'est normal. On va se mettre en créatif. C'est ça. Directos. Normalement, on a une petite map, les gars. Alors, on l'a pas testée. Enfin, elle a été testée par le staff, mais du coup, on la connaît pas du tout. Je préfère prévenir au cas où, en mode, en mode, on a des loots secrets ou quoi. Non, c'est... En gros, il y aura 6 manches. On va tirer rapidement le premier bonus pour savoir à quoi on a affaire. Rappelez-vous, il y a aussi des petits malus cachés. Ah oui, c'est vrai. On va tirer ça au sort. Et en gros, sur la map, faut savoir, il y aura des coffres, il y aura des armes au sol, et ensuite, on a 2-3 minutes pour se looter, papoter un petit peu, et ensuite, c'est une moving zone, quoi. Je vois pas d'ici, c'est quoi? C'est quoi? C'est des potions. Shield interdit. Oh non, ça commence dur. Shield interdit. Est-ce que Pidi a la loi ou elle sait même pas ce que c'est? Ah oui, bah oui. J'avoue, elle sait même pas c'est quoi. Pas de shield. Pidi, elle fait ce qu'elle veut. Si Pidi a du shield bleu, ça passe. À mort. Je vous entends presque pas parce qu'il y a une musique de Noël, genre. On va lancer, ça va s'arrêter. Mais ouais, Pidi, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre ce soir, ne l'embêtons pas. Ça nous fait déjà très plaisir que tu aies accepté de jouer avec nous. Mais ce soir. Prenez du plaisir, éclatez-vous. Si vous avez des comptes à régler entre croutons, c'est le moment aussi. Hein. Michou, toi, il y en a peut-être un là que tu n'arrives plus à supporter. Non, mais là, il est dans son match déjà. Là, il pense à Inox. Ouais, là, il est Inox, faut que je le fume, Inox. C'est vrai, il y a une rivalité là. Mais ouais, je suis. Parce qu'il est un peu favori, donc j'ai un peu peur. Moi, je veux repartir avec le trophée. C'est vrai que le trophée, il donne envie. Hein. C'est vrai que les autres l'ont peut-être pas vu à ce point-là, mais il est sur la table. Pidi, Inox, là, je vous invite à mettre jouer justement. Let's go. Il y a le mode sensu ou pas? Et ça part. Ouais, techniquement, il y a le mode sensu. Donc ça, on va avoir du shield quoi, avec ça, quoi. Techniquement, ouais, c'est la seule manière de se shielder. Ouais. Donc, c'est vrai, bien pensé. Bien j'ai vu un message de Mario Lizzy dans le chat. Vas-y, dis-nous. Elle était pas sub. Ou il. Il a dit comment je fais pour récupérer mon argent. Il a hâte. T'inquiète hein. Pas, tu vas être content. Il va te ma porte. Sûr, il y en a qui créent des fonds, c'est sûr. Ouais, faites attention à ça, mais t'inquiète pas, ça va être bien vérifié derrière. Oh, et, ah là 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 là. Ça se trouve, le mec, il vient de découvrir la chaîne. Ah putain. Et il est passé comme ça vite fait, il avait rien à faire. Cette game, il a tapé un nom au hasard comme ça. Il s'est mis trop bien. Il vient de gagner deux vacances faciles quoi. Il faut accompagner Pidi. Mais Pidi, non, ça se voit, elle a l'habitude, regardez là directement. Fais voir Pidi. J'arrive. Ok, là c'est la map, c'est ça? Ah, mais on va essayer de faire Fortnite, c'est incroyable. J'ai fait Pidi sur Fortnite, les gars. C'est qui Pidi? Non, pardon, j'ai fait de la merde, il y a toute la terre. Ah, t'as fait jouer. Ah, ouais, merde. Ah, ouais, je me disais bien, c'est qui? Quitter, là. Pidi, fait échappe et quitter le mode créatif. Ah, ouais, là c'était. J'avoue, j'osais pas le dire, je croyais que c'était des gens de la régie. C'est pour les points et tout. Après, j'ai vu vraiment 100 personnes arriver, j'étais en mode bon. Non, j'avais mis ouvert aux amis. De vacances, 4 vacances, ouais. Non, mais tu sais, des bonnes vacances, quoi. Oh là là. Tu vois, Maldives, tu vois. Oh, ça m'a terminé, quoi. Donc, ouais, quitter, on va relancer très rapidement. Hop. Alors, je peux pas enlever le ouvert aux amis, là. Pourquoi ça me fait ça? Pidi, tu sais comment on fait pour quitter? C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai quitté, j'ai accepté, là. Ah ouais? Attends, tu m'as prise pour qui, là? Est-ce que quelqu'un peut changer ouvert aux amis? J'ai l'impression de ne pas être le leader du groupe. Le leader, c'est... Bah si, c'est toi. Bah si, c'est moi. Bah attends, je vais te donner le lead au père Valouz. Ah, putain, ça me fait du bien, ça. Nommé chef du groupe, ça y est, t'es le leader. Ouais, c'est bon, c'est privé, là. Mais est-ce que tu vas avoir la possibilité... Non, non, attends, fais pas prêt. Fais changer... Non, mais c'est bon, hein, regarde. Hop. Il est privé le groupe, il est le boss. Mais du coup, j'ai plein de demandes d'amis, c'est normal, là. La popularité, tout de suite. Bah bon courage, Pidi, ça va être ça en game. Pidi, t'es une star, c'est tout. La bosse. Est-ce que vous vous rappelez du petit truc, genre, vous avez une demande d'amis? Ah ouais. Ah, moi, c'est vrai, il y a deux ans. C'est vrai mais je crois que ça allait toujours, c'est juste qu'on l'a tous désactivé. Hein. Bah, on l'a tous désactivé au bout de 5 minutes. Ouais, qu'on voit plus. Mais c'est vrai que... Vous avez une demande d'amis. Bouzy, Pidi, faut faire prêt. Oh là là. Ouais, mettez-vous prêt, on est parti. J'ai pas, moi, prêt. J'ai genre de montrer, me le rappeler plus tard. Acheter des amis. Mais t'es où là? T'es dans jouer là? Non. Bah faut. Mais t'es où là? Ah c'est bon. Ok. On est indulgent avec Pidi, elle lance le jeu pour la première fois pour nous. C'est bon. Et tiens, tu parlais Michou des gros projets là qui arrivent avec les croutons là, ils sont tous réunis. Il y a peut-être un truc à nous dire, un truc à teaser, même si.
je sais pas, ce que tu les croutons, faut faire une réunion là avant. Non, allez, il y a forcément. Bah, on avait déjà dit qu'il allait avoir un prochain voyage. Projet de voyage ? Ouais, tu vas se refaire assez rapidement. On sait pas encore quand exactement, mais. Je pense qu'on sait encore quand en vrai. On taffe dessus. On sait c'est quand. Ouais, on sait. À peu près, une date, une fourchette. En hiver, c'est nous, tu veux pas dire. C'est quoi, c'est pour l'hiver, c'est ça ? Ouais, en hiver. Ça va skier un max. Ah, je sais pas. Allez, ça va skier un max, ça va faire des fonds. Je peux pas skier, moi, avec mes genoux. Peut-être. Ah ouais ? T'as des soucis de genoux ? Je me suis pété les deux genoux. Après, sinon, genre. Il y a longtemps ou là ? Il y a 10 ans. Et depuis, on te déconseille tout ce qui est. Ouais, le ski surtout. Putain, l'enfer, ok. Bah, après, je crois, même si tu pars pendant l'hiver, genre, il y a des destinations comme Maldives ou quoi, où genre il fait. Ouais, il a fait oui, un petit, ça va être un truc comme ça, je pense. Ça va être un truc où il fait chaud, je pense. Ça, je t'avoue, je sais pas. Donc, ça lance auto, les gars, ça lance auto. Ouais. Rentrez dans le lobby, il y a un truc qui s'appelle Royal Rumble, oh. Il en manque une personne. Ah, c'est moi. Ouais, ça a été créé pour la soirée. C'est voilà. Le trophée que j'aurai ce soir, ça. Ah, ouais. J'avoue que je le veux aussi, si on a peut-être un à gagner. Mais pourquoi il me dit t'as jamais gagné, toi un créateur. Ah bah moi, t'as pas de trophée, toi, si on a gagné un. T'as jamais gagné le Rumble. Une fois. Une fois, mais. C'était vraiment très facile le gagnable, je crois. Ouais, ça va. Toujours quand c'est moi qui gagne, c'était non, facile. Non, vraiment, les invités, je crois que là, c'est parti, les gars. Ça commence direct. Ah là, ça commence, là. Oui, les tops rapportent des points, les kills rapportent des points, vous le savez. Et regardez, vous avez deux mini-potes, un petit gun pour quand même se défendre tout de suite et un peu de shield. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas le droit d'utiliser du shield supplémentaire. Oh, mais c'est tilted, yes. Oh, j'ai un space direct. Je veux bien un peu moins de son de Discord, si c'est possible, en régie, j'avoue. Il y a pas de potion, hein. Attendez, non, mais pas le droit de réactiver du shield. Mais j'ai spawn avec du shield. Ouais, c'est normal, mais jetez-le. Ouais, tout le monde. Jetez-le, c'est pour les autres manches. Non, mais j'ai spawn avec du shield. On a du shield sur nous. Ouais, ouais, oui, c'est normal. T'as 50, on a tous 50 de base au cas où il y a un petit fight. Tu vois, on le jette quoi, on le jette. Stylé. Les mid-bots, vous les jetez, mais vous avez de base 50 normalement. Et le but, c'est le top, hein. Les points, les kills, ça fait rien. Si, c'est un point par kill. Si. Un point par kill, et ensuite, à chaque fois que tu gagnes un top, tu reprends un point de plus. Mais ça, on comptabilise en régie. Concentrez-vous sur vos games. Donc la moving zone, pour l'instant, elle démarre. Dans pas longtemps, c'est histoire que. Zone. Ouais. Là, elle commence à bouger, mais lentement. Je vois que ça fight direct. Fait, hein. Comment je fais pour changer d'arme ? Ah non, mais là, Pidi, par contre. Là, c'est le scroll. Là, j'avoue que. Ah là, Pidi, c'est. Il y a des problèmes pour tout le monde là. Prends-en juste une et essaye de te battre avec. J'en ai. Ah ! Yes ! Merci, Pidi ! Attendez, Gota, il a tué. Oh merde. Oh merde, a fait mal la zone. C'est qui ? En fait, le problème, tu sais pas contre qui t'as à faire. Mais ça va toi, en plus j'ai pas envie de remettre du shield, calme-toi. Bon, moi ma technique c'est uniquement les points de top, hein, je le dis. Désolé Dobby. Aïe. Ok, ah non, ma technique est échouée. Je suis ce genre de mec qui s'excuse quoi. Oh, pas mal ça, c'est du Gotha, non? Ah mais attends, mais on perd masse vie dans le... Dans le gaz, oui bien sûr, ah ouais. C'est une big zone. Hein. Putain, j'avais été Gotha, y'a la zone, t'embête pas avec moi frère. Gota! C'est peut-être pas toi en vrai. Oh, t'es blanc! Oh, t'es blanc toi? Ah ouais? On parlait pas de Woozy favori, hein, mais. Oh, je suis un connard, je suis en train de la zone. Mais elle fait mal, hein, elle fait vraiment mal. Ah, elle fait vraiment mal, hein. Oh non, je suis mort. Aïe, j'ai pas trouvé d'armes, putain. J'avais qu'une air. Ça a l'air cool d'avoir des pompes. Ah, bien joué. Oh, Michou, j'ai pas de pompe. C'est qui reste là? Ah, quand tu m'as mis la balle de pompe, j'étais en PLS, hein. Moi, je suis dans la zone, Michou, je sais pas où t'es, frérot, mais... Je suis dans la zone aussi, gros. Menteur. Ah non, j'étais laser à l'air. Comment t'as fait un menteur? T'es un menteur. Mais j'ai fait que de l'air. Je te vois pas. Et j'ai pas pu ramasser ton pompe à cause du gaz. Ah, tu me vois pas, tu me vois pas. Je te vois pas, t'es où, Michou? Let's go! Allez, oh moi, ça m'a top 2 avec un kill. Nice! Je suis très hoc. Oh, donc là, vous avez tous les scores. Michou, 4 kills, top 1! Je suis trop jeune. Ça va enchaîner, on tire le prochain défi très vite. Je t'élimine Inox tranquillement pour. Gota, je te laisse le battre. Si vous voulez très vite, il va falloir être très actif là-dessus. J'ai eu mon top 1 de la soirée, je suis content. J'ai récupéré la game d'avant, j'ai plus rien. Ouais, c'est quoi le défi du coup? On va vous le dire et vous avez le droit au shield cette fois-ci. Le shield est activé. Ah, oui, c'est vrai. Le Bambi. Non, c'est quoi? C'est retourner son shield, vas-y, retire. Allez, c'est Bambi, et on va dire que c'est Michou le Bambi parce qu'il a fait top 1. Ça vous va? Oh là là, mais c'est ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi du coup, Bambi? Si on te tue, on gagne des points supplémentaires. Et toi, rien. On va dire que t'as rien parce que sinon c'est trop broken. Ah, c'est parce que sinon j'avais un truc de fou. Ouais, normalement tes kills sont doublés, mais vu que t'es devant. On va faire ça rapidement. Donc, okay, anticiper en régie, tirer le défi assez rapidement. Ça va très vite. Ah bah là, ça enchaîne. Hein. C'est en créatif. Moi j'arrive pas à. Du coup, on a le droit de se shielder. Ouais, là t'as le droit de se shielder, tout va bien. C'est la roulette, c'est la roulette. Bah, je le fais. Attends, mais ça fait trop plaisir de revoir ce bâtiment.
Pauvre Pidgey. Appuie sur 1, 2, 3, 4. Ouais, 1, 2, 3, 4. Au-dessus de Azerty. Oh, le boss, le bouseux qui prend le temps. J'avoue, les couteaux, c'est soudé. Hein. Même quand il faut se défier, ils s'entraident. Bah, apparemment, Valouz, il est pas très soudé. Hein. Attends, mais la zone, elle arrive beaucoup trop vite là. Elle arrive vite, hein. Pré-shot, hein. Oh, ça louche par là-bas. Attends, mais c'est la guerre là. Pidi, t'as juste un kill à faire et t'es la reine de la soirée, hein, je te le dis. Bah, il faut déjà que je trouve le bouton pour activer mon arme. Hein. Attends, mais je peux caisse là. Calme-toi, toi là-haut là. Let's go. Je suis full shield, hein, si tu veux vraiment te battre. Je suis full shield, toi. Hein. C'est un fou de faire ça. Oh là là. C'est quoi ça? C'est vrai que la zone elle arrive vite, hein. Ouais, j'arrive pas, frère. Ah, je te comprends, je suis mort. Je suis trop fort. Oh, tu m'as mis trop bien. Non. Allez, Gotaga qui se concentre un maximum, vous l'avez vu, il vient de débloquer ses 2 kills sur ce round 2. Mais attention parce que c'est Michou, l'homme à varette. En plus de ça, je vous rappelle qu'il a le Bambi et il est toujours debout, Michou. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Très bon positionnement, justement, de Michou qui n'est pas venu pour rigoler ce soir. Ah ouais. Eh Michou, t'es en confiance comme jamais. Michou il est en confiance. Michou peut-être pour le deuxième top 1 d'affilée. Alors qu'il vient de tomber Gotaga. 8 kills en tout sur toute la session, hein, c'est cumulé, vous l'avez compris. Aïe 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 aïe, Michou il est chaud. Il est monstrueux ce soir, c'est sa soirée. Il l'a dit, il veut le trophée. Mais il est en 1v1 face à le bouseux. Inox c'est encore tombé. Oh ouais. Oh mais voilà. Michou, les constructions incroyables, il a pris la hauteur, il coince le bouseux. Le bouseux qui essaye le petit jump ball de pompe en plein air. Mais attends, mais c'est pas le Michou qu'on connaît, c'est... ça c'est... Calmez-le. Mais attends, Michou, mais c'est sur quoi ça? Ouah, GG. Il fait tomber. Let's go. Mais c'est trop chaud. Je suis choqué du niveau de Michou. Calme-toi Michou, hein. Michou, il est gros. Eh déjà, à partir du moment où j'ai tué Inox, je me suis dit yes. Ça commence direct. On va mettre les pompes, c'est combien? Les gars, c'est moins 2 les pompes. Ça va trop vite, ça va trop vite. Ça va trop trop vite là. On va tirer la roue au sort, faites gaffe, on va vous dire le défi à l'oral. Eh mais Michou, faut le calmer, hein. Quoi? J'ai bugué, wesh. Ouais, moi aussi. Eh, hey, qui est-ce qui a volé mon arme là? C'est-à-dire bugué. Pidi, elle me tue. En fait, y'a un truc, on a dû le casser deux fois, je pense que t'as eu ce même bug. Alors ça nous dit AR-2, mesdames et messieurs. Dans les airs, j'étais bloqué. Si vous... AR-2? Ouais, si vous finissez votre kill avec une AR, vous prenez moins 2 points. Ah. Eh okay. Oui. Intéressant. Putain, mais du coup personne n'a tué Michou, du coup personne n'a pris les points du Bambi. Quel monstre. Heureusement que ces kills n'ont pas compté x2 en gros, c'était ouais, la merde. Voilà sinon. Ça, j'avais pré-shot que c'était la merde sinon. Ah non, y'a qu'un matelas. La batteuse c'est pas une AR, on est d'accord? Non, la batteuse c'est bon, c'est une PM. Oh, y'a des poissons. Car c'est une AR. Ouais. Ouais. En vrai, on a pas beaucoup de construits. C'est terminé, hein. C'est terminé, on est d'accord les gars. De quoi, t'es terminé? On peut tirer, on peut mettre des dégâts à l'AR, mais juste. Ouais, ouais. En fait, vous juste pas finir. Ouais, ouais, voilà, faut pas finir le kill avec une air, effectivement. Ah oh, putain, mais c'est vrai qu'il faut pas d'air, merde. Mais wesh, lâche-moi. Je suis Kepler. Oh putain, je suis en stress. Mais je suis Kepler, gros. Oh non. Elle est trop bien ton arme, Dobby. Oh. J'ai pas le droit de finir avec. J'ai même pas envie de tirer avec la FAMAS en vrai, on va juste jouer le positionnement. Oh, j'ai quand même envie, hein, mais vas-y, frère. Oh toi. C'était juste pour t'enlever du shield. Ah là, Inox il est vénère, je crois. Oh non! Inox il est vénère! Oh, Inox il est vénère! Vous voulez venger, Inox! Je l'avais! Oh, c'est trop cool si Michou tombe très tôt. Ah ouais, je suis tombé tôt là, ouais. GG Inox. Oh, Dwag. Dwag sur Doc. 1v1 Dwag! Face à qui? Et comment ça que t'as des poissons toi à chaque fois? Mais les gars, c'est agressif! C'est waouh! J'ai pas le temps de respirer. Inox il est en forme là. Putain, j'avais un bon setup pour une fois, j'ai seul. Inox il est sur sa game. Inox stack versus Dwag, Billy, attention au corps à corps maintenant. Let's go. Bravo, GG. Bravo. J'arrive Michou, j'arrive. Bravo Dwag. Bravo Inox, bien attention, joué. Attention, Dwag. Hop. Et Inox ils sont Inox présents. Est arrivé par où? En haut. Ouais non mais pro, pas GG. Je suis arrivé bas du mid là, je m'avais tiré dessus. Et j'étais passé par les kills aux pompes rapportent 2 points supplémentaires. Jouez-le en priorité.
Kilo pompe. Dobby, t'es vraiment un gamin. Dobby, c'est un gamin. Dobby, Dobby, regarde, Dobby, viens, spawn nous. Oh, mais non, c'est vrai, c'est un chien. Moi, un point. Ouais, gold focus, gold focus. Elle a à peine touché le sol, elle est morte. Je suis désolé, c'est moi un point. Non, c'est abusé, ça. Ouais, gold focus, vraiment, Dobby, c'est une honte. Ah ouais, Dobby, c'est honteux. C'est la maison de tout à l'heure. Aucun cas. Blablabla, on connaît. Et en plus, il a des montants. Ouais, genre, il va pas genre en mode chance. Il a eu aucune pitié. Aucun fair play, Dobby. Oh là là, Pidi, ça va Pidi, sinon tu passes un bon moment quand nickel. Même. Nickel. Non, t'inquiète, ça gaz. L'avantage c'est que bah, je vois un petit peu le point de vue de tout le monde et c'est, je trouve ça cool. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Oh, je suis trop bien là. J'ai un stuff de fou furieux, hein, je vous préviens. Ne venez ça pas me tester. Ça me focus du coup, wesh. Oh, j'aime pas trop ça là. Ne venez pas me tester. S'il vous plaît, tuez Michou les frérots. T'inquiète pas, y'a quelqu'un qui est sur le coup là. Putain, j'ai pas de pompe, ça rend fou. Oh, Dogby! Dogby qui me vole mon kill, wesh. Oui, j'avais ça, mon poteau. Il a un lance-roquette. Ouais, je sais, bah gros, je l'ai trouvé par terre. J'ai eu une kilo pompe. Et ouais, j'ai une pompe sur Inox. C'est Gotha que j'ai mis cher là. Mais wesh, arrête, mais wesh! Eh, hey, les croutons, arrêtez, wesh! Attends, tu fais quoi toi là-haut? Putain! Elle descend d'ici! J'allais le shutdown le Michou là! Il a un lance-roquette! Je suis désolé, Gotha, j'ai pas stable! Ah! Je suis mort de chute! Oh non, Michou! C'est quoi ce focus? Moi, à chaque fois que je me batte, c'est ça! Je suis mort de chute! Wow! J'avais plus de build! Mais en fait, Gotha, c'est parce que c'est notre seule opportunité de te tuer! Mais non, là, je suis plus en gros! Mais à chaque fois, j'ai quelqu'un dans ma cible, je le mets low, et y'a un mec qui arrive derrière, il m'encule! Bante les games plus 2, ça peut rapporter beaucoup, hein! Moi j'ai le seum parce que c'est la game de Gotha. Attends, mais Gotha t'as fait le fou. T'as fait le malade. J'avais pas de pompe quoi. Attention, Boozy versus qui? Versus Inox? Non, Doc? Ouais, Doc. Boozy vs Doc. En plus, j'en ai donné 52 shields. Ils sont local ensemble en plus. Il est juste derrière moi. Il regarde ma game. Il regarde ici. Allez, Boozy, tu peux le faire. Oh, ça va faire des balles. Oh, ça va faire des balles. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe. Vous avez mis une trop belle balle. Michou, je crois que je suis en train d'arriver là. Ouais, tu me fais peur là, je vais pas te mentir. Je sais pas c'est la combattième manche, ça va très très vite, c'est la manche. Mais 5, il reste 2 manches. Il reste 3 manches. Ça enchaîne trop là, ça enchaîne trop. Mais ouais, ça enchaîne trop. Mais limite, si vous voulez refaire une session après, ça va tellement vite qu'on pourra la refaire, hein, je vous le dis. Les gars, j'ai pas le temps de respirer. Oh. C'est quoi le défi? Les SMG rapportent 2 points supplémentaires. Les mitraillettes. C'est quoi? C'est quoi? Les mitraillettes, 2 points supplémentaires. Ouais, prends ça. Oh non, sérieusement? Ouais, désolé, hein. Désolé frérot. Tu l'as pris là? Ouais. Ouais, et je fais comment pour l'utiliser là? Tu l'as dans ta main là, non? Ah ouais, en fait, elle peut se battre qu'à la pioche, Pidi. Mais la peau, putain, ouais, non. Là. C'était pas le but, hein, on voulait pas te. Oh non, je suis mort dès le début. GG Gotha. Ah. Sur 1. J'ai une grenade là. Ça fait mal là. Ouais, c'est une vraie qui. Mets-la toi au sol. J'ai fait deux belles games, mais là. C'est une mini-pote, c'est une mini-pote. Clic droit et tu me la jettes. Tout le monde abuse de Pity la peau. Par contre le Rocket en Royal Rumble c'est incroyable. Comment ça se fait que je peux pas prendre le pistolet que je viens de prendre là? Appuie sur 4. Gotha je t'entends. Hein. Et attends, y'a un bazooka là. Je sais pas t'es où mais. Où ça? Dis-moi. Je peux le prendre le bazooka? Ouais. J'ai pris le bazooka. Tu peux le prendre dans ta main? Et je sais pas comment. Inox versus Gotaga. Oh. Ah non. C'est un vrai duel là. Qui est-ce qui va tuer? La tempête. Ah merde. Le bâton. Qui est-ce qui m'a tué la tempête? Mais je suis deck, j'aimerais vraiment utiliser l'arme. Bref. GG. On t'attire de derrière. Ça c'est plus. Mais arrêtez! J'ai tous les croutons sur ma gueule! Battez-vous entre vous les gars! C'est l'ennemi des croutons ça. Gros, j'ai une Oxtack déjà, je m'en sors, je sais pas comment. Putain, Dwag il est trop fort là. Dwag il est strat. Allez, Doc. Oh, ah, Dwag GG. Il est trop fort c'est là. Dobby qui a ramassé en plus. Il prend un plus de. Ah, non, c'est ouais. Dobby qui est encore là, hein. Oh là, c'est de la pire répu, gros. Je suis pas sûr d'être bien en vrai. Hein. Oh, que 24 sur ça? Ouais, c'est.
mal payé. Hein. T'es déjà mort, chaton? Ah, mais moi je suis mort toujours premier là. T'es nul. Allez, Dobby. J'ai plus de balles. C'est Dobby contre qui là? Mais gros, c'est le pire fight. Non, attends. Mais les gars! Mais gros, j'ai mis 24! Mais c'est qui? Mais il prend 24 à chaque fois! C'était le pire combat! Je sais pas comment je meurs quand je vois votre fight de fin, je comprends pas comment je meurs alors que je me démène gros pour sortir de cette situation. C'était Dobby, c'est ça? Ouais, je suis horrible, mais. On est nul, on est nul. Only pistol? On n'a pas à tirer à autre chose. Si vous êtes chaud, on peut se dire maintenant, on rajoute 6 manches. On a pas de comptabiliser en plus si vous voulez après. Parce que ça va tellement vite. Pistol, c'est SMG aussi ou pas? C'était quoi le défi? Only pistol, t'as pas à tirer avec un autre truc. Ok, donc c'est l'arme qu'on a de base, c'est l'arme qu'on a de base, c'est l'arme qui vous est donnée offerte. On a le droit de se heal et tout, on est d'accord. Ouais. Oh putain, je suis horrible, mais je stresse. Qui est-ce qui veut bien me dire comment je fais pour prendre mon pistolet là? T'en as un de base, t'en as un de base. 3 et 4. C'est les chiffres 1, 2, 3 et 4. Et comme par hasard, il y a une scar en or, putain. Ah c'est bon, c'est bon. Puis tout à l'heure, j'ai pas d'armes, mais il y a une scar en or. Vas-y, j'ai un lance-roquette. C'est toi, ça va, Louza? Non, mais vas-y, j'en viens pas, je pue. Mais viens, on arrête de venir ici tous les deux. Mais ouais, depuis tout à l'heure en fait, je t'ai tué le compo. Bah ouais, mais c'est bon, je veux bien me défendre. Mais la vérité, on est pistol, j'ai pas envie. Hein. J'ai perdu 100% de mes duels contre Vogue. Ah putain. Et pourtant, je suis pas fou. Hein. Ah attends, je suis dans la tempête là. Oh, la ça marche, c'est incroyable. Je vais mourir. Mais attends, je suis en train de focusser un autre mec. Donc... Écoutez Pidi, ça me termine. Je comprends rien. Une note, t'étais dans une pêche. J'étais dans le pêche. Oh, bien joué. Mais la tempête elle arrive trop vite. Hein. À droite. C'est vrai que la tempête arrive vite. Ouais, j'avais demandé que ça mette 2 minutes à venir, mais là ils l'ont mis un peu nerveux quoi. Ils ont cru qu'on était des joueurs pros quoi. Je leur ai dit doucement au début, 2 minutes, ensuite vous la mettez en route tout lentement. En vrai, là si c'était 2 minutes, tu vois, ça aurait été lourd. Hein, bah ouais, histoire de se parler un peu, là ça part tellement mais vite. Mais là on a pas le temps en fait. Après au moins c'est intense, c'est à dire que ça fight. Ah, Inox il va marquer des points là. Mais je suis triste pour Pidi parce qu'elle a pas le temps de rentrer dans la game. Ouais. Winox il est bien là. Michou, tu joues peut-être la victoire sauf si vous décidez de remettre 6 manches parce que ça allait tellement vite que je suis sûr qu'on rajoute 6 manches. Vas-y, on mais en attendant Michou, on les pistoles. T'es en train encore une fois de montrer de quoi il est capable. Malgré que Inox soit le joueur qui est attendu ce soir, Michou qui surprend tout le monde et c'est face à Gotaga encore une fois. Oh, ils veulent faire danser. Ouais, mais pourtant il est pas face à quelqu'un de naïf là. Oh, attention le contact avec Gotaga. Allez, belle. La descente de Gotaga qui retrouve les mécaniques. Gotaga il doit descendre avant de tomber de chute. C'est incroyable qu'il fait. Ah, c'est chaud. C'est le skill d'Inox ça, non? Ouais, c'est Inox. Je le reconnaîtrais parmi mille. Inox face à Gotaga, mesdames et messieurs, on les laisse se concentrer. Le 1v1. C'est bien mon flingue, hein. C'est stylé en vrai. C'est intense. Oh, j'ai fait construire. Oh, t'es pas mort de chute. Oh, c'était le seul espoir. Ah, je pensais que j'avais ramassé les construits sur ton loot, t'en avais plus en fait. Hein? T'en avais plus en fait des construits. Ouais, j'avais plus rien moi. J'ai une axe. On souffle un petit peu. Est-ce que vous êtes chaud qu'on rajoute 6 manches et on cumule les points? Vas-y. Ça permet à tout le monde de faire des premiers. Et toi qui étais premier? Non, parce qu'il y a les bonus. Si je suis premier, je suis pas chaud. On peut pas enlever la tempête. Je pense que Michou est premier techniquement. Non, en vrai, gros, ça c'est trop rapide. Ce que je vous propose, c'est qu'on enlève les défis pour ces 6 manches, comme ça on joue tous libres. Ok. Libéré, délivré. Est-ce que Pizzy, tu veux prendre un peu de temps peut-être pour regarder les touches? Mais au pire, elle a pas une manette. Ce mode il est trop bien. Par contre, ça met la pression, ça va vite. C'est ultra intense. La zone va couler quand je vois. Il y a aucune pause. Bon, je t'avoue, toi, tu vas plus jouer la mode. Si j'ai une manette, si vous voulez. Bah, si c'est plus simple pour toi, je pense que la manette, c'est peut-être un peu plus intuitive au début. Ouais. J'ai vous Pidi la manette là. Vas-y, si vous voulez, on. Pidi, on a le temps de rien lui expliquer. On fera relancer. Ça va trop vite. Ne jouez pas, ça commence pas. Ne jouez pas, ça commence pas. T'es sûr? Okay. On va laisser Pidi s'installer, on fera juste relancer le. T'es sûr? T'es sûr parce que moi j'allais là, j'étais déter. Il y en a qui sont partis là. Putain, c'est trop bien, ça m'avait tellement manqué. Que tout le monde fasse retourner à l'accueil. Que tout le monde fasse retourner à l'accueil, que personne s'entraîne ou quoi que ce soit. Retournez à l'accueil, les gars. Est-ce qu'on pourrait faire juste un point score si ce serait cool? Comme ça, on sait où on en est avant de démarrer la deuxième partie. Michou, il va avoir le seum de relancer parce qu'il va perdre. Non, mais quoi qu'il arrive, on relance les gars. Non, quittez, retournez à l'accueil. On vous laisse temps en régie. Je fais un putain de start. Pidi, tu dois faire échappe, retourner à l'accueil.
Okay. Oh, c'était intense. Hein. Respirons un peu, que tout le monde reprenne ses esprits. Je suis désolé pour la zone, j'avais vraiment dit que je la voulais plus lente et malheureusement, je crois que ça a mal été. Mais à part ça, franchement, vrai, la map est cool. C'est stylé, la map c'est est très intense. Cool. La map est cool, il y a des armes, il y a des coffres. Tu sais jamais sur quoi tu tombes. Et donc, on laisse Pidi s'installer tranquillement. Ça me permet aussi de demander aussi au chat vos retours. Vous avez été très nombreux ce soir, entre 70 000 et plus de 80 000. Là, qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée entre le Fall Guys, le Master Kill qui a été fou et cette surprise avec tous les croutons qui nous font le plaisir de venir pour ce Royal Rumble. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Dites-nous. On a libéré le chat à tout le monde, hein, vous le savez ici. Tout le monde peut s'exprimer. Et bah trop bien, je vois. Ils ont payé. Mais tout le monde est venu gratuitement. Faut pas croire que les gens ils pensent que tu payes tes invités. Non. Bah c'est ça qui est ouf. Hein. Non, ils viennent gratuits, ils prennent de leur temps. On n'est pas payé. Ah non, il y en avait certains qui payent. J'ai payé 2080 pour être assis ici. Hein. C'est vrai qu'en fait, c'est bizarre. Moi, je serais Valouz, je repars avec le siège, avec le décor, avec tout. Faut savoir que Valouz, en plus, c'est pas de la région parisienne. Donc, t'as fait le déplacement pour nous. Donc, tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'investissement de la part de nos invités. Non, mais c'est cool, hein. C'est vraiment bien. Et le chat nous le rend bien. Tout le monde a l'air de kiffer cette soirée. Ça avait l'air de vous manquer. Ça fait plaisir, les gars. Mais moi, les gars, je vous dis honnêtement. Je pensais pas dire ça, mais même Fortnite, tu vois, ça m'avait un petit peu manqué, tu vois, genre ce côté avec le Royal Rumble, j'avoue que, putain, en plus là, avec la zone, par contre, ouais, j'avoue que la zone, elle part un peu vite, parce que moi, je spawn, et elle fait mal, hein. Ouais, j'ouvre deux coffres et elle part direct, et vu que mon spawn, c'est à côté du gars, j'avoue que ça part super vite, quoi, mais c'est trop bien, c'est trop bien. On y retourne C'est bon pour Napidi. On fait quoi, du coup? On cumule les deux scores? On dit que c'est de la première game, c'était pour... On cumule les deux scores, donc là, tout le monde peut gagner. T'as un suivi sur un G-Doc? Normalement c'est en régie, ils sont en train de recomptabiliser. Ok, il faut tout donner. Ils doivent bouillonner. Tout est possible. Vous prenez des points si vous faites des kills et vous prenez un point à chaque top que vous faites en plus. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas tous les points comptabilisés, donc fallait pas se fier à ce qu'on a vu ici in game. Parce qu'il y avait aussi les bonus, les malus à prendre en compte. Là cette fois-ci il y aura pas de bonus, pas de malus, c'est free for all. Mais bonne chance à tous. Il y en a quelques-uns en fait qui préfèrent le format où tu sais c'est un parti privé, mais parti privé les gars c'est vraiment galère avec le code de la map, etc. Et en fait c'était surtout pour les POV. Ouais, en plus de ça c'est compliqué. Si vous voulez pour mettre les POV. Le mode arène, on n'allait pas voir les points de vue de nos invités. Sinon on n'a pas le mode arène, du coup c'est relou. Enfin bref. Mais la map est cool, hein. Franchement c'est que la zone. Hein. Ouais. Ah c'est parti là. Bonne chance. C'est que la zone qui est un peu rapide, mais la map est très très cool, j'avoue, je l'apprécie beaucoup. Attends, mais pourquoi la porte était déjà ouverte? Non, je pensais. Ça parle plus. Ouais, j'avoue. Tout le monde en va de tryhard, gros. J'avoue que je parle même plus, moi. C'est normal. Toi, tu joues la victoire aussi, Michou. Ah ouais, je veux trop. Tu te rapproches de moi, j'ai un space 12 en or, voilà, je te préviens. Non, mais je me barre. Non, mais même pas, là. Je te dis les termes, tu fais ce que tu veux. Au moins, tu me préviens, c'est gentil, tu vois. Mais sinon, il y a des armes que je connais pas, mais celle-ci, je la connais. Le bouseux, un peu, si tu veux nous parler de ton actu. Dis-nous tout. C'est le moment. Bah, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé depuis F1, Bouzy, là, t'as pas... Non, ouais... Je suis une grosse merde. Tout va bien. Très content pour la victoire de Gasly, vous avez vu hier la victoire de Gasly. Ouais. Bah, moi je dormais, parce que c'est avec toi qu'on a fait nuit blanche, mais je l'ai revu après et... Pidi, elle me termine. Quoi? Non, vas-y, Nox, vas-y, tranquille. Donc, on va jouer ensemble tout à l'heure, tranquille. Je viens pas. Pichou. Oh non, c'est vraiment le kill gratuit. Bah quand c'est toi ça va, ça me dérange pas. Ah ouais. Bah cool. Okotaka. Okotaka qui louche. Heureusement le grand derrière. Non mais les deux sont venus sur moi, quoi. Oh là, je suis à 200 HP, merci bro. Allez, profitez du multipov, hein. Vous avez Valou, vous avez Gotaga, vous avez Michou à proximité. Mauvais côté Sagota, mais la réception est bonne. Oh putain de zone. Et justement c'était Valouz qui lui courait derrière. C'est qui lui? Oh la zone, elle te laisse pas le temps de te poser en fait. Coucou, y'a quelqu'un là. Bouzy. Aïe aïe aïe. Ça pouvait être que toi, gros. Ouais. Oh non. Bien wesh, gros.
on en a encore 3 là. Oh, c'est la première fois que ça se joue à la zone là, comme c'est ça. Une vraie move. Bah, là, ah y a ouais. plus les. Ouais, y a plus... Et puis en même temps, ça parle moins, hein, là, on ouais, l'a compris. Ouais, j'avoue. Mais c'est bien, ça donne une intensité à cette deuxième partie de Royal Rumble. Profitez-en, les amis, regardez ce que t'as gagné. Inspiré. Mais derrière, arrêtez de team up. Arrêtez de team up. Mais si, position. Non, non, non. Ah, il coûte dur là, Gotha. Hein. J'avais 10 HP, j'étais obligé de me rapprocher et lui mettre la putain de balle de space 12 qu'il mérite. Y'a pas de team up. Si tu prenais pas, je pense que tu le tues. C'est pas team up. Mais quoi? J'ai pas le temps de faire mes engins tranquille. Je pouvais pas tirer sur Inno. Balous, tu veux pas revenir? Revenir où? Bah où on se croisait non, là. Bah non, non, t'as vu là, c'est la première fois que je fais une vraie game là. J'ai besoin de points en fait. Mais et la map elle est petite en vrai hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Elle est pas très grande. Oh, t'es revenu. Ou c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Oh shit. T'as un stun Gotha ou pas? Oui. J'avoue que je chatte sur ça, mec. Si, bah, vraiment viens, ouais, viens, tu verras. Non, non, c'est bon, je te laisse tranquille. C'est pas Valouz, Dwag. Fais gaffe, mec, j'ai un pompe. C'est vrai, moi aussi. Ouais, j'en ai un plus gros. Ok, ok. C'est pas Valouz, il m'a dit c'est pas Valouz. Y'a pas de pompe dans ce jeu ou quoi? J'ai quand même envie de revenir, mon cher Michou, hein, je te le dis. Hein. Je t'attends. Y'a déjà la zone. Mais t'as pensé à la zone, Michou? Bien sûr. C'est sûr. J'en étais sûr, gros. Michou! Tu me vois? Je te vois, mais y'a pas que toi là! Ah bah vas-y, je te laisse t'amuser avec tes copains croutons. Wow, y'a des roquettes, frère, je vois des roquettes défiler. Eh les gars, là ça te regarde plus que tout à l'heure, hein. Oui. Ça va moins vite. Mais ça va, on est mal accueillis! Oh, Inox, c'est toi qui me crache! Bien joué! C'est moi qui t'ai fait tomber? Oh, tu m'as gratte, c'était toi qui m'avais foncé dessus là. Mais en vrai, vous avez tous un bon niveau quand même, hein. Ouais, par contre, on a eu du temps de jeu, donc forcément. Et puis le rythme est tellement intense que l'écart de niveau fait trop son effet là. Donc vraiment, t'as rien à te reprocher, Pidi, vraiment, t'as rien à te reprocher. La zone est trop dure là. C'est la zone, même pour nous, c'est dur. C'est pas moi la patronne du jeu. Hein. Et Pid, en 8 games, j'ai fait un kill. Voilà, donc. Donc t'inquiète pas. Ah ouais, ouais, vraiment, c'est ouais, même dur pour nous, je t'assure. Alors. Ça va. Mais par contre, si tu fais un kill, Pidi, juste dis-le nous quoi. Ouais. Ça peut être légendaire. Allez, Gotaga en 1v1v1 avec, vous l'avez vu, Michou qui arrive toujours à se glisser et Inox tag. Mais attention à cette Inox deuxième partie. Inox fait une vraie remontade, hein. Ouais. Inox qui a peut-être compris comment ça fonctionnait sur cette carte. Il va falloir tomber Gotha. C'est lui qui m'a tué, hein. Hey, Gotha, il va souvent final, hein. On entend la Michou, Inox tag se la met. Et encore une fois Michou qui sort vainqueur. Il va peut-être faire le double. Le combo de Michou Croûte. Code créateur Michou Croûte. Inox tag arrive pas derrière. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il team play. C'est pas possible. Non, j'en tue aucun. J'en tue aucun quoi. Ah, c'est Inox. Je sais pas comment je fais tape 2 sur ça, gros. Inox très chaud, hein. Inox il est chaud là, ça y est, hein. Heureusement qu'on l'a relancé pour toi, Inox. Ouais. C'est son moment là. Non, non, mais ça veut rien dire, c'est deux games, frère. Bien, ouais, putain, j'ai la pression, je dis pas un mot, les gars, c'est dur. En fait, c'est un combat contre moi-même, le jeu, putain, il est tellement. Oh, j'ai vu ce que tu viens de ramasser, Michou, je te laisse l'espace, mais. Tu me laisses? Oh là, t'es. Profite, hein. C'est allez, belle. Oh, je vous déconseille d'aller jouer avec Michou. Si tu veux, mais Michou, de toute façon, en plus, il cache bien son jeu, hein. Michou, il sait jouer, hein. Tu partages? Ah bah oui, Michou, c'est vas-y joué, bien, hein. Je t'attends avec plaisir. Tu tires pas. Ça reste à voir. Ah, c'est ce que je me disais, ouais. C'est bien, il y a beaucoup de loot en tout cas, il y a beaucoup de stuff. Au moins, on n'est pas en galère c'est de vrai. Stuff. Il y a du bon stuff, je confirme. Oh putain, Doc, je crois que j'ai failli te tuer. Oh. Non, tu m'as pas touché, Pid. Ça casse les délires ici. Bon, elle a failli te tuer quand même.
Non, toujours qui s'en m'écoute là. C'est pas con, c'est dur. Ouais, c'est dur. Pas tous les jours, Dobby, s'il te plaît. Parce que là, tu m'as mangé hein, sur ce round 2. Hein. Vas-y, la zone, c'est impossible, j'arrive pas à jouer. Oh, wesh. What? Oh putain. Je pouvais pas, mais j'étais low frère en plus. Je t'ai mis headshot. Oh là là. Inox mon frère. Ah oh ouais, en plus ça joue. Oh ça c'est Mich. Ah oh, Michou avec son snipe. Michou s'il te plaît. T'en discutes. Après. Oh, je suis désolé. Oh, non, regardez, oh, y'a du team up là. C'est pas du team up, tu mets les, portails quand un mec se fait tirer dessus, tout le monde tire. Ok, je confirme, y'a du team up. Bah doc, tu veux pas jouer? Bah doc, mais tu vas mourir là. Oh j'ai int. J'ai rien dit. Je rigole, il te couche gros. Oh j'ai archi int. Doc, le ton safe. Ah non. Oh oh putain, bien joué. Doc, t'avais un poisson. Ouais non mais j'ai la zone avait trop de pression. Trop la zone elle met vraiment trop de pression. Hein. T'as pas le temps de te soin. Y'a encore Inox ou je rêve là? Ah Inox il est chaud. Ah. Oh oui. Attends mais le Inox il est où là? Tu l'as pas tué? Non. Mais what? Ah. Oh, oh. Je suis Kevlo. Bah tire, oh non, non Inox va gagner comme ça. Quoique. Attends, Michou. Inox, t'es mis à DHP, non? Michou, peut-être pour le comeback. Non. Oh là, encore Inox. Attends, mais Inox, ouais, 3 top 1 d'affilée. Qu'est-ce que j'ai mis, Gigalo? Oh, Inox, c'est sa game, bah, là. Bah, Inox, je pense. Ok, oh, bah, j'ai Inox. Attends, mais Gotha, c'était quand que tu m'as mis l'eau? Je sais pas, là, un mec que je voulais faire tomber, je crois que c'était ton. C'était moi, c'est moi. Ok, ok. Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Sur toi, je t'ai mis une tête. Mais t'as mis tes HP, non? Ouais, ouais, putain. Michou, tu veux pas prendre mon endroit, s'il te plaît? Vous êtes trop chaud, les gars. Et bah, j'espère que tu ramasses vite les armes alors. Ok, je suis parti. Voilà! J'aime le respect. Pourquoi je sens que tu vas revenir très vite? Je sais pas. Une intuition. Oh bah viens, je t'accueille avec plaisir. Puisque je viens de ramasser. Putain, vous êtes trop chaud les gars, rien à dire. Après, est-ce que ça te motive un peu à reprendre un peu de level là pour venir les éclater la prochaine fois? Non. C'est bon, ton avis. Pas à ce point-là. Franchement, j'aurais pas cru pouvoir tuer Gotha une fois dans ma vie, les gars. Je suis heureux. Rien à dire, hein. T'es chaud, mec. Hein. Ah ouais, pardon. Ah, mais c'est toi encore! Eh hey, tu me cherches Dwag hein. Je te jure c'est pas ciblé. Oh attends, il y a la zone. Je vais mourir. Ah oh non, il y a la zone ouais. On fait quoi Nyox? Mais la zone c'est de la merde. On s'arrange ou? On s'arrange de quoi gros? Genre tu me laisses partir et je rate pas derrière moi. Ça te va? Bien joué ça. Bien joué à toi aussi gros. La doublette. Pas d'armes à distance, c'est horrible. Bien joué. Oh non, je te mets 50 frère. T'as le pire pompe aussi, je crois. Oh non, je me redémis. Il est putain. Mauvais maintenant ce pompe là. Ouais, il est très bon. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Oh non. Je pensais qu'il était bon. Oh Gotha. Non, il est nul, il est nul. Gotha, c'est sa game là, peut-être. Gotha, il fait des vrais games aussi depuis tout à l'heure. Il pique là, ça pique. C'est la pression. Je la comprends pas la zone, no joke, je la comprends pas. Elle vient à gauche, à droite, en haut. Ouais, t'es random zone, hein. 1v1. Ah oui, non, moi j'aime pas la zone. C'est pas ce que vous voulez.
Pauvre Pidi. Encore Inox hein. Non non c'est pas moi. Et tu sais que j'ai failli toucher quelqu'un. Gotha. Oh, j'ai un HP. Oh la 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 la. Ah la Scar. Belle trouvaille. J'avais pas d'armes de distance. Belle trouvaille. Gotha est très régulier là sur ces games. Inox, Gotha, Michou, ça risque de se jouer entre l'un de vous trois. Attention, il reste deux manches. Donnez tout messieurs, sinon il y aura des regrets. Bon, Dwag, j'arrive. Non, non, t'as gagné en fait, c'est le premier arrivé, premier servi. Oh, j'ai une Scar. J'ai un retour Windows. Ah bah, Dobby, désolé mon ref. Ouais, j'ai retour Windows. Désolé, frère. De quoi? Dobby, il a eu retour Windows. Ah. Oh, y'a du beau stuff, hein. Si seulement ça pouvait être comme ça dans les vrais games. Oui, j'avoue que là, y'a que du vrai stuff. Du légendaire. Allez, lâche du ch. Oh là là, y'a quelqu'un qui m'a. C'est toi, Pid? Désolé. J'ai failli toucher, non? C'est mon premier kill. Elle est trop longue! Elle est trop longue! Ouais, bah c'est un fusil à pompe. Wesh! Faut que j'ai un AK-47. Oh, tu te mets bien, Goto là. T'as dit quoi, Pidi? J'ai dit Goto, frère. Goto. Goto go? Je vous lance roquette encore chez Dwag. La chatte, hein, de... franchement, je trouve que c'est un avantage de fou d'en avoir. Pidi, elle a dit, faut que j'ai une AK-47. Ouais. Puis j'avoue, pompe à charge, c'est pas le meilleur bail. Hein. Oh. Enfin, pompe. De guerre, pardon. Pidi, raconte-nous un peu ta journée là. Oh, c'était pas trop intéressant, je vais aller faire les magasins. J'ai. Okay. Il y a un space 12 derrière, mec, si jamais. Ah, t'as pas le temps. J'ai acheté les courses, quoi. Hein? T'as été faire les courses. Je pouvais même pas mettre de heal. Ouais. Eh, Balou, c'est ta game là? Par contre, je savais pas, je pensais que les Pookies, je pouvais les enchaîner en fait. Mais j'étais parti en fait, Gotha. Ah, tu pensais que tu pouvais. Ah, mais quand j'ai mis la deuxième, je pensais que ça allait reset les 5 secondes, tu vois. Oh, mais sérieux? 13 points de vie, Bouzy? Il restait ben 20 vu que j'ai eu le 50. Aïe aïe aïe. Putain, j'avais une Scar légendaire, j'ai trop le seum. Ouais, je suis à la zone, je comprends rien. Il est trop beau ton skin. Merci. Ouais, mais en vrai, c'est le meilleur skin de la, cette saison là, je crois. Ouais, vraiment archi stylé hein. Il reste 3 mecs, 3 remain. Ah, il a pris un tick de zone, ça a reset. Ah, ok. Ah, la zone, okay, elle pique, hein. Encore si elle faisait que un de dégâts, mais là, non. Ouais, elle douille, hein. Ah, ouais. En vrai, faut limite jouer la position, non? Un peu, faut faire un petit. Après, sans kill, tu gagnes pas non plus, quoi. Ouais. C'est dur d'avoir beaucoup de build, hein. Ouais, ouais, c'est chaud, hein. T'as pas le. Ouais, ouais. Non mais toi, je t'avais mis tellement de dégâts tout à l'heure, t'as régène. Oh, pas tellement vite. Le bouseux, au-dessus. Oh non. Mais gros. Du free loot pour Dwag. Ça fait 15 fois. T'as offert du loot à Dwag. La mort vient du ciel. Hein. Ah ouais, là c'est radical. J'ai tombé, j'étais mis en bas, j'ai gagné. Bien joué, bien beau réflexe là. Skill, mais vas-y, c'est bon. Il en reste une. Dernière manche. Dernière, les gars. Allez, let's go. Allez, l'air. Pidi, on est tous avec toi. C'est que je pourrais faire ça toute la nuit. Ouais, c'est trop bien. J'avoue que là c'est la moving. Non, pas toi, Pidi. Ça t'intéresse pas toute la nuit du training là, hard? Je suis pas trop une gameuse. Pidi, je suis là. Tu trouves que je suis un rageux là, Inox ou quoi? Ouais. Vas-y, vise-moi. Attends. Oh, Valouz qui se livre à Pidi. Bah, elle arrive pas à me viser, gros. C'est vrai, tu vas trop. Moi non plus, en fait. Ah. C'est vrai. Vas-y, Pidi, fais ton premier kill. Attends. Oh, je t'ai touché. Oh, le Valouz, c'est un bâtard. Oh, c'est bon, elle m'a mis un coup de pression quand même, bon. Elle m'a touché. Eh ben, Pidi n'aura c'est pas son kill. C'est vrai que je t'avais touché. En vrai, elle m'a mis un coup de presse, gros. Pidi n'aura pas son kill, malheureusement. Presque, hein. Bah, elle m'a mis l'eau. Grave. Elle m'a mis l'eau. Mais on sait mais qu'elle a été faire les courses aujourd'hui. Là. C'est déjà bien. Ça va, Inox, les mécaniques, hein. Mais gros, attends, je suis pas loot du coup.
J'ai un flingue, j'ai trop le seum. Mec, le flingue. Moi j'ai tellement mon spawn bien. En fait, la zone on la voit pas sur le... la manière. Ouais, c'est ça qui est trop chiant. Si on la voyait sur la. Du coup, tu mais dès que je tire sur quelqu'un, c'est quoi ça? Ah oui, on la voit pas sur la minimap en fait, c'est ça le problème. Oh, ce que je viens de trouver. Mais t'as un timing bousier à chaque fois, dès que je tire sur quelqu'un, tu dis ok, c'est bon, je peux tirer. Putain. Oh non. Oh non. Ah, je peux rien faire. J'avais pas de stuff vu que je me suis amusé avec Pidi. Ah, Inox et Michou là, y'a le duel dans le duel là. Et y'a Dwight qui est là, hein. Non, après j'ai pris vraiment peu de points sur le round 2. Ah ouais. Ah, mais je me bloque tellement. Donc là, c'est une bataille entre les deux cracks. Non, y'a Dobby aussi. Non, mais la folie où là farmer. Il est dans un buisson. Frère, j'ai pas d'armes, regarde mes armes. Oh là là, le 144, ah ouais. Il fait mal. Oh oh oh. Oh non, je suis près du but. Non. Oh non, il s'est tué lui. Non. Tu l'as cherché. Tu lui as niqué sa gueule. Sinon, tu m'en dois une là. Si tu vas me chercher, tu dors, frère. Ah ouais, j'avoue. Oh les gars, j'ai le seum, je voulais la gagner celle-là. Et Inoxac est en train de faire une remontada là, face à Michou et Gotaga. C'est même plus une remontada là, c'est... là il a dominé le game. Ah ouais, je pense qu'il me bat. 1v1. Bah c'était notre pronostic hein. Oui. Mais c'est vrai que Michou avec son départ on... Je pense que première game il avait la pression alors que Michou était chaud. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est on vrai. A fait master kill, c'est tout vrai. Ça. En vrai j'ai fait que des bonnes games mais regardez les éditeurs si t'es. Là même sur le round 2 ça va, ça a été... Ouais franchement ouais. Il est méga régulier. Non mais regardez-le, non mais c'est très clean, c'est très très clean pour une octaille. Il est chaud, GG. Aïe 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 aïe. Bravo. Donc là en vrai pronostic c'est soit Michou soit Inox. Ah là je pense qu'on va gagner, ouais, on va... ouais je pense que c'est un des deux. Et dans tous les cas je pense Inox que c'est... La deuxième partie. Dans tous les cas je pense que c'est Michou qui prend le trophée, soit il le passera à Inox, soit il le gardera. 14 kills il a fait hein. Je pense que c'est entre vous deux. Après il n'y avait pas les bonus, là où peut-être Michou a profité des bonus tout à l'heure, on va voir. C'est vrai. Oh le petit bonus plus 2 qui te coûtera cher. En vrai ce format il serait juste un poil plus de temps que la zone part. C'est ça. Moi j'avais demandé 2 minutes avant que ça démarre, qu'on ait le temps de se taunt un peu, de parler. Et après, une fois que ça démarre, un rythme pareil mais un peu plus lent. Et c'est vrai que vu qu'elle est pas affichée sur la map, tu vas toujours regarder sur le terrain. Ouais. C'est normalement, frustrant. On la voit pourtant. Hein. Ouais, bon, c'est le mode créatif. Ouais. Mais j'aime bien, il y a des trucs à faire. En tout cas, la map était super en termes de beauté, en termes de spawn. T'as vu la petite référence avec la G-Core. Ouais, c'est trop bien. Mais même en fait, même quand tu joues pas, genre j'ai retrouvé le bâtiment du jeu. Il est trop lourd. Du coup, t'as des références. Il est trop dynamique, tu t'amuses trop. Là, tu vois, ça relance. Allez, c'est parti. Non, je vous comprends que ça veut rejouer. J'ai quitté. Gotha, il m'a regardé, il avait une revanche à prendre. Lâchez les claviers. Dites-moi des infos en régie. On a aucune info. Michou, combien de temps il faut pour comptabiliser les points? On attend ça avec impatience. Dites-nous. Tenez-nous au le courant. Le chat pronostique Inox. Oh, ouais. Je sais pas, à voir. Franchement, ça va se jouer à pas grand-chose. En attendant, on va souffler nous un petit peu. On va vous remettre rapidement la vidéo si vous l'avez loupée en début d'émission de Scuff que Gotaga a produite. Vous allez la comprendre, c'est une manette qui est plutôt intéressante, qui a une histoire. On vous met ça, nous on reprend nos esprits, ensuite on fait un petit débrief. Et normalement, le temps de débrief, on aura les points et on pourra finir la soirée là-dessus. Voilà, petite vidéo et on revient dans un instant. Réaliser, créer, innover, partager. Ce sont ces valeurs qui établissent notre monde. On s'est basé sur ces mêmes principes pour établir cette nouvelle manette. Une manette qui illustre mon passé, la carrière que je me suis forgée à vos côtés, pleine de passion, de travail, de sacrifice et de volonté. Aujourd'hui, avec cette nouvelle manette, je comprends à quel point toutes ces années ont été incroyables pour moi. De ma première compétition à un show sur l'un des plus beaux monuments du monde. Je réalise le chemin parcouru et ce sont toutes ces étapes qui ont façonné ma vie, mon existence. La mission était claire, conceptualiser une manette qui soit à notre image, à l'image d'une génération créative, débrouillarde et critiquée. Une génération qui utilise chaque espace pour créer, s'exprimer et se révéler. Rappelle Michou et Valus qui repart pire, avec. Allez là. Au pire, Inox, pour nous, les gars. Si je repars pas avec le trophée, moi j'ai la manette. C'est vrai. Moi j'ai la manette, Inox. Toi, ça. Tu l'as pas, ça. C'est vrai. Franchement, elle est très sympathique. Je vais l'acheter. Et Valus qui a acheté la plus grosse keuf du monde, 2080 euros. Ouais, elle est pas mal. Non, c'était très sympathique. En tout cas, un grand merci à tous les croutons de s'être rendus disponibles. Ouais, merci à vous, les gars. On est en train de calculer les points. Merci à vous, surtout. Ouais, vous avez kiffé. Carrément, c'est un honneur. On a fait la reprise. C'est lourd de ouf.
On vous invitera, le Bouzeux, Inox, c'est vrai que vous n'êtes pas passé dans ces studios-là, on vous invitera à l'occasion. Mais grâce à vous, vous vous rendez pas compte à quel point genre on a pu proposer aujourd'hui aux gens du Fortnite, tu vois, et ça faisait bien longtemps, il y a tellement de personnes qui nous connaissent via là, et c'est vrai que, bah pas on l'a oublié, mais même nous l'émission en soi, genre il y a très peu d'invités qui voulaient venir, et genre là vous avez joué le jeu de dingue, il y a même Michou qui est parti sur un call 260, un Valouz qui l'a fait avec le sourire, alors que les gars, payer 2080 balles comme ça sur un coup de tête, il a un peu les larmes aux yeux. Sur le live c'est marrant, sur le live c'est marrant, mais bon quand tu relativises et tu reviens dans la vraie vie, tu te dis c'est quand même plus d'un smic comme ça, juste parce que à un moment j'ai mis une balle d'air à gauche pendant que Dogby partait en bateau, quoi. Genre, d'ailleurs, pendant la pause, il demandait aux viewers s'il pouvait le payer en 12 fois sans frais. Comme ça, petit, mensuellement, tu vois. Il n'y a pas de souci, on s'arrange. Bah, merci à vous, hein, parce qu'en vrai, Royal Rumble spécial Crouton, on n'y aurait jamais cru. Hein. Surtout là, vous avez brillé, les gars. C'est vrai que c'était. Vous avez brillé, hein, putain. Non, franchement, c'était très, très Crouton. C'est quoi un peu là les grosses infos? C'est vrai que le Bouzeux, toi, on avait suivi cette. Malencontreuse expérience que tu as vécue. J'ai vu que là tu as reconstruit un PC, tu es en train de remettre le studio à jour. Ouais. Tout va bien là. Ouais, je suis très bien là. Ouais, je suis très très bien. Il manque plus que le setup F1 à refaire. Et faut reprendre le grind de Rocket League. Aussi. Ah, Rocket League, vas-y, c'était chaud. Ce mois-ci, on reprend ce mois-ci là. Il y a pas mal de gens qui jouent. Vas-y, bah on fait un planning. Vas-y, c'est parti. Qui a envie de nous parler d'un petit projet là qui arrive assez rapidement là? Je sais que je parlais tout à l'heure avec Michou Inoxtag de ton projet, du projet que vous avez en commun, d'aller se cacher en France, petit cache-cache qui était ouf. Moi, j'ai adoré. Donc, vous allez essayer de le faire à l'Europe. Bon, c'est prévu pour 2021, j'imagine, non? Plutôt avant. Europe, peut-être avant Europe. Ah, lourd. Il y a pile ou face. Ça va être compliqué, mais avant, il y a pile ou face. Un autre malade. En gros, on va faire une vidéo pile ou face. Ouais. C'est... Vas-y, tous jouent sur un pile ou face, tu vois. Mais ça va être tous les trucs les plus extrêmes. Comme quoi, par exemple, chanson en parachute. Attends, genre un truc extrême. Soit élastique. Et il va y avoir une 10-15 de défis. Et pourquoi vous le faites pas au Shifumi? Par exemple, nager avec les requins. Parce que pile ou face, c'est la pièce qui choisit. Shifumi, c'est toi qui prends quand même la défi. Ouais, mais ils ont déjà fait une série. Ils ont déjà fait une série. Ils ont déjà fait deux vidéos. C'est pour ça. Ok. Bah, nous, on a une nouvelle émission avec Gotha. Ça s'appelle Pierre Ciseaux. Ça s'appelle Shifumi. Et il y a plein de défis. Bah, genre son parachute. Non, mais voilà, on a compris en fait. C'est ça qui est intéressant avec les croutons, c'est que j'ai l'impression que individuellement vous avez tous vos projets et que dès que vous pouvez regrouper avec des copains directement, vous faites des projets en commun. Il y a ces voyages là qui sont clés pour vous. Est-ce que c'est aussi dans cet objectif de se retrouver, de souder les liens, carrément, parce que en vrai, même si on bosse à fond de balle, c'est pas business, c'est juste on est là, on fait nos vacances, on kiffe. Et bah vas-y, on farme parce que bah on aime bien, tu vois, mais en vrai c'est vraiment pour les souvenirs. Si on tournerait pas de vidéo, on aurait envie d'en tourner. Ouais, c'est ça. Donc là, ce que je vous disais, votre force, c'est que vous avez aussi à réussir. Est-ce que genre là tu kifferais faire tous les jours une vidéo de Fortnite, tu vois? Tu kifferais moins, je pense, aujourd'hui Là c'est que vous avez pris un tournant de dingue et genre vous avez réussi à vous actualiser et du coup bah vous faites juste, en fait vous faites travail et passion à la fois, et ça qui est trop bien, tu vois. Il y a de la musique, il y a des vlogs, il y a des gros concepts. Est-ce que pourquoi pas peut-être vous voir tourner dans des séries, des films, des courts-métrages? Est-ce que c'est des trucs qui peuvent vous tenter, ça? Moi en vrai, j'aimerais bien. Inox, pour l'expérience, ça pourrait être une dinguerie. Ah ouais, j'ai déjà fait des espèces de gros tournages. Ouais. Je sais pas si c'est un truc que je kifferais faire beaucoup. Au quotidien, genre en mode de ta vie de tous les jours, ok. Ouais, mais pourquoi pas genre à l'occasion. Genre faire les prises plein de fois et tout, c'est un truc, je suis pas à l'aise. Si on dit par exemple, il y a la série Validé qui a cartonné, on dit de jouer Michou dans Validé. Ah, ça je suis trop chaud. Une série genre YouTuber, devenir un YouTuber. Ouais. Ils ont fait un casting pour la saison 2, je me suis présenté. Alors Bah je sais pas pour l'instant. T'imagines? Mais non, mais c'est trop bien. Ça serait fou en plus. Ils cherchaient des influenceurs. Du coup je me suis dit, vas-y, c'est parti. T'as très bien fait. En plus, du coup, tu joues ton propre rôle, donc c'est plus simple, t'ajoutes toi-même. Quoi. C'est clair. C'est très très cool. Valouz, toi, c'est quoi la suite là avec Pidi? Qu'est-ce que vous avez prévu? Toujours des kiffs, des barbecues? J'ai trop résumé Valouz. C'est ça. Ah non, c'est bientôt la fin de saison en vrai. Ok. Ah bah oui, l'hiver. Hein. Donc là, ça va être. La plancha. Les fondus, les raclettes. Mais invitez-nous à l'occasion, on passera avec grand plaisir. On ira kiffer avec vous, le mec qui essaie de s'incruster. Mais honnêtement. Bah non, avec plaisir. Bah vous avez des gros projets. Hein. Félicitations à tous les croutons. C'est ça qui est bien, c'est que chacun fait monter le groupe. Tu vois. Et après, dès qu'il faut se rassembler les forces, ils le font. Rien à dire, ça partait sur des bassins parce que personne n'avait entre guillemets rien au départ. Et là maintenant, vivez votre vie à fond. C'est voilà, prenez exemple sur ces gens-là. On me dit dans l'oreillette que c'est bon pour les scores. Oh yep, on a les scores.
Mon cher Valouz, ça y est, mon cœur il bat. Est-ce qu'on peut mettre Valouz en face caméra s'il vous plaît? C'est toi qui vas devoir lancer les scores. Ah ouais? Je te laisse cette responsabilité. Bah attends, mais moi j'ai pas les scores. Oh, t'inquiète pas, t'as juste à dire on découvre le grand gagnant. C'est quoi? Oh, j'ai peur. Valouz, face caméra, tout attends, de suite. J'ai des yeux en carton, je vois pas sur la télé là. Tu dis juste qu'on va découvrir le gagnant. Ah, tu vas pas? Ah, ok. Les amis, le gagnant de ce Royal Rumble est. Attention, let's go! Michou! C'est Michou! À 3 points d'écart! C'est ce qu'il disait, il a call, il a dit quoi? Il a dit, moi depuis tout à l'heure, toi, que je fais des bonnes games, enfin, tu sais, je suis toujours là-dedans, et il a eu raison parce qu'il a moins de kills que Inoxtag, mais il était régulier. La moyenne qui fait que ça se passe bien. Moi, heureusement, j'ai eu une bonne première session parce que la DM était horrible, ça m'a permis d'être 3ème. T'es là. Derrière Michou Inox, j'accepte. Inox, dommage. GG Inox, GG. Ta deuxième session était parfaite. Mérité. T'es quand même fier pour le copain. Bah oui, bien sûr. Moi je trouve ça toujours cool que ce soit aussi un mec qui est sur le plateau qui gagne. C'est toujours. Sinon on a tous une gueule de déterré. Monsieur, tiens. Oh, et je crois qu'on a une autre surprise. Et cette fois-ci elle est pas pour Michou. Surprise pour Gotaga. Tout le monde est venu avec un énorme gâteau Twitch. Il y a toute la famille pour profiter. Il y a même Prime. Qu'est-ce que vous l'avez? Tout le monde est là, mesdames et messieurs. Joyeux anniversaire Gotaga. Attends, what? Oh, on vous l'avait dit ce lundi, la nuit extraordinaire. C'est un gâteau Twitch. Regardez, mets la webcam de Gotha en régie. Allez, faut pas trop lâcher. Les gars, c'est son anime. Bon, c'est pas trop Covid friendly, les gars. Regardez-le, il est magnifique. Mais y'a trop de gens. Y'a même le Kamel. Tout le monde est là, mesdames et messieurs. Mais what the fuck. C'est extraordinaire. Ça va? J'espère que vous avez kiffé. Y'a Kameto, y'a toute la famille qui est venue. J'espère que vous avez kiffé cette reprise. Incroyable. Ah, il y a mes parents et tout. Il y a la famille de Gotha, il y a vraiment tout le monde. Oh là là, mais il y a trop de gens. Voilà. Grosse surprise. Gotha qui n'était pas franc. Gotha, un message, un mot par rapport à tout ça, forcément. Alors, je m'attendais à un gâteau. Ouais. Mais je m'attendais pas à tous ces gens-là. C'est incroyable. Bon, après, dans le chat, il m'a dit c'est pas très Covid friendly là. Tout le monde a détesté. Tout le monde a détesté, ok, c'est bon, c'est bon. Sachez-le, tout le monde a détesté. Les gens, merci à tous. Nous, on va péter, on va faire la fête, tout ça. On vous fait des gros bisous. Attends, on se retrouve lundi prochain. Et regardez les invités, on vous montre ça directement. Vas-y, lundi prochain, les gens. Ça va être Warzone avec l'autre.